Et nous sommes déjà de retour, mesdames et messieurs. Pas le temps d'encaisser la défaite. Nous tournons nos yeux vers la Corée du Sud et la Chine. T1 contre Bilibili Gaming. Rematch de la finale lower du MSI 2023 qui s'était terminé par un 3-1 en faveur de Bilibili. Pourquoi tu regardes le sol quand tu dis ça? Je dis ça parce que Dokla n'est pas mort du BO contre G2, hein, quand même. Il a 28 de KDA. Hein. Contract, c'est devenu Canyon Prime, l'histoire d'un BO entier. Ouais, mais voilà, c'est juste. C'est un peu coincé là. Un peu là. On est en train de parler d'un autre BO, mais c'était pas possible de ne pas parler du précédent. Et pourquoi sur le plateau il y a 2-0 pour T1 là? Arrêtez de me curse, la vérité. C'est vrai qu'on voit un gros 2-0 pour T1. La vérité, je l'ai vu, arrêtez maintenant. Non, tu mets 0-0, Bichente là, c'est pas possible. Hein. On ne curse pas aujourd'hui. G2 a subi une lourde défaite, Shriek. Si T1 subit la même chose, journée pue la merde. Okay, c'est pas moi qui prends, tant mieux. Non. Ok, c'est en vrai, moi je m'attends à un BO qui est beaucoup plus serré déjà. Je m'attends à 3 games aussi. Et je m'attends à une équipe qui répond à l'autre, tu vois ce que je veux dire. Pas 4 Drake à 0, 10 000 gold d'avance sur 2 games différentes, tu vois. Oui, mais bon, enfin bon, s'il y a une équipe qui parvient à lâcher ce genre de performance, ce sera totalement accepté. Ban de Rumble Redside, voilà une curieuse ouverture. Ils ont vu le BO d'avant, ils ont vu Dokla. Ils ont vu Dokla, mais Rumble était drafté Redside. Ouais, mais Dokla, il peut-être que Bean ne peut pas faire Rumble. Bon, c'était pas faux. Non, c'est surtout que Bean ne veut pas voir de Rumble étant donné qu'il joue Jax à Trox Cassanté. Je pense que c'est plutôt ça. Après, traitons à raison, je pense que le pick Jax va avoir une grande valeur dans ce voilà. Voilà. Le ban Rumble force le ban Jax, moi ça me semble être la lecture la plus simple. J'aimerais bien voir ce que vont jouer les deux top laners et si c'est Cassanté, bon je vais péter un câble, c'est pas très grave. Alors première game, ça sera forcément Rihanna pour Faker, non? Pas forcément, parce que là j'y vois un ban de Renata. Et je me demande si ce ban de Renata, c'est suffisant pour retirer Kalista du pool. Il y a Rel, il y a Caitlyn aussi. Pas super, open, le read de la méta. Open Jarvan, mesdames et messieurs, Open Jarvan. Mais attends. Curieux. Là, tu peux faire quoi? Tu peux faire... Kaïssa Rel. Oh, rien à Kaïssa, mais rien à, c'était dur dans Jarvan. C'est vrai que c'est dur dans Jarvan. Mais si tu prends Kaïssa Rel, en fait, le problème, c'est que tu penses que ta draft, elle est déjà vide par rapport à celle que va avoir T1, tu vois. Tu peux faire Ori Poppy. Pour moi, Orianna est garantie, même si c'est dur contre Orianna, contre Jarvan, et tu l'accompagnes, je pense. Poppy, hein, je pense, hein. Oh non, Renekton pour Bean. Je pense qu'il faut de la front. Bah déjà, il y a un Azir qui doit partir, je pense, pour T1. Ça me semble tout à fait normal. Azir, Nico a été supprimé, donc il n'y a pas grand-chose. On ne veut pas réellement jouer Syndra du côté de l'Asie, j'ai l'impression. Les seuls qui l'ont joué, pour l'instant, c'était North America et Europe, réellement. Donc le Azir, c'était prévu. Azir et Cassante. Azir Cassante, t'as une bonne draft dès le début, tu peux prendre ton AD carry aussi maintenant, et tu Kaïssa. Et tu fais une surprise botlane à base de Nila ou Senna. Tu prendrais pas Kaïssa maintenant toi? Non. Kaïssa ou un autre AD carry? Non, botlane deuxième rotation. Et bien à ce moment-là, tu prends ton Cassante ou... Botlane deuxième rotation, j'ai aucune vanne. Ok, botlane première rotation. Ouais, ton Cassante il est lock. Mais enfin, c'est mon équipe, je veux dire, c'est... Non ! Foiré ! Bah, alors, oh, le Gnark a été prévu par Twist, évidemment, pour cette AD carry roll, c'est ça, évidemment. Ma lecture est pas mal, quand même. Botlane, deuxième rota, en mode surprise, et ça va être une botlane Nila ou Senna. Nila ou Senna, c'est oui, cool. Je vous le dis. C'est très très cool, je m'attends beaucoup plus à quelque chose de traditionnel, genre Stevie et compagnie, comme on a vu dans le BO d'avant, mais on verra. Tu la connais bien, ta botlane. Je la connais bien. Tu la connais bien et ça sera un Gnar top. Tu la connaissais pas par contre, ta top lane. En vrai, le Gnar de Zeus, on l'a pas tant vu que ça. Il est plutôt... Bah, on l'a pas tant vu que ça pour la simple et bonne raison que la mid lane est rarement draftée aussi vite en ouverture red side. Hein, puisque là, ils ont Orianna quand même, ils ont sauté dessus. Mais du coup, t'as pas le potentiel Sylas qui peut débouler. En Asie, on joue Sylas. On joue Sylas, absolument. Donc, s'il y avait pas une ouverture Orianna, il y avait pas de Gnar. Clairement,
évidemment. Donc là, il nous faut un AD carry solide des deux côtés, parce qu'on est quand même dans une composition front to back. Ou Caitlyn, hein, j'ai oublié Caitlyn au fait dans la botlane T1. Hein. C'est Caitlyn, Senna ou Nila. Ouais, dis tous les AD carry, t'as forcément raison. Mais non, c'est les trois carry les plus excentriques. Donc tu t'attends vraiment à un AD carry atypique. Et il n'y a aucune vanne, vraiment, je m'y attends. Je ne suis pas en train de blaguer. Je m'attends vraiment à voir cette Kai'Sa tout de même. Hein. Elle me paraît gratuite pour T1. La Kai'Sa, c'est le pic de réouverture de Bilibili parce que ça ne va pas être ban par T1. Cette Caitlyn a été bannie par contre. Mm-hmm. Et là, est-ce qu'on ban en deuxième? On pense que cette Rel partirait jungle. Est-ce qu'on partirait pas? On pense à un ban Sivir. Non, notre probablement un ban Ezreal. Ouais, tu rigoles. C'est, ouais, c'est fou. Non, je lui ai dit qu'il y a zéro type qui écoute, donc ban Ezreal. Ouais, bah. Après, pourquoi ban un champion qui ne sert à rien, tu vois? Je comprends pas. C'est pas un carry de toute façon. C'est vrai qu'il y a toujours Kalista, peut-être ban Kalista, non? Ah, c'est Juani, Renekton. Un ban support, un ban jungle, on sait pas trop où va aller Rel, mais on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de Rakan. Oh, je pense que c'est Kai'Sa. Hein. Si c'est pas Kai'Sa, Tristana. Quoi. Non, c'est pas Tristana. Kalista. C'est pas Tristana. C'est Kai'Sa. Hein. C'est Kai'Sa. Et là, c'est parti. C'est Senna ou Nila. Si c'est pas Senna ou Nila. Je ne fais pas de pari, juste je parle de ma lecture de jeu. Ça me dégoûte que t'aies raison. Ah, j'ai pas raison. Le suspense est entier. Oh là là, je suis beaucoup trop chaud. Et le support qui va aller avec? Ah, ça je sais pas par contre. Ça, j'avoue que c'est compliqué. Oh, le Lee Sin! Oh, le Lee Sin! Oui, voilà, tose! Non, c'est net. Voilà. Et bah écoute, ah, voilà. Tu vas aller dans les lots. Quoi? 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 Une Italie? Oh. Alors là, oh, il vole la vedette. Oh, bah, là, il vole la vedette, les Bilibili. Anita! Renekton Nida ressuscité, mesdames et messieurs, le last pick de Bilibili. Toute cette monologue que t'as fait sur T1 qui est totalement masqué par le last pick de Nida. Du calme. Il faut que ça passe. Ah ok. Il faut que ça passe. Ça passe quand même. Ouais, bah, c'est vrai. Mais il y a une Nida, donc c'était le banger caché, comme on dit. Nila Oriana, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, Nila Renekton, ça existe. Mais Nida Renekton évidemment. Oh, cette Nidali, personne ne pouvait l'anticiper. J'attends des merveilles. Pas trop parce que sinon Twix va pleurer, mais j'attends des merveilles. Du cas, personne ne pouvait l'anticiper. Nida Renekton, ça fait partie des duos les plus populaires de jungle AP. Jungle AP top laner AD. Pas de cette année, mais non. Ok, non, mais genre, mais historiquement, c'est pas un combo nouveau quand même. Non, mais c'est juste que dans cette méta, dans ces worlds, Nida. C'est la première fois qu'on voit Nida Renekton, je pense. Attends, peut-être les play-in, je sais plus. Mais y'a pas une Nida du tout, je crois. Je me souviens pas de toutes les games de play-in. Pour moi, y'a jamais eu une Nida. Non, je pense pas qu'il y ait une Nida en play-in. Ah, peut-être une en play-in, en vrai. Bah, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non, pour moi, Nida, c'est tellement unique. Ça me dit un truc, ouais. Mais je crois que je confonds avec le MSI. Ah, je sais qu'il y en a eu un en LFL, ça c'est sûr, avec Geo. Mais à part ça, personne de mémoire. Si vous l'avez, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que j'ai un petit doute. C'est assez difficile à retrouver. Quoi qu'il en soit, on est lancé dans la première game de cette série entre T1 et Bilibili. Match retour depuis le MSI. Nida Renekton pour le jungle top des Bilibili. Alors, c'est tout ou rien. Littéralement tout ou rien. En revanche, le match-up Jarvan-Nida est catastrophique pour Jarvan. Il est catastrophique. Ça dépendra en plus des prios de lane. Et là, il va falloir jouer agressif pour cette Nidalee. Ouais, il faut jouer méga aggro. Et normalement, on devrait avoir la prio Ori over Azir et Rennec over Gnar, j'imagine. Si Rennec trade des PV, hein, ça devrait le faire, logiquement. Bah, dans les trois premiers levels, généralement, tu peux avoir le push pour Renekton, justement. Et Faker ne joue pas avec Déluge de l'âme, donc il devrait subir la pression. Hein. Vous vous souvenez un petit peu de cette règle? Oui. Hein, cette règle de Azir qui doit jouer Déluge de l'âme pour matcher la pression en lane d'Orianna, surtout une Orianna Aeri et une late invade visiblement, ou alors c'est juste une prise de vision. Il prend les Raptors avant d'aller sur le Red Buff, ce serait très malin. Tu prends les Raptors, tu vas direct. Non, c'est la. On voit la marque et l'invade va a priori se poursuivre. Une guerre de smite, mesdames et messieurs. C'est loupé. Une guerre de smite, 600 HP, c'est ça hein. Ouais, c'est 650. On qui a loupé son dashin, il va falloir jouer la temporisation. Gobamski, le flash sur justement ce Jarvan Honor. Honor, le flash en deux, est-ce qu'on aura les dégâts pour trouver le premier kill Honor. Faker qui arrive. Faker Le premier stand.
Et le first blood sera pour T1, mais le Red Buff a été volé par Billy Billy. Le superbe Spear connecte sur Kaya. Est-ce que Sean peut s'en sortir? A priori, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Oh, Sean qui s'est pris le coup de l'angle. What? Kaya, l'auto-attaque, il manque une dernière auto. Le coup de l'angle, Spear. Il l'a laissé. Kaya qui a pris un kill, le Red Buff ensuite qui est appliqué sur On. Il y a l'arrivée de cette Senna, le slow qui est appliqué, il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash. Il est stun. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tuez-le. Tuez-le. Il est encore derrière le tueur. Oh, la shot. Oh, il s'en sortira, mais oh là 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 là. 2-0 déjà pour niveau 2. Le niveau 2 sur elle. Quel qui n'a pas de flash. On le rappelle. Il n'y a pas les dégâts. Il n'y a pas les dégâts. Il n'y a pas les dégâts. Mais par contre, la bot lane de BLG force au reset. Oh, c'est une... un early game expéditif. On a 2 minutes 40 de jeu, Twix. 2 minutes de jeu, 2 minutes de jeu et je... Je n'ai plus d'eau dans mon corps. Bah toi, t'es gagnant dans cette histoire. Un cagole d'avance. Oh, la frénésie. La Nida a perdu son red buff, elle a perdu tout son avantage. Il va falloir trouver des solutions très très vite hein, pour BLG. Je n'ai absolument pas regardé les autres lanes, ce qui s'est passé sur la carte. On voit Faker qui souffre, c'est normal, on vous en a parlé. On n'a pas eu le temps d'en parler de ce déluge de lames parce qu'il y a eu l'invade. Mais évidemment, si vous ne prenez pas de déluge de lames, vous sacrifiez votre early game pour avoir un meilleur late game avec Conqueror en front to back. Mais déluge de lames, comme le disait Nuke, c'est vraiment gratuit dans les trades. Dès que t'as un item, c'est encore plus gratuit. Ah, c'est une vraie recette d'OTP asien. Très populaire depuis l'arrivée de la rune. Ouh, par contre, c'est revenu au goût du jour. Attention, il a des cookies hein, parce qu'il a du mana, Yagao. Hein. Faker a besoin d'être libéré de cette laning phase où il souffre énormément. Il pourrait même être... s'il prend une spear, c'est kaboom. Le timing de back est plutôt pas mal. Cette Nida qui va cross mid lane, je crois qu'elle va être vue, hein, évidemment. On joue la rapidité plutôt que la furtivité. Est-ce qu'on va essayer de contester quoi que ce soit? Il n'y a plus rien à contester, il doit être au courant hein, que ses Raptors et ses golems sont en train d'être faits. Raguma qui liche les stacks. Niveau 2 tout de même pour Gamera qui est un peu en retard, c'est normal. Mais il y a une grosse wave qui arrive et là il y a un 3v3. Et on l'a bien senti, on l'a bien senti, on est prêt à répondre. La loupé. La spire. Baissez la tête mesdames et messieurs, une spire arrive droit dans votre fenêtre, la contre-attaque des T1. Attention, Gaïa qui perd beaucoup de points mais qui va se faire exécuter. Il n'y a pas les dégâts malheureusement pour T1 évidemment. Cette spire loupée sauvera peut-être la vie de Goma, mais surtout il y a un dive qui peut se préparer et il va falloir être solide sur les appuis pour T1. Injouable hein, pour T1 a priori. Il y a un Tosio, il y a un dive. Pas de flash. Goma il a pas de flash, il y a le respect qui est appliqué. Il y a cette hausse de Q qui va passer. Non, ça passera pas. Honneur niveau 4. La contre-attaque peut-être. Va-t-il oser Faker. Combo in? Il a osé combo in. L'arrivée de Faker sur la mid lane, niveau 5 seulement, donc pas de partition impériale. Ça pourrait très bien se retourner contre lui. Il hésite, on ne veut pas y aller, on n'a pas le niveau 6. On a un bon trade qui se passe sur Yagao justement avec cette Nida sur le côté. Honneur qui donne l'information avec son étendard. Et on s'en fout de la top lane. Pour le coup, tout ce qui se passe dans le reste de la carte est incroyable. Et justement, n'est-ce pas là une mauvaise nouvelle pour Billy Billy que de ne pas exploiter le Renekton Nida? C'est tellement dur de l'exploiter vu ce qui s'est passé en early game. Là, le passing a été naturellement orienté vers le bot. Elle qui l'est pixel sur ses mouvements, il a totalement dodge. Ouais, c'est un trade dans une wave bien juteuse aussi. On voit, il y a 5-6 casters qui font feu. Puis le burst de Billy Billy justement, avec Nida Kaïsa sur une seule cible. Il est supérieur à Senna Tamkench qui joue plus les fights lents et qui vont jusqu'au bout comme non, on l'a vu au niveau 1. Tu marques un point, hein, le fait que Elk n'ait pas sa pulicatia dispersée sur des minions change pas mal la donne. Et donc ça aide beaucoup et finalement bah ouais c'est sûr que c'est un kill qui est récupéré sur Kaïa. Mais tout de même, on a toujours un kill pour Guma. Et, ouais. Et le kill est parti sur On. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour le coup, ça je te rejoins. On parlera pas de la spire qui a été loupée. La spire était un poil criminel, mais je pense que c'est une des conséquences du pic Rel. Je crois que c'est le bump de Rel qui a fait ça, ouais. Il me semble que Rel est pas très Nida friendly quand même dans son kit. Pas très skill shot friendly hein, overall. <C'est... rire> Là tu vises bien tes pixels et d'un coup la tempête magnétique et tout le W, c'est des spells qui sont difficiles à prévoir en plus.
Bon, on s'est pas beaucoup attardé sur cette top lane. Par contre, là, il y a un très bon trade qui va être trouvé par Zeus. On s'écarte instantanément pour pas prendre le trade back. Exactement. On sait qu'il y a un ultimate. C'est bien joué. On sait que Bin a de la marge. Et là, par contre, Bin, il vient de TP. Il est mid-life. Il a pas la plante. Il a la plante. Il a la plante. Ouais, il a la plante, on le voit. Ah, vient d'arriver. Plante qui pop entre 6 et 7 minutes, globalement. Dans la river. Il s'en sort bien avec cette plante. Sinon, il était vraiment mal parti. Ouais, après sa TP. C'est bon, Faker, il a pris de la MR, il va mieux. Et voilà, Zeus. Oh, il n'arrive pas à connecter le stun. C'est dingue. Hein. Zeus, il a mis à 30% bin. Il a plus méga. Il revient, il y a son adversaire qui est full vie. Oh, grosse difficulté ici à venir pour Keria. Forcé au flash. Honneur en couverture. Est-ce qu'il y a une contre-attaque pour les T1? On maintient bien la pression. Le coup de langue qui va être évité par Horn. Horn, pardon. Horn. C'est la game d'avant. T'es encore marqué par G2. Un peu, ouais. On s'en souviendra de Dokla. T'inquiète pas, Dokla, c'est un nom qui va te marquer. Dans 4 ans. Désolé, Hon. En même temps, pseudo monosyllabique relou. Bah, c'est cool, il y a elle qui a Horn. Bah, il y a que ça chez Bilibili, donc. À part Yagao. Quoi. Merci, Yagao. Je comprends pourquoi t'es le T1. Par contre, elle reste longtemps avec Tanida. Ah, je pense que. Enfin, et le top side alors. Je sais qu'il y a mon copium qui parle un petit peu, mais je pense que c'est très préjudiciable pour cette Nida que la game ne s'emballe pas plus que ça. C'est surtout en fait, là où je pense qu'il y a une vraie problématique pour Shun, c'est que Jarvan n'a absolument pas été touché et dérangé dans ses deux premiers clears. Ah, elle a perdu le red buff, et alors, franchement, ouais. C'était pas dramatique vu que la Nida est morte. Shun ici, il ne joue même pas encore le héros de la fight parce qu'il ne peut pas se permettre de ne pas clear tout sa jungle. C'est et quand il aura clear sa jungle, il y a juste un monde où Zeus il va avoir son timing méga et ça va être le héros de la fight pour T1. Et ça, ce serait un drame pour Bilibili. Je me demande ce qui va se passer au niveau du jeu en side également pour les Bilibili parce que ce Gnar va avoir la main mise sur Renekton. Ah, il faut absolument que ça s'envenime, il faut qu'il se passe quelque chose pour les Bilibili. Et j'ai l'impression que T1 a l'avantage au niveau de la rapidité de sortie de base. Rien que cette Senna a quelques secondes d'avance. Faker est full HP, évite des spells majeurs. Attention au smite, c'est toujours possible le smite. Le smite du côté de Shun, ça combat, c'est smité par les T1 qui sortent proprement. Tellement bon pour T1 de récupérer ce rôle de la faille avec leur composition, par contre c'est pas fini. Hein. Oh là là, mais les sidesteps, le route a connecté, la partie sur impériale, oh, la shockwave, attention avec un Kaisers de se faire one tap qui va se repositionner tout de même, personne ne meurt, cataclysme de honneur, mais un cataclysme très ambitieux, on prend le kill, est-ce qu'on peut sortir clean absolument de la excellent ultimate de cette finale, le dévoration de Kyria a été absolument clutch sur la shockwave de Yagao. Et deux kills pour T1 en plus de ce héros de la fight, c'est un early game qui part totalement en leur faveur. Mécaniquement, c'était pixel perfect de la part des joueurs T1. Quel spectacle. Elk qui a une inspiration. Oh là là, tu l'as vu cette dévoration sur le timing de la shockwave? Oh oui, je l'ai vu, j'ai vu toutes ces spires. Alors certains diront, Elk a besoin de passer chez... Enfin, Shun a besoin de passer chez l'Ophtalmo, d'autres diront que ça a été monstrueusement dodge. On regarde la shockwave qui est la shockwave, la partie impériale qui est très bonne et la réengage de Hon est excellente par-dessus. Attends, la dévo elle est où? Elle est là hein. Elle est là au moment de la shockwave, là. Oh là là. Attends, c'était une shockwave? C'était pas une shockwave? Non, c'était le W de Senna. Je suis totalement fou. C'était le W de Senna, la shockwave était au début du trade. Ah ouais, au début du mais trade, pour ta défense, la shockwave est plus ou moins visible. C'est marrant parce que j'ai presque l'impression que Kaya a cru que c'était la shockwave aussi. J'étais tellement persuadé que c'était la shockwave vu l'animation. Il me semble que la shockwave était au début. Hein. Ouais, je pense aussi. Ce qui veut dire que on voit même plus les shockwaves dans rien. On ne voit rien. De toute façon, cette shockwave est invisible et complètement... Non, c'est juste une dévoration traditionnelle. Finalement, je me suis hypé pour rien. Il est pas si fort Kaya, tu vois. Vraiment moyen, quoi. Ouais, pas ouf, hein, le mec. The Ski Boss, va-t-il pouvoir... Oh. Le flash, le trade, le stun, l'auto, et c'est un solo kill! Le solo kill de Zeus face à un Renekton dans le matchup, c'est une catastrophe pour Bilibili. Attention par contre, elle réengage à la plante, on a l'information, honneur est présent. Par contre, attends, c'est un piège qui s'en venge, un énorme piège, il va falloir trouver des flash out ou des dash out. Heureusement, on a de la mobilité pour Bilibili. Mais là, le solo kill top lane dans ce matchup Gnar contre Renekton. Twix? Il vient de lui pisser dessus. Ah bah. Voilà, je le dis, plus aucun filtre. Un peu biaisé, mais la réalité c'est que dans ce matchup, si Gnar prend un kill aussitôt dans la game, ça va très mal se passer en side lane pour ce Renekton. Très 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 mal. Oh,
Joli combo, Sean. Ah, les dégâts sont très décevants pour une Nida à ce stade de la partie. Hein. Normalement, Nida, c'est snowball ou rien. Waouh. Et là, on est plutôt du côté du... Ouh. Ah, non. On a eu une inspiration. Kyria, c'est tellement bien touché. Oh, Lina qui est totalement partie, elle qui est partie du soleil instantanément. Les dégâts sont bons par contre, il faut reculer. On a un deuxième coup de langue et le stun qui a passé le teammate. On a le teammate. Très bonne cleanse de la part de Elk. Il en avait bien besoin. Oh, il s'en passe des choses, il s'en passe. Attention, la contre-attaque ici avec le X-Flash. La réengage, tempête magnétique. On se ravise pour On à la dernière seconde. C'est rôle, la faille il va partir hein, pour cette bot lane, il est tellement bon, il n'y a personne à la défense, on ne peut pas rester sous terre, on doit reculer. J'ai l'impression que la game elle est en x4 par rapport à la précédente. x8. Arrivée d'Orianna, arrivée de Yagao sur le flanc gauche. On va pas un bon beau combo potentiel, tempête magnétique, shockwave est disponible. On peut respirer. Parce que... la game elle va. Attends, top. Bin il vient de prendre un mauvais trade, il va pas pouvoir rester sur cette wave canon. Il est au fond du gouffre, il venait de TP, il a été accueilli. Et là c'est deux plays. Reverse boomerang. Alors par contre, Vin, c'est arrogant, c'est très arrogant, tu n'as pas de flash, Zeus il le sait. Zeus, il a son ultimate, il veut pas y aller. Il n'y a pas de play d'orgueil ici, Si, il y en a un, Zeus, non c'est bon, il n'y a pas de play. Non, c'est bon, pas de problème, on joue un League of Legends propre. Bin a pris un risque en restant sous tourelle avec cet ultimate. Mais Zeus n'a pas voulu jouer l'orgueil comme tu l'as dit. On va revoir ce solo kill de 100 à 0. Hein. Tant Bin, il a Dashin et je pense qu'il s'est fourvoyé pour le coup. Il avait pas d'ulti parce que. En vrai, si on est purement objectif, et c'est très difficile pour moi d'être objectif ici. Ouais, j'écoute. Bin fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Jamais de la vie tu doubles Dashin dans un Gnar à ce moment-là. C'est pas possible. Ouais, je comprends. Je suis totalement d'accord, surtout quand t'as pas d'ultimate, il a voulu jouer avec la vision du deuxième buisson. On va dire que c'est des erreurs de haut niveau, tu vois. C'est pas possible. C'est jouer avec la vision du deuxième buisson pour enlever les auto-attaques de Gnar, mais sans ultimate pour mettre la pression. Il a jamais à faire ça, et pour un joueur de son rang, franchement, c'est un énorme blender. Ouais. Donc il lui a pissé dessus, quoi. Alors, c'est plus Bin qui s'est mis une énorme balayette lui-même. Il s'est mis en slip, quoi. Voilà. Ok. Capterait-on, d'accord. Mais voilà, Bin a déconné, c'est pas vraiment Zeus qui le pulvérise. Ok, cette T1 bot qu'on n'a pas encore tombé, je crois. Il reste une ou deux autos pour Faker, si je ne me trompe pas. Et celle-là va faire du bien. En mid lane, on peut taper la tourelle. C'est pas normal que Gouma puisse taper la tourelle en T1 gratuitement comme ça, surtout face à une Nida. Il devrait être sous pression, mais regarde la vision de T1. Dans la river top side, dans la river bot side, on a deux pink. On ne peut pas être inquiété pour la bot lane. C'est gratuit. C'est gratuit, bah je souris parce que mon goat se porte à merveille. Ah d'accord. C'est vrai que j'ai dit blender. Quand? J'ai dit blender au lieu de blender. D'ailleurs, blender qui veut dire mixeur je crois. Ouais. Ce qui étonnamment se prête plutôt pas mal à la situation. C'est-à-dire que Zeus a mixé Bin. Mixé, mis en malaxé, mal axé, hein. C'est. Vas-y, trouve d'autres termes, vas-y, sois piaisé, c'est bon, on a compris maintenant. Non, ça va, tout va bien. Bah pour l'instant... Est-ce que tu considérerais que l'écart en gold est... Non. Irrattrapable. Ah, irrattrapable? Pas encore. Mais c'est pas du tout normal que la composition de T1 soit devant avec presque 4000 gold, un Drake, un solo kill top. Oh, la shockwave de l'ombre. Avec la Nida de l'ombre. Il faut un stun. Et Zeus, il a pas son flash. Hein. Il est très proche de l'avoir. La pink ward qui il aimait pas mal et une autre pink ward est posée. Faker en train de ramasser des waves. Il a une TP, hein, Faker. C'est tellement une mauvaise idée pour BLG d'entrer dans cette river hein, face à un Zeus qui va avoir son méga Gnar qui a son flash de disponible. Il a juste à mettre quelques auto-attaques et ça va partir extrêmement vite. Je ne suis pas sûr que BLG ait vraiment envie de rentrer. Le spot de méga est hyper intimidant. En plus, il peut taper la TP à Faker qui est en train de taper la wave en side lane. On est en train de tout perdre pour Bibibi. Ouais, ça. Bibibibi. Ouais, on est deux, d'accord. Tu parles de Broken Blade là, c'est ça? Ouais, non, il s'est fait éclater là, Gator. Là, on perd deux wave bot, hein. On perd deux wave flat. Yagao. Yagao qui trouve peut-être rien du tout. Oh, les deux wave bot, la wave mid qui va crash et on va directement. On va même pas jouer le héros de la faille pour T1. On va juste laisser honneur dessus et taper cette T1 mid. Et je ne vois pas ce que peut faire une Kai'Sa dans cette situation. Spoiler, rien du tout. J'étais tellement hypé par la Nida. Elle est où?
Mais enfin, Nida, c'est un énorme flip et pour le coup, ça aurait pu mieux se passer niveau 1. Moi, pour sa défense, voilà. Ça aurait pu mieux se passer et ça aurait pas été la même game et c'était normal. Ça aurait pas été la même game. Je suis un analyste, tu vois. Mais voilà. Nida rentre-t-elle dans la catégorie de cheese? Ça, c'est une question qu'on envoie directement au desk de débrief. Karim en plus. Ce sera parfait. Moi, je considère que c'est un peu un cheese, mais pour le coup, je la voyais vraiment jouer autour du Renek sur le Gnarf. Je la voyais vraiment faire à la limite un passage dans le cadran bot side, tu vois, mais plus jamais retourner. Ouais, tu vois. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi on a autant insisté de ce côté-là de la map. Mais les bonnes Nidas, tu sais, ça joue quasiment. Enfin, je vais pas dire ça, mais ça, parfois ça ne joue pas leur camp, ça joue toujours les camps adverses. Bah oui, oui. Plutôt que rester dans leur jungle, ils vont toujours dans la jungle adverse. Donc j'aurais bien vu faire un passage bot into top. Et la Priomide était là pour le coup. Hein. Yagao, il a vraiment travaillé Faker, il a fait parler le match-up. Mais il n'y avait plus l'opportunité de l'appuyer en fait. C'est ça. Cette invade. Sean était déjà mal positionné, il n'y avait plus d'opportunité. On n'a pas vu la Nida réellement dépasser la river en fait. C'est ça, exactement. Et ça, c'est un énorme problème. Surtout quand tu veux passer devant face à un Jarvan qui a certes 15-16 de retard, mais il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, il est pas loin du full build hein, en réalité. Il a ses bottes en deux, il a son gore, il a un peu de tankiness. Et maintenant le match-up Azir-Orianna, bien sûr, il change, il évolue. Dans la mesure où Azir n'a absolument plus besoin d'aller au contact. Je regrette d'avoir dit que Bin avait l'avantage dans ce BO, parce que franchement, il y a un énorme canyon gap en top lane de 50 CS, un solo kill. Est-ce que c'est pas normal dans le match-up ? Non, 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 pas de solo kill, c'est pas normal. Les CS d'avance, c'est tricky déjà. Le match-up est vraiment skillé. Et tu peux voir des Renekton totalement dominer des Gnar, comme tu peux voir des Gnar totalement dominer des Renekton. C'est. Ok. C'est pas normal 50 CS d'avance avec un solo kill dans le temps. 50 hein. Ouais, il lui met deux niveaux aussi hein, tu peux dire. Il y a la tourelle top aussi qui a failli tomber. Il y avait quoi? Il y avait 4 plates. Ouais, non mais il l'a perforé hein, vraiment c'est. un nouveau mot. Pour le coup, il n'y a perforé, pas. Perforé, malaxé. Foudroyé, hein, ça se prête bien à Zeus. Écrasé. En gros c'est deuxième break. Avec un Gnar qui a une barre de méga très menaçante. Ça a l'air d'être un all-in hein, quand même pour les Bilibili, une situation très tricky, on est bloqué, on est dans un choke point, t'es injouable dans cette position. T'as rien, t'as une Nida qui t'apporte absolument rien dans la game actuellement. La Nida c'est position, poke, tu vois, c'est, on sait pas si on peut faire check côté T1 et là, dans le fight, Nida, on la voit, Nida ne peut pas toucher de spear et même si elle en touche, ça ne fait pas assez de dégâts. Tu ne peux pas contester pour BLG. Tu ne peux pas. Bilibili n'ont pas de solution avec cette Nidalee. Ils ne sont clairement pas au volant de cette game. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, il appartient à T1 de la terminer proprement. Ouais, toi, t'es déjà dans la finition. Mais t'as bien raison. Très franchement. T'as bien raison. T'as Zeus qui va exploser la side lane. Et si besoin, il prend Hullbreaker en troisième. Pour si la Rana vient matcher un peu le Gnar, ce qui pourrait être probable hein, plus tard dans la game. Dans tous les cas, le 1-3-1 pour T1 sera toujours gagnant au niveau des ressources. Donc plus la game avance, plus ils gagneront de ressources. Donc franchement, Zeus, il attend qu'une chose, c'est un teamfight pour faire un flash R. Ouais, ouais. Mais ça fait 20 minutes qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire, donc il a dû prendre un 1v1. Après, tu vois, je pense, faut vraiment pas trop s'exciter sur cette position de T1. Je pense que Bilibili a vraiment, comment dire, tenté un truc très particulier en game 1. Ouais, tu veux pas les curse, quoi. Non, 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 mais c'est vraiment ce que je pense pour le coup. J'essaye de step back, tu vois. Je pense qu'ils ont vraiment tenté un truc en game 1 parce qu'ils ont une position de red side. Donner un match-up à Bin, c'était possible. Moi, je reste sur ma position. C'était vraiment possible de lui donner un match-up. Je pense que si Sean avait eu un peu plus de réussite en early game, avec ce qu'a fait Yagao sur Faker sur les premières waves, ce qui est normal un peu dans le match-up, il y avait une potentielle honneur qui avait 3 kills. Ça pourrait s'exciter ici un petit peu. Bon, T1 qui escorte, regardez comme ils avancent, comme une ligne, un mur. Comme ça qu'on protège un push. Et qu'on fait charger un héros de la faille, ouais. On pourrait apprendre de ça. tu ne te remets pas du héros de la fight top de tout à l'heure. Ah bah il était pas si catastrophique. Ouais, tu peux tourner la tête, ouais. T'as bien raison. Et, disons que dans des situations désespérées, on prend parfois des calls. On ne prendrait pas d'habitude. Toujours garder le bénéfice du doute. Ah, écoute, cette Senna, est-ce qu'elle a pu stack un peu plus parce que vu qu'il n'y a plus d'escarmouche? Alors, de ce que j'ai pu voir, elle a un stacking plus qu'honnête.
Ça doit être quoi? On a 21 minutes, il doit avoir 85 âmes, je dirais, aux alentours. Est-ce qu'on n'a pas sur le coup des... Zeus, Zeus qui pourrait se faire catch ici. Une opportunité en or pour les Bilibili. Shutdown récupéré par Elk. La chance leur sourit. 72 âmes pour Gouma, mais alors là, ce et là pour le coup, là pour le coup, c'est vraiment le destin qui a mis Zeus sur leur chemin. Zeus, c'est pas la première fois qu'il se fait catch en side lane avec Gnar. On l'a déjà vu, et avec d'autres champions d'ailleurs. Mais à chaque fois qu'il le fait, normalement, c'est vraiment à l'avantage de T1 sur le reste de la carte. Ah ben on va voir une Spear connect sur Gouma. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit réellement l'avantage. On n'a pas pris la T de top, on n'a pas pu prendre la T de mid. On a pris quelques camps tout de même. Oh, Faker. Peut-être une nouvelle ouverture, Faker qui se repositionne. On n'a pas voulu y aller pour VLG. Je pense qu'il y avait un truc en haut. Hein. J'ai vu... ils ont été route par... Enfin, stressé par quelque chose, un Q de Senna peut-être. Ah, l'intimidation, hein. Je sais pas, moi j'ai pas vu TC. Je les ai trouvés ralentis. Honneur, honneur. Ouais, c'était le flash out obligatoire, il y avait Shockwave derrière, il y avait une rotation de TC qui était massive. Je pense pas qu'on aurait eu les dégâts pour le tuer facilement. Mais on ne prend pas de risque à 22 minutes de jeu avec un avantage aussi considérable de mourir juste avant le Nash justement. C'est bien vrai. Et les Mercure ici qui sauvent pas mal Honneur également, hein, puisqu'on a vu que le QW de Rell n'était plus un trou combo. Là il les voit et... C'est juste bien joué, hein. On qui trouve justement l'anticipation du Dash. Mauvais timing hein, vraiment pour Zeus, ou alors très joli timing de lecture de côté Bilibili, ça... difficile à savoir. Vu la position de Zeus dans la jungle, je pense que c'est quand même les deux, mais surtout côté Zeus qui n'a pas à aller chercher... Je crois qu'il a une ping quad, hein, donc c'est vraiment... Il est allé chercher l'information deep, il l'a payé, mais ça ne change rien au match-up, où il a toujours un level entier minimum d'avance. Il part sur son niveau 16 et il se dirige vers un Unbreaker, je pense. Oui, je pense aussi. Et là, là t'es content, hein. C'était pour T1, parce que le Unbreaker en side lane, c'est ma main. Et Bin qui s'adapte très bien à la mauvaise game de Renekton, qu'il doit piloter jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va aller chercher un stun. Il va aller chercher un stride. J'ai rarement vu. Il va trade des PV. Il est à deux doigts de faire une rédemption. Ouais. J'ai rarement vu ce deuxième item sur Renekton. Là, c'est vraiment, je vais te couvrir dessus et je vais te forcer de toucher. C'est un setupper, il l'assume pleinement. Je pense que c'est une vision assez réaliste de sa game. Ça me surprend tout de même, mais bah, bon, c'est le troisième Drake est massif. On a eu la plante. Il va être obligé de reculer, il a déjà perdu la moitié de sa vie. En plus, de Sylvie, il y va extrêmement fin. Il force le flash out de cette Nida. Le Drake est déjà révalidé, récupéré par T1. On est proche de la stool et on n'a rien pu faire pour la deuxième fois de suite. Pour Bilibili, dans cette river, on a à peine mis un pied qu'on a été rapatrié, forcé au flash out. Encore une fois propre, gestion parfaite de la vision dans le quart de jungle au-dessus du dragon. On force les Bilibili à s'investir dans un choke point qui est contrôlé. Et encore une fois, c'est cas d'école. Hein. Je pense que Zeus est... Le couloir de la mort. A le sang chaud. Tu le connais mieux, mais j'ai l'impression qu'il a juste envie de se battre. Oh. Ça c'est loupé. Oh le flop. Mario engage peut-être d'honneur. Est-ce qu'on pourrait pas y aller? Non, on est que 3. On a Zeus en side lane. On a Faker qui est en train de push top. On va attendre la réaction de Bilibili pour réinvestir dans cette top side jungle. Dès qu'on a l'information, c'est bon. On voit Orianna. On voit Nidalee. Ah, le shadow de Elk, bien sûr, qui va join avec le Killer Instinct, qui va se faire peut-être plaquer dans le mur. Et Zeus qui s'en sort comme un véritable prince. Que dis-je? Un dieu. Je l'ai. Je sais pas si. T2 mid lane, T2 top lane normalement qui vont être validés par T1. Attention par contre à la réengage, on est qu'un peu simple. Oh. Une très bonne téléportation de la part de Bin. Il faut s'en sortir. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont probablement pas vu. Ils décident de passer à l'attaque avec Kyria. Gouma qui ulti flash vers le nord. Regardez, ils se repositionnent main dans la main les T1. Il y a une wave top, il y a une wave bot. Et Zeus continue de taper. Ça prend 3 T2 en même temps. Il reste que celle de la mid lane dorénavant. Ils ont une wave juste au-dessus. Ils ont de la vision. T2 qui tombe. Pour Bilibili, il faut absolument scorer. On est en train de saigner sur le bot side. L'arrivée de On. Shockwave. Et malheureusement, il chatouille. Il déjà de récupérer Zeus qui va chercher le troisième. On prend 3 kills. Le quatrième n'est qu'une question de temps sur Bin. Le combo est loupé pour Honor. Non, c'est bon. On rentre dans le pit. Ça devrait être un âge de valider pendant que Zeus récupère cette T3. On n'a aucune solution pour Bilibili dans cette teamfight. Ils sont parfaits, les T1. Ils ont gagné quasiment le 4v5. Moi ce qui... Oh non, pas le cyberbully, non, pas le cyberbully, il va le dévorer. Mais lèche-le jusqu'à ce qu'il en crève. Comment ça, moi? Voilà. Et le W par-dessus. Oh, la masterclass.
Ça fait plaisir. Ça, c'est ma grenouille, ça. Non, c'était un poisson-chat, je sais, mais c'était, c'était une grenouille. Non, Riot a officiellement dit que c'était une grenouille. Et on va revoir le fight. Regardez-moi cette gestion du teamfight de T1 en 4, en 3 contre 4, en 5 au début. Hein. Le repositionnement, hein, c'est vraiment... Stratégie, Zeus qui est en mode, non mais on n'a pas à se battre ici, reculer. Puis au bout d'un moment, BLG, ils vont trop loin. Ils ont pas le droit de se battre ici. Là, cet engage est instantanément déclenché par Zeus. Vous l'avez vu, dès que On appuie sur la détente, Zeus était prêt. Il appuie, il TP. Et c'était un fight instantanément remporté par T1 qui, même en 4 contre 5, aurait été très dur dans tous les cas. C'est sûr, l'avantage est net. J'ai adoré, tu vois. On engage, Zeus, il y a 0,1 frame qui sont passés. Il a appuyé sur TP. Il savait. Oh là là, le pré-shot. Le poulet. Et 10 000 gold, 3 Drake. Baron Nashor pendant encore 1 minute 50. Est-ce que ça peut être la fin de la game? Honnêtement, les options de BLG sont quasiment nulles. Regardez cette Nida. Elle a des petits coups de frauduleuse. Tu sais, Kira, je pense qu'il a plus de dégâts que certaines personnes de chez T1. Hein. Ah, ouais, Billy. Ah non, de chez T1. Ouais, je pense qu'il y a peut-être plus de dégâts qu'Honor. Possible. Honor, par contre, qui tank et qui va claquer. Qui va claquer, mais qui setup. Bien entendu, pour un éventuel push de fin. Oh, il y a Zeus avec son flash et son ultimate n'est pas disponible par contre. Donc malheureusement, cette fin de game, ça va jouer du côté de Faker. Avec son Soisir, elle qui ne peut absolument rien faire. Une première TK qui tombe. Faker qui a fait un petit bait. Le flash de Zeus pour prendre un solo. Vas-y, non, non, le coup de langue de Kyria. Et ça va l'air d'être une fin de game. On peut pas aller dive sous TK. Non, le salaud. Oh, le salaud, il est mort. Il bouge dans la forêt comme des princes. Et la fontaine ne peut rien contre T1. Même la fontaine ne peut pas tuer les joueurs T1. Mais Kyria, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tuer son propre joueur. Eh ben. Oh, mon Dieu, c'était quoi cette game? C'était convaincant, non? Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été habitué à un rythme beaucoup plus pépère dans le premier BO de la journée ou si cette game était vraiment à 500 à l'heure. Je ne sais pas. Solo kill top. J'en ai aucune idée. Il y a eu énormément d'escarmouches et... Le point principal de ce dont on va parler, je pense, c'est tout de même cette invade qui change tout. Parce qu'une fois que T1 a 5000 gold d'avance à 15 minutes de jeu, vu leur composition, on n'est pas surpris qu'ils gagnent. Mais cette invade, à quel point elle était close? Il est trop content. 2-0 pour T1. Tu l'as bien dit, Noah. Tu l'as bien dit. Même si tes pronos ne matchent pas tes mots. Il l'a bien dit. C'est ce qu'il disait hier, Noah. Tu peux le remettre un petit peu? 2-0 pour T1. Remets encore. 2-0 pour T1. 2-0 pour T1. C'est douce musique à mes oreilles. Bientôt en sub alerte, évidemment. Mesdames et messieurs, mon cher Shrik, on va la parole au bureau d'analyse. Il y a beaucoup de choses à analyser quand même. Chipsou, c'était une game délicieuse. Et victoire des T1, mesdames et messieurs. Faut que j'arrête de sourire. Faut que j'arrête de sourire, bien sûr. Donc 1-0. Impossible. C'est difficile. Mais 1-0 donc en faveur des T1 face au Bilibili. Et comme ils l'ont beaucoup dit au cast, effectivement, l'invade level 1 a été importante. Bien sûr, revenons sur cette draft. Messieurs, vous êtes deux junglers de renom, bien sûr. Vous voyez Nida contre Jarvan sur le papier. Karim, t'étais plutôt emballé par l'idée, l'association avec le Renekton également. Il y avait un truc avec ce pick Nida, gros pari de la part de Sean et de Bilibili. Bah, gros pari, moi je m'attendais à ce que Nida joue plus vers le top side, qu'elle abuse un peu du Gnar qui est très faible dans les premiers niveaux. Mais malheureusement, je pense qu'ils ont été juste meilleurs T1. Honor a dû demander de se faire leash parce que normalement tu te fais rarement leash dans la méta actuelle. Et il a dû demander de se faire leash au cas où ils invade parce qu'ils ont un level 1 plus fort. Et bah, je pense que ça a solo win la game. Hein. Je pense que BLG s'attendait à croiser le Jarvan tout seul et voilà, c'est tout. Le level 1, Marex, tu joues contre Tamken Shena. Alors certes, Jarvan n'est pas un super champion level 1, mais TK Senna, c'est une histoire différente. Ouais, bah en fait, t'as envie de prendre l'ascendant avec Nidalee en early game pour snowball, mais Nidalee en elle-même niveau 1 est pas si forte que ça. On l'a vu en termes de tankiness, elle se fait arracher sur le niveau 1. Elle a mis une spire et quelques autos, c'était assez réduit en termes d'impact. Alors que comme tu l'as dit, en face, Senna Tamken, enfin juste Tamken en fait. En fait, Senna Tamken, on le disait un peu en off, mais c'est quand tu piques ces champions-là, c'est l'un des seuls duos de champions qui est vraiment overstat dès le niveau en fait. Genre, il est naturellement overstat
et que ce soit les G2 dans le BO précédent au niveau 2 ou ici les BLG, ils ont pas du tout respecté ça en early. On voit que dans le 3v3, bah, le Tahmkench va toujours prendre les devants avec son Guardian, avec sa tankiness, avec ses dégâts. Tu pars avec une immense avance en fait en 2v2, 3v3. Le pick est imbattable en early game. Ça a mis mal les BLG. Après, il n'y a pas que ça qui a été problématique. Au niveau de la top lane, Zeus a tout simplement arraché Bean. Faker a aussi été très bon dans la partie. Il y a juste les T1 sont de retour un petit peu à l'image de leur BO contre Cloud9. Là, ils confirment qu'ils ne sont plus comme dans les premiers jours de la compétition, un petit peu en galère. C'est mieux, c'est sûr. On va voir ce que donnera la game 2, bien sûr, avec le choix d'Eastside de Bilibili. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même, Karim, que Bilibili a pas trop pu jouer le match parce que plan de jeu impossible à appliquer au monde de la top lane. Ouais, on voit un Zeus qui a tapé sur ce Renekton. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que le plan de jeu a pas été très bien réalisé. Je pense que Shun aurait plus dû jouer autour du niveau 3, peut-être faire un side de sa jungle et après permainvade le Jarvan. Je pense que ça aurait simplifié la game. Mais overall, je pense que la game était intéressante parce que les deux drafts étaient vraiment... Je trouve que c'était deux bonnes drafts. Pour le coup... Ouais, c'est pas mal. Il y a une tentative en red side. En tous les cas, en red side, on voit que maintenant, faut tenter des trucs. Faut réussir à set up des trucs un peu neufs. Après, se retrouver avec le duo Nidalee-Orianna, je trouve que c'est quand même assez dur à faire marcher. T'en as pas vraiment un qui set up l'autre. C'est double AP. Et là, dans tous les cas... S'il y avait eu d'autres physionomies de game, il y aurait souvent eu ce scénario où Faker peut faire free Mercure, free premier item, toujours avoir la pression et ne jamais être inquiété par le Nidalee-Orianna, et ça aurait déjà été un bon pilier sur lequel les T1 auraient pu s'appuyer s'ils n'avaient pas arraché la game comme ça. Mais là, en l'occurrence, ils ont gagné sur toutes les lanes. Il y avait Senna Tahmkench en mid-game, on le voyait de façon, Zeus, il était en chilling dans la jungle, il savait que la game était terminée, quoi. Mais ouais, draft une Nidalee dans la méta actuelle, ça paraît un petit peu dur. C'est ballsy effectivement, mais après il y a ces quelques junglers qui peuvent être un peu attaquables en early game. Bon, en tout cas, ça n'a pas marché du côté des Bilibili qui passent en blue side pour la game 2. Je pense que vous en doutiez, bien sûr, mesdames et messieurs. Donc écoutez, on se laisse là pour quelques minutes et on se retrouve pour la game 2 de ce Bilibili contre T1. À tout de suite sur OTP. Game 2 entre Bilibili et T1. Après la première victoire de T1 lors de la game 1, on attend une réponse de Bilibili en blue side. Parce que tout de même, Marex, voilà, il faut le dire, le match s'est quand même joué sur une invade level 1. Et vu la draft de Bilibili avec cette Nida, tu ne peux pas accuser un tel retard en début de match. Donc, il faut voir là quand même. Certes, c'était une leçon en game 1, mais tout s'est joué très vite. Changement de side, et je ne vois pas Bilibili faire le même pari en game 2. Ça va sans doute faire des trucs un peu plus conventionnels, je pense, de leur côté. Ouais, tout à fait, changement de side, ça va vouloir faire un truc plus classique, l'as dit, pour les Bilibili. On verra quelle sera la réponse préparée par les T1. Les T1 qui ont utilisé leur Sharingan sur les NRG pour faire une draft similaire à base de Senna Tahmkench et se hisser à leur niveau pour rejoindre les quarts de finale. Mais ouais, si vous l'avez raté ce matin, claque très sévère des NRG sur les G2. Ils ont été excellents, il n'y a rien à dire. Oui. Et notamment en termes de draft, où ils ont débuté le BO avec Senna Tahmkench en blue side, comme les T1 la game précédente. Et du coup, ça y est, on est parti dans la game. Renata qui est bannie, Renata qui avait eu pas mal de succès les fois où elle a été pick, peut être évidemment jouée par Kyria. Et là, on a des bans qui changent dans cette partie. Azir d'un côté, Rakan de l'autre, aucun ban ADC, aucun ban Orianna, aucun ban Rumble. Que se passe-t-il? Eh bien écoute, on va voir, et je suis curieux de voir, alors, effectivement, si on continue sur le no ban ADC, quel va être le choix de Bilibili? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a les équipes trouvent de plus en plus de réponses aux différents picks AD carry. Et moi j'aime bien du coup ce changement de recette un petit peu au niveau des bans côté T1, parce que là ils pourraient peut-être récupérer un peu plus de champions. Déjà niveau ADC, tout est ouvert. Du coup, là t'es BLG, tu fais quoi? Tu prends l'Orianna, tu prends Xayah, que fais-tu? Ça les met dans une situation peut-être moins conventionnelle de blue side, et c'est pas ce que tu veux en blue side. Mais bon, Xayah first pick, ça reste du très 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 solide.
Et on lock le Oriana Jarvan du côté des T1. Pas vraiment surpris par ces deux champions raids de leur côté. Donc pas de Rakan pour Bilibili. Un T1 qui était déjà parti dans l'optique de laisser la Xayah à partir du ban Rakan, je pense. Moi, Oriana, je pense qu'avec les réponses qu'on a vues, etc., je pense que c'est vraiment fort, mais elle a un petit côté situationnel. Et je pense que ici, avec un Jarvan contre une Xayah en ouverture de draft, je pense que là, c'est bien draft. Je pense que là, les T1 ont bien draft cette Oriana et sont dans un bon début de gestion du red side. Eh bien, on va voir, mais c'est possible, Marex. Quelle va être la réponse de T1 à Xayah? C'est bien sûr une des grandes questions. Goumayoushi est un spécialiste de Caitlyn. On le sait, c'est un des deux AD carry normalement sur ces worlds où il faut vraiment craindre une Caitlyn avec Deft. Syndra et Jax. Donc cette fois-ci, le Jax dispo pour Bean. Attention, il est redoutable sur ce champion Bean, choisissant même parfois de jouer dans des counter match-up et en remportant ses phases de lane. Allez, Jax, champion très dangereux, hein, joué par les plus grands. On avait vu notamment... Et le Gragas. Oh, et le match-up Gragas-Jax qui est affiché, le premier Gragas-Jax de ces Worlds en plus de ça, me semble-t-il. Intéressant. Gragas qui a toujours eu un assez bon succès contre Xayah. Sa capacité de deny un ulti tôt dans le... Parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux contre Xayah. On l'avait vu dans les stats d'un pré-show il y a quelques jours. Des champions comme Ornn ou Gragas étaient forts contre Xayah parce qu'ils peuvent faire claquer son ultimate sans commit. Oui. C'est pour ça que Gragas est apprécié contre Xayah. Et en plus de ça, c'est fine contre Jax et contre Syndra aussi. Le ban Caitlyn ne nous surprend pas encore une fois. Xayah qui peine contre Caitlyn en face de lane. Et je pense le ban Blitzcrank qui amène un peu forcément à vouloir ban la Caitlyn en plus de ça. Parce que T1 dit bah en fait on n'a pas envie que vous ayez le potentiel d'engage sur notre botlane. Qu'est-ce qu'ils vont draft au bot, les T1? Alors, ceci dit, il y a toujours tout ce qui est, bien sûr, Kalista. Il n'y a pas de Renata pour aller avec. Ils ont counterpick support, les T1. Ouais, très intéressante cette draft. Hein. Le fait que Rakan ait été banni en raid et qu'en face, ça ait décidé de target du Renata Azir, les T1 se sont dit, ok, on ban Rakan. On va leur laisser Xayah récupérer Oriana Jarvan et pour l'instant le plan se passe assez bien et le red side se passe assez bien, il faut pleurer. Honnêtement le ban Kai'Sa ne m'emballe pas dans le sens où on voit le match-up dans ces Worlds, il est très négatif pour Kai'Sa, les Kai'Sa ne gagnent pas contre les Xayah. Oui. Donc à la limite pour Bilibili, je sais pas si c'était le meilleur ban. Maintenant T1 se retrouve sur un AD carry qui est pas non plus au top de la méta normalement. Ouais, Jinx, pour qu'elle fonctionne, je pense qu'il faut qu'elle ait une belle engage initiale des champions avec pas mal de dégâts, ce qu'ont les T1, pour que son ulti ait de la valeur. Tu vois, si t'arrives pas à tirer profit de son ulti en fight, c'est un peu plus faiblard. C'est Aiming qui avait fait une partie de Jinx, si je ne dis pas de bêtises, contre Aphelios. Ouais, c'est pas incroyablement bien passé, mais il avait quand même réussi à avoir son impact après être sorti de l'early, mais en lane ça souffrait un minimum. C'était contre le Aphelios, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, il avait réussi à prendre des kills, mais en teamfight, on n'y était pas pour Aiming. Enfin, j'ai l'impression que la draft n'était pas suffisante. Et, oui. Et on finit par un Tahmkench nouveau du côté des T1. Ok, alors Tahmkench, magnifique couverture pour Jinx, bien sûr. Le combo de champion est tout à fait connu. Hein. Tahmkench qui est un super pick pour couvrir les hyper carry tels que Jinx. Et tu vois, je me serais attendu éventuellement à ce qu'on tente un Aphelios du côté des T1. Le choix de Jinx me surprend un poil, mais voyons voir. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait et qu'on en parlait de l'utilisation du last pick red side un petit peu à l'ancienne au rôle de support. Et là, on a une réelle réponse parce que la draft BLG a vraiment pris une direction catch, hard engage avec Vi Alistar. Voilà, t'es obligé d'activer ça pour activer ta draft et ton fight. Et du coup, ce Tahmkench avec son ultimate va être excellent face à ce Vi Alistar. Ouais. J'aime bien une belle draft de T1 en red side. Bon, celle et des BLG est très forte, mais ça répond bien. Même contre un ulti Syndra, l'ulti Tahmkench qui a outplay. Donc ouais, le TK peut avoir une belle valeur, c'est sûr, pour les T1. Faut voir ce que Bean est capable de faire dans le 1v1. Bon, le premier match, la lane a été en faveur de Zeus. On a eu un solo kill pour le top laner coréen. Maintenant, Bean nous a montré qu'il n'avait pas peur de jouer Jax contre Gragas. On l'a vu notamment lors du MSI où il osait prendre son pick Jax dans des Gragas qui étaient déjà affichés. On va voir s'il est capable de produire le même genre d'exploit en lane. Pour l'instant, avantage Zeus. Maintenant, la game 2 peut accoucher peut-être d'une issue différente. Et bon,
les deux drafts sont quand même fortes en front to back, oui. A priori. On a de belles options à ce niveau. Même si j'ai l'impression que T1 a peut-être une plus grosse frontline. Alors faut voir si le Gragas va être joué à P peut-être. Oui, faut voir. En général, ça l'est, ça reste tout de même tanky. Et la pression des dégâts sur le Gragas est tout de même appréciée. Ouais, donc parce que le Gragas devrait être AP. Du coup, bon, pour la frontline, ça se vaut. Hein. Ça se vaut, je pense, entre les deux drafts avec deux supports qui. Alors après, même si Alistar a plus de facilité d'être en frontline, je pense. Et là, on voit les. Kench. Ouais. On voit d'ailleurs les T1 qui essayent de. Ouh, attention, de gratter du terrain niveau 1. Mais là, c'est Zeus qui va se retrouver. Ouais, il va se faire accompagner, Zeus. Un petit peu dans le mal. Ouais. Parce que les T1 sont contre Alistar et Vi qui sont vraiment très très faibles au niveau 1. Beau mouvement mais de L ici. Dur de gratter grand chose. Ouais, T1 qui ont quand même. Qui ont perdu quelques points de vie dans ces premiers échanges. Pas sûr que ce soit vraiment problématique pour la phase de lane, mais bon, il y a un passif Gragas bien sûr sur Zeus. Vraiment une draft d'antan côté T1, mais efficace. Ouais, vraiment une bonne vieille formule de front to back avec un combo Orianna facile à exécuter. Et beaucoup de range. Après, il y a beaucoup de range chez Bilibili aussi, honnêtement. Si on parle de bataille de range entre les deux drafts, ça doit se jouer à vraiment pas grand-chose. Ouais. Mais, côté T1, il y a plus de moyens de faire sauter les flashs sur les carries grâce à cette ulti Gragas et à cette Shockwave en restant de loin. Alors que pour les BLG, ouais. Alors que pour les BLG, il faut vraiment commit avec Vi et Alistar. Ouais. Mais il y a ce pick Tahm Kench qui est venu signer la fin de draft des T1 qui sont très bien sortis en red side. En tout cas, le on devrait 1. Avoir une très belle game bien équilibrée ici, je pense. Le niveau 1 est en faveur de la botlane de T1. La pression de Tahm Kench, la faiblesse d'Alistar. On le sait. D'ailleurs, le Alistar qui joue phase rush au passage. Ouais. C'est vrai qu'il y a. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Si tu décides d'engager dans un Jarvan. Ok, bon, ça va être. C'est intéressant. Mais du coup, On, c'est vrai qu'il a pas d'outils de tankiness en plus pour la lane. Pas d'aftershock et pas de glacial augment, ça le rend un peu plus fragile, hein, je pense bien entendu, même si le phase rush peut te permettre de te repositionner. Kyria a enchaîné les coups de langue, ce sera raté sous cette tourelle, mais on les sent dominer, ça utilise bien les roquettes de Jinx en early, les deux ADC avec le scaling ghost en summoner spell, et au niveau de la top lane, Ça tient pour Zeus. En vrai, le Gragas peut contrôler et un peu annuler le match-up s'il le souhaite. Oui, c'est un peu l'idée. Et là, le Jax qui devient fou avec ses coups de bidon. Alors, est-ce que Yagao parvient à bloquer un peu Faker à cette position de la lane? Peut-être pour un gang de la vaille. Il y a quand même une ward T1, on le voit. Joli stun trouvé par Yagao. On enchaîne. Ah, le shield qui fait la diff pour Faker ici, ça lui permet de bien encaisser les cookies utilisés de chaque côté. C'est serré sur cette mid lane pour le moment. Sean qui va essayer de trouver une ouverture. Oh, il a réussi à éviter cette ward. Ouais, qui avait été repéré par les Bilibili. Et là, Faker qui va peut-être être forcé à un flash out. Il est touché par le stun et le flash out, mais ce n'est pas suffisant. First blood en faveur des Bilibili. Et honneur. Ouais, mais il peut pas. Il peut ? Non, il peut. Il hésite. Il sait que ça peut se jouer à pas grand chose. Il a dodge le stun. Il y a peut-être un angle de turn avec le Q spell ici. Et non, ce sera le flash out. Ouais, il a joué avec le feu quand même, honneur sur celle-là. On sent que cette vague a quand même quelques dégâts. Le press d'attaque aussi qui met une certaine pression. Si le trade dure. Très bien joué en vrai de la part des BLG. Il n'y a rien à dire sur ce play. C'était propre. Et le kill sur Syndra, c'est pas mal du tout. Aller en solo AP dans cette partie. Elle va être accélérée, elle va être plus à l'aise en lane face à Orianna. Vraiment une excellente opération. Surtout que Yagao a conservé son flash. Très belle ouverture de game. Gank très bien trouvé par la vaille, surtout qu'en early game c'est pas si simple que ça de forcément trouver les ouvertures avec ce champion. Et pour l'instant Bin s'en tire très bien, mais la première phase de la lane pour Gragas, il vient un moment où tu commences à être un peu dans le dur en termes de mana. Et là Faker qui n'a pas eu le temps de flasher avant, un très bon stun de Yagao, il aurait fallu flash le stun de Yagao, mais bon, la vaille n'était pas en vue, il me semble, à ce moment-là. Très dur à voir. Hein. Timing pixel pour BLG. Faker peut difficilement s'en vouloir, ça se joue à rien.
Il aurait pu flash le dash de Vaille à 0,1 seconde. Et il était à quelques HP de survivre, hein, mine de rien. Ouais. Oh, Bin. Bin, Bin, Bin. Le solo kill de Bin sur Just, la réponse après le solo kill de la game 1. Et on le disait, un Bin, un monstre sur Jax. Attention ici, Faker. Faker qui est finalement contre les ultimates de la Syndra également. Shockwave de Faker, ce ne sera pas suffisant a priori. Et oui, la retraite est parée par les Billy Billy qui enchaînent dans cette early game. 3-0 pour l'équipe chinoise. Faker qui a tenté le dash vers l'avant. Mais là, il n'a aucune stat défensive face à cette Syndra qui a déjà son chapitre perdu, qui avait son ultimate. Les BLG s'envolent dans ce début de partie. Très beau focus au niveau de la mid lane. Vraiment, on utilise l'absence de flash de Faker. Et il y a Gao et Shun qui trouvent deux très belles ouvertures. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand même ce solo kill sur la top lane. En fait, il faut comprendre, c'est un peu dans les clés du match-up. Là, Zeus, c'est normal. Enfin, entre guillemets, c'est compréhensible qu'il utilise son dash vis-à-vis du trade. Mais Bin avait bien lu ça. Oui. Il a space le pré-shot un petit peu du coup de bidon de Zeus sous tourelle pour lui mettre le stun derrière et l'a tout simplement battu dans le mind game du match-up. Ouais, c'était très propre. Bin qui se venge. Bin qui s'est fait marcher dessus et solo kill la game d'avant. Mais qui ici a asséché Zeus tout simplement. Il prend d'ailleurs un très bon trade sur cette top lane. Il a maintenant les Mercures, ouais, pour être un peu plus à l'aise. Clairement. Après, il y a chapitre perdu pour le Gragas, donc moins de problèmes de mana pour Zeus. On va peut-être pouvoir un peu mieux travailler sur ce Jax, mais Bin, encore une fois, n'a pas peur de se retrouver dans ce 1v1. Attention. Oh, il a réussi à le réorienter dans le Q-spell. Mais ulti consommé pour Zeus. Attention, Bin qui est de retour à l'assaut ici. Peut-être un autre solo kill. Mais il n'a pas flash, Zeus. Il a pas flash en même temps, est-ce qu'il pensait que c'était utile de flash? Mais double solo kill de Bin. C'est une masterclass du top laner des BLG. En fait, ce kill a... Enfin, il space le stun, il... Et en fait, ce qu'il faut voir, on en reparlera après ce move-là. Donc là, on a Faker qui tente le dodge vers l'avant, qui ne passe pas. Mais ce qu'il faut comprendre sur le play au top, c'est l'état de la wave. C'est qu'en fait... Derrière, la wave, en plus de se faire solo kill, est catastrophique pour le Gragas. Il n'a pas pu se faire aider pour je ne sais quelle raison par son jungler. Et du coup, bah là, il était dans une situation où il a envie de crash la wave, de s'avancer un petit peu, mais Bin ne l'a pas laissé faire. Bin l'a abuse jusqu'au bout. Et là, les BLG sont en train de corriger les T1 sur cette early game. Alors, le double solo kill vraiment au top est massif parce que non seulement c'est Goldive, bien sûr, pas loin des 1000, mais XP diff également en faveur de Bin. On a même un début. Ah oui. Bin qui a du temps. Il peut se le permettre. Ah, la Bolten T1, toujours en bonne situation. C'est le seul endroit où ça va bien pour l'instant. Ouais. Dans la game de T1, enfin, Honor est fine, mais... Oh là, Elk, le Feshek va peut-être coûter. Il se fait dunk directement, il a un flash encore, Elk, Honor va reculer. Elk qui reste calme, il savait que la Jinx était, était trop très loin de ce combat, bien qu'il y ait l'ulti. C'est bien joué de sa part d'avoir ulti sans trembler dans l'arène comme ça, sans flash. Une belle économie de son flash. Et sur la top lane, c'est le drame. Ah, c'est compliqué, ouais. Parce que les Mercures sont incroyables ici dans... Snowball le match-up, soit pour les CC, les dégâts, la vitesse de déplacement. En fait, les trois stats des Mercures ici sont très utiles dans le match-up direct. Et Zeus souffre. Toutes les plates sont debout, cela dit, de son côté, mais c'est une vingtaine de CS d'avance pour Bin. Deux kills, l'ascendant mental aussi, et surtout un Jax qui scale tout de même très bien, hein, contre la team adverse. Le Jax, il est très très solide et très dur à gérer. De toute façon, tout Jax un peu fed est quand même un problème. Ouais. À partir du moment où le champion est capable de faire des dégâts, de tanker. Mais on verra. T1 a quand même une bonne situation bot, mais est-ce vraiment suffisant? Parce que sur le top side de la map, on est clairement derrière. Billy Billy qui continue d'accélérer. Et on va offrir plus de gold à Yagao.
Et là, l'accélération va pouvoir être massive au niveau du mid-game, parce que la Syndra va être accélérée sur son premier item. Et il y a de la vaille côté BLG, il y a de quoi forcer les fights, forcer les 2v2, forcer les 3v3, avec un follow-up assuré au niveau de la Syndra. Sachant qu'en face, on n'a pas de stats défensives. Regardez, sur Faker, c'est des bots de lucidité. Ça va être dur pour encaisser la part des T1, parce que ce Tahm'kench ne pourra pas forcément rentrer dans les débats de 2v2, etc. C'est... Ouais, non, la Xayah de nouveau sont nuls dans quelques secondes. Ils le savent, hein, les Belges. Ils le savent que c'est plutôt sur le top side qu'ils peuvent arracher les combats. Ah, au bot, c'est difficile, effectivement, ce Jinx TK qui est quand même une jolie forteresse. Parce qu'il y a un Tahm'kench, mais il n'y a pas la Senna qui peut ulti de l'autre côté de la carte. Il y a une Jinx, certes, mais ça reste moins fiable qu'un ulti Senna. Ah, Faker qui cite quand même la mobilité de son Z, mais effectivement, qui se fait zoner une partie de la wave. Il y a Gao qui joue extrêmement haut, confiant dans la présence de son jungler. Et effectivement, Shun est juste au contact. Et tu vois, attention à pas trop surjouer sur la botlane, parce que c'est l'endroit où on est bien pour l'instant. Mais si on finit par craquer bot pour T1, il va plus rester grand chose pour l'instant. Mm-hmm. Oh, ils pull le dragon, ils ont la pression mid. Il n'y a plus de mana sur Yagao. Il y a un cookie, ceci dit. Oser, mais récupérer ce dragon, ce serait un très bon kicker scaling. Hein. D'un point de vue long terme, ce dragon est super important pour les T1, mais ça va être défendu par les adversaires. Ils se savent plus fort ici. Et Yagao doit avoir son item. Honor, ça va jouer au smash. C'est récupéré par Honor. Attention, Keria, on repositionne Goumaïussi qui peut reprendre l'initiative. Honor qui traverse le fight, qui va chercher Yagao. Certes, Yagao prend le kill, mais il tombera. Goumaïussi sécurise un shutdown 2-0 pour la Jinx de Gouma. Et la botlane T1 qui est énervée dans cette game. Et le fait qu'il comeback la game sur ce timing vis-à-vis de ce qu'il y a en face. Tahm'kench is the new Kassadin 2014. Ouais, à peu près la même mobilité, ouais. Mais par contre, là, regardez le Tahm'kench, c'est... Ah, il a annulé la puissance de la compo adverse. Hein. Hop là. Bah ouais. Hop là. Shield de 500 HP, derrière clean-up de la Jinx, et Honor qui tank pour la team, qui se suicide pour l'équipe, et qui permet à Jinx de récupérer un shutdown. Oui, oui. C'est dingue, et T1 sur ce timing-là, et littéralement comeback la partie, parce que non seulement c'est un... Normalement, c'était juste un Drake qui leur permet de gagner du temps à l'avance. Niveau scaling, voilà, c'est le ticket scaling un peu long terme. Et je pensais qu'ils allaient laisser mourir peut-être quelqu'un. Mais non, c'est eux qui ont dominé le fight, qui ont récupéré ce shutdown. Et maintenant, en réalité, il y a seulement ce top side qui est vraiment mal en point. Ouais, flasher de Karia tout de même, là, nécessaire. Il a son ulti, il a son ulti. Et le phase rush, oui, mais il y a une shockwave du côté de Faker. On va parfaitement enchaîner. Et le kill est récupéré par Faker. Et ouais, oui. Le phase rush n'était pas suffisant pour On. Plus d'ulti Alistar et opportunité saisie très rapidement. Et cette Jinx, c'est pas juste un shutdown qu'elle a récupéré, c'est 150 CS à peine 14 minutes, Chips. Au passage, complètement, non mais elle est monstrueuse la Jinx, mais Faker qui a choisi Crown, parce que je crois que sur sa première Orianna, il avait fait un Liandry ou un Luden, enfin un des deux items de dégâts, mais donc Crown. Mm-hmm. Pour lui. Oula, Shun qui va croiser le chemin de Keria qui décide de tout mettre. Il y a sans doute les dégâts avec Yagao. Mais oui, il y a les dégâts. Shun qui vient punir ici dans ce buisson. Il est à l'initiative, hein, le jungler des Belges. Il est extrêmement présent en son Zeus. Il faut reculer. L'Everfrost est là. Ah, au Zeus. Ah, quoique, non, il n'y a pas de wave sur laquelle jouer pour les Bilibili. Ça veut reset peut-être pour l'item du côté de Bin. Zeus qui s'en sort bien. Il n'y avait pas l'info du Jarvan dans le fog potentiellement. Item à récupérer sur le Jax, donc le call était bien évidemment deux back pour BLG. Cette crown elle va être bien quand même, parce que c'est sûr que BB a beaucoup de burst. Et là les T1 qui se relèvent de nulle part dans cette partie. Parce que, honnêtement l'early game il était... les early games comme ça qu'on a vu dans les Worlds en général, ça se soldait par un snowball très dur à encaisser. Joue bien ensemble Yagao et Shun quand même dans cette game. Ouais. Il n'y a rien à dire. Le Syndra plus Vi qui fonctionne très bien. Ils sont même à l'initiative sur ce Herald.
de Tahmkench. Qui a l'air de vraiment réduire les opportunités adverses. Hein. Ouais, Bin qui pousse en side, qui va pouvoir obtenir une T1. Et T1 qui vont peut-être décider d'enfoncer la mid lane maintenant. Pas tout de suite pour Bin. Et on recherche la première tour du match pour les deux équipes. Et là, c'est létal, non? La tour. C'est très drôle, on a un. Oh, attends, le spell. Il a la Syndra d'énormes dégâts, elle a un niveau 1 sur Kyria, mais le shield qui va encaisser cette rafale. Et du coup, la première tour, elle est pour qui? Parce qu'au niveau de la top lane, on sait pas trop, c'est pour Bin. C'est pour Bin. Oh, il est colossal ce Jax quand même. Ah, les petits 150 gold bonus qui font plaisir. Oh, il y a même une téléportation, ça peut déclencher un playmaker qui veut se faire attraper, mais il est rapide. Non, il va pas se faire avoir. Il est très rapide. Mais sa force, alors le TP des deux top laners tout de même, Zeus et Bin, qui ont rejoint la tentative de fight. Et attention parce qu'il va vite falloir se repositionner pour le dragon, pour les deux équipes. Avec des T1 qui ont toujours le flash sur Gouma. Gouma qui est vraiment pour l'instant le champion, le joueur à surveiller côté T1. Sa Jinx est en place mais elle n'a pas encore ses deux items toutefois. On les connaît ces Jinx, hein, bien en early. Elle a un ghost en plus. Ah, il a le de quoi. Le petit pentangle. Il a de quoi gagner les fights, ouais. Mais attention, parce que le Jax et la Syndra sont terrifiants malgré tout. Mm-hmm. En fait, ce qui est très sympathique avec cette crame sur Faker, c'est qu'il va pouvoir avoir le rôle d'une Orianna assez indépendante et tout de même utile. Et du coup, Kyria va vraiment pouvoir se concentrer sur le peeling de son AD carry, qui est le vrai carry ici dans cette draft. Et du coup, Goumayusi, avec son ghost, son flash. Avec un Kyria qui clique, honnêtement, il pourrait s'en sortir vraiment bien. Vraiment, le last pick Tahmkench dans cette draft est formidable. Hein. Y a pas d'autre mot. Hein. Ouais, parce que surtout dans Steward, je pense qu'on s'attendait peut-être à ce que les last pick Braum puissent casser des games. Mais là, j'avoue que le last pick Tahmkench est assez propre. C'est vrai que le Braum aurait pu exister ici. Oh, le clearing. Braum, pas dégueu dans l'idée contre la draft de Belger. Ouais. Mais bon, t'as pas la dévoration. Attention ici au flank, mais Honor qui veille bien sur ses teammates hein. En termes de contrôle de carte. Ah, il faut mettre Goumayusi dans les bonnes conditions pour les T1. On voit la Jinx s'énerver et on voit surtout ce Herald à charge sur la T2. Flank. Le flank peut-être de Bin qui est recherché. Bin isolé dans la jungle des T1, mais des T1 qui ont. Ah, si, ça y est, il le voit, mais ils n'ont pas vraiment les moyens d'aller le chercher. Attention toujours à On. Il a un flash, il peut tenter d'accélérer avec son Alistar, bien sûr. Mais Kyria est toujours présent aux côtés de Goumayusi. Shockwave de Faker. C'est très bien joué ça. On trade les ultis. Et je trouve que Honor joue en silence très très bien cette partie. Dans les moves sur lesquels il est intervenu, il a vraiment fait son taf. Et surtout, il met beaucoup de pression vis-à-vis du contrôle des zones en restant dans le fog. Oh là, tout. Oh là, oh là, Honor, on va très très loin. Belle couverture de Yagao sur le côté. Et la méga Death Rocket. Oh, Honor qui prend tranquillement la dévoration de Kyria. Va-t-il vraiment survivre? La réponse est oui, Honor est vivant. Quelle prise d'initiative du jungler T1 au top. Qu'est-ce qui se passe? C'est un V2 là. Qu'est-ce qui se passe? Les T1 qui font de la magie sur ce topside. Attends, deux, il a flash qui a repoussé un V2 ses adversaires. Mais il a pas ult, mais il a flash. Il a dû faire de la magie, tout comme ses teammates. La chip, c'est pas. Mais l'accélération pas... de fou furieux. C'est pas juste un comeback et une accélération de T1. C'est. Le retour du God. Le retour du God. Non, mais là, ça clique de fou. Ça enchaîne, ça se back up. Il y a des Goumayusi qui se fait pas attraper par la Syndra. Du coup, Kyria peut s'élancer pour son mate. Tac, t'es vorace, oh là alors là qu'il va mourir de Lignac. Oh c'est littéralement grotesque sur ce move. Et le drapeau de Honor sur Elk. Ah, il était propre celui-là, hein, vraiment. Et pourtant, bah, Elk avait tout donné, ulti, flash. Mais bon, l'ulti de Xayah ne te permet pas de sortir de l'ulti de Jarvan, bien sûr. Alors T1, où est-ce qu'on se projette là? Quel est le plan de jeu? Parce qu'on a déjà pris la T1 au top. L'idée pourrait être de vouloir peut-être jouer la T1 au bot, mais en même temps, le baron apparaît là. Mais est-ce que T1 veut faire un face baron? Honor est vraiment en train, je pense, de silent 1v9 cette partie. Hein. Il est vraiment excellent sur la map, excellent mécaniquement. Oh, s'il avait volé avec son drapeau. Ça, le timing aurait été rude pour les Bilibili.
On aurait pleuré sur le casting. Alors attention, parce que dans la game 1, déjà, ils avaient du mal à rentrer dans les choke points, les Bilibili. Et là, pareil, la capacité de contrôler les chocs de T1. Et On se fait toujours repousser, soit par une shockwave, soit par la Jinx. La range est très bien utilisée par les T1. On. Oh, attention, il passe tout de même sur le côté, il est mid-life. C'est intéressant pour On quand même, le stun de Yagao ici, on va tenter d'enchaîner. On se retourne sur Faker, attention côté T1, Gumayusi le flash out. On se repositionne, Keria dans la mêlée, Honor qui gagne du temps pour l'instant, qui se repositionne. Honor va peut-être tomber la méga Death Rocket de Gumayusi qui traverse le fight. Le double kill de Gumayusi qui continue d'accélérer. Il n'a pas les dégâts pour faire tomber Yagao. Mais derrière les T1, pousse, sécurise à T2. Les T1 très bien mobilisés ici. Le spike, deux items de la Jinx qui fait très mal. Quelle accélération de la part de l'équipe coréenne. Et je suis surpris, alors après, parce que Bilibili, je m'attendais à ce qu'il mette tout sur Gouma, mais en même temps, comme Keria était à côté, Sean qui a voulu... Mais je pense quand même... Ouais. En fait, Sean, il sait qu'il va y avoir l'ulti-time kill. Bah ouais. Ici, du coup, il est... Mais en même temps, il n'y a personne pour suivre sur le côté. Ah, c'est... Le problème, c'est qu'il y a un Tamkench, tout simplement, donc... Honneur, encore une fois, à l'initiative. Gotesque sur ce fight. Et finalement, l'ulti de TK est utilisé pour Zeus vraiment en fin de fight. Agumanusi aurait pu se chauffer, aller chercher les resets, mais il a tout de même respecté, il voulait pas donner son shutdown. Bah, en vrai, la game que T1 propose... En red side, malgré leur lead, bon, il y a eu de la glissade, il y a eu des outplays. En vrai, c'est pas non plus T1 qui a run down en early. Vraiment, Bin, Yagao et Sean ont très très bien joué ouais. Les premiers niveaux. Mécaniquement, c'était du solide. Et derrière, quel comeback, c'est assez dingue. On en a pas vu beaucoup hein, dans des non. Contre des. Parce que là, c'est seed 2 contre seed 2 Asie. Dans les équipes de très haut niveau, en général, c'était assez one side. Contre des équipes qui se valent. Bah, si, on a vu un comeback. Genji quand ils ont ouais. Comeback T1. C'est vrai. Pour moi c'est. Enfin on va dire qu'en équipe en termes d'équipe de haut niveau, c'est le. Et après bon, il y a G2 d'une certaine façon. Les games façon. De G2. Ah oui, mais. C'était les BO1 hein, là on est dans une phase plus critique de la compétition. Je suis d'accord. Et puis les games de G2 c'était bizarre parce qu'ils avaient l'avantage au début, puis long throw, puis ils ont comeback. Alors c'était un. Bon. On verra où va aller cette game, bien sûr, parce qu'il n'est pas dit que Bilibili puisse pas reprendre les choses en main. Et en réalité, c'est assez even malgré tout entre les deux équipes pour l'instant. Bah là, il y a un élément très intelligent qui a été récupéré par le Jax, c'est le Hullbreaker, pour essayer de casser un petit peu les codes de cette partie. Mais en side, un Gragas avec de la paix, ça wave clear, mine de rien. Mais c'est bien tenté, je pense, de la part de Bin, car il faut être réaliste. Ils se sont tout simplement fait maîtriser par ce pick Tamkench. Là, en 5v5, jouer contre ce Tamkench Jinx, ce n'est pas possible. Keria a juste à faire le garde du corps avec ses lunettes teintées à côté de la Jinx. Qui smoking. Et Gubayusi ne peut pas se faire attraper. Il a le flash et le ghost en backup. Honor qui à chaque fois empêche un carry adverse de jouer. Zeus et Faker qui apportent quand même du contrôle. Et de la pression avec leurs ultis, tout ça. Ouais. Bah, le pick Tamkench est excellent. C'est clair. Bah, notamment face à double spell point and click qui sont censés combiner en fait côté Bilibili. Et effectivement, jouer contre ce TK dans ces conditions, c'est quand même. Ça handicape le playmaking de Bilibili, mais. Attention, il y a toujours Bin. Alors, Bin d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Hullbreaker, donc choix du split push. Très clairement affiché pour Bin, ça veut dire que dans les teamfights, ce Jax aura beaucoup moins d'impact. Ouais. Et il faut. Est-ce qu'on peut utiliser ça à côté T1? Après, c'était quand même potentiel bonne porte de sortie, vu le désespoir montant côté BLG dans cette game. Et on voit un Zeus qui Gragas, très haut. Contre Gragas, c'était dur de passer. Hein. Gragas, ouais. ça wave clear avec de la paix tout simplement. C'est sûr, maintenant sur les wave canons, tu peux toujours progresser normalement. Tu sens qu'ils veulent pousser, mais il n'y a rien à pousser. Hein. La Jinx, elle attend, bien en place, avec son garde du corps. Ah. Honor qui n'a plus de flag, mais qui est couvert par Orianna, et on se dit que s'engager sur Honor, c'est peut-être pas le meilleur des plans. Puis il y a toujours ce Tamkench qui va se prendre en embuscade. Il y a Honor tout de même, mais il y a ce Tamkench qui peut le dépanner. Très bon buffer de son dash. Attention, Gumayusi qui va devoir
se faire manger ici. Ouais. Mais plus d'ulti Syndra. Ouais. Là, il y a tout de même un timing parce qu'il reste l'ultivaille, il reste le flash de On. Complètement, il y a de quoi aller chercher cette Jinx. D'ailleurs, Goumé aussi qui va choisir de reset. Attention, Faker, la shockwave directement. Oh 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 oh, le flash out ici, On qui a tenté d'outplay. Ça, c'est joué à rien entre Faker et On. Bah, c'était un très beau combat. Et pendant ce temps, au bot, ça chill. Les BLG qui n'ont pas dit leur dernier mot. Non, non. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve cette puissance mécanique un peu en mid-game qu'on avait beaucoup vu notamment chez les LNG. Complètement. Bah, LNG qui n'ont pas peur de jouer malgré tout. Et qui... Mais le problème, c'est qu'ils perdent le flash d'Alistar tout de même. Ce timing là, 20-25 minutes des équipes chinoises est souvent très très bien joué. Hein. Oui. On l'a vu hier entre LNG et KT, les LNG qui trouvaient souvent des ouvertures qui faisaient une belle différence. Le 20-25 minutes, vraiment, il est souvent, c'est le timing où ils dominent le plus, ils sont le plus décisifs. Et là en face, les options commencent à s'accumuler. 3 items sur la Jinx, 2,5 sur Faker avec une petite stopwatch. Faker qui au final a bien remonté la pente. En termes d'XP, il est even, ce qui est pas malin au vu de ce qu'a récolté Yagao en early. Ah, ils vont pas le tuer, Honor. Ils vont pas le tuer, ils vont le payer même. Et attention, là, dans Dieu, du côté d'Honor, c'est magnifique. Et Yagao est servi sur un plateau d'argent à Faker. Les T1 qui vont pouvoir accélérer. On, qui s'est peut-être vu un peu trop beau avec son Alistar. Patient, les T1 depuis tout à l'heure, patient. Ils ont totalement ralenti leur jeu jusqu'à attendre cette opportunité, cette brèche. Et là, ça va être le break normalement. Attention Zeus, on a un backup avec l'ultimate de la Jinx, le coup de tourelle qui ne suffira pas. De l'autre côté ça fait le baron d'Achor et de l'autre côté les BLG sont pris en chasse, elle qui va se prendre le coup de langue, il est complètement oh appel de plume est excellentissime avec l'ultimate derrière, ça réengage du côté de la Jinx, mais Gouma Yousli Bin qui vient calmer cette vaille et Bin qui ne pourra rien faire à la fin de ce fight. Oh, c'est dommage pour les BLG, elle qui avait vraiment fait quelque chose de beau là. Mais T1 qui réagit bien, pixel stopwatch du côté de Faker au moment où Bin tente de récupérer un kill et le baron Nashor est validé pour les T1. Et là c'est du très très bon, on va revoir le move. Mais là, je sais pas trop ce qu'il espère On en mettant ce combo très franchement. Ils sont que deux en fait à cet endroit. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il espère. C'est pas dingue. Très bonne ulti de backup de la part de Gouma Yousli qui finit le Nashor et qui après arrive. C'est beau ce qu'il a tenté. Fait, hein. Ouais, c'est très bien tenté. Et là, la réengage, elle est décousue en fait pour les BLG. Il y avait ces stopwatch de backup qui ont fait la différence, tout simplement. C'était le truc en plus qui a beaucoup aidé les T1 sur cette phase de jeu. Et là, ils sont vraiment dans le mal, les BLG. Pourquoi? Parce que Ake n'a plus aucun CD. Mm-hmm. Bin n'a pas de TP. Ouais, Gouma son flash. Et Gouma a encore son flash. Ouais. Et une stopwatch. Donc force au BLG sur cette phase de jeu. Attention Honor le combo directement. Bin en side, Bin qui est contrôlé. Pour l'instant on enchaîne les essais sur Bin qui absorbe énormément. On le combo ici, mais il est désormais très très deep. Et à la fin de sa volonté de faire, il risque de se faire déchirer, d'offrir un reset à Gouma Yousli bien sûr. Et Gouma Yousli pour le double kill. Et on enchaîne du côté de T1, Honor de nouveau. Magnifique combo, elle tente de s'envoler. Mais c'est terminé pour le Karia des Chinois. Jouer dévoration de Karia au cas où le rappel de plume aurait eu assez de dégâts. Et Honor qui conclut sur Yaga. Les T1 qui prennent définitivement le lead. Ah là là, quelle performance de teamfight une fois de plus. Honor encore une fois. Un impact de fou dans le début de ces teamfights. Et les BLG qui essayent de trouver la porte à chaque fois, mais il y aura toujours une stopwatch sur la Jinx, toujours un flash, toujours une dévoration de Keria. Et cette Jinx est bel et bien à 0 mort dans cette partie. 9 kills. Et maintenant, une âme des nuages. Encore plus de mobilité à jouer à cette ajouter à cette compo. Ce Tahm Kench. On Bin va parler qui de lui. Absorbé pourtant. Bin honnêtement en side. Il prend un beau focus. Ulti Gragas, Everfrost. Mais bon. Et Honor qui coupe le combat avec son cataclysme, qui se repositionne. Et le problème pour Bilibili, l'air de rien, c'est qu'On, il a beau mettre ses combos in, qui le suit? Mais oui, Zaya, il a rien à faire. En fait, Zaya, c'est pas un champion qui est très bon pour suivre. Syndra, c'était un peu loin aussi, avec la menace toujours de te faire hard CC. Et Honor à la guerre.
Encore une fois, Bin qui va gagner du temps, il est en train de se faire monter en l'air. Tandis que Goumaïus est en train d'ajuster ses auto-attaques. Flashing du côté de Keria, combo d'honneur de nouveau. Shutdown en faveur de Goumaïus, les T1 mettent Goumaïus sur des rails. Impossible, impossible de se louper du côté de Goumaïus qui enchaîne. Ah, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. C'est la série meurtrière pour Goumaïus. 11-0 sur cette tourelle. Ça veut aller jusqu'au bout. Plus d'AD carry en face. Ça enchaîne. Ça remonte les points de vie. Faker au zoning au niveau de cette fontaine. Faker en train de chill dans la base adverse pendant que les tourelles sont déjà en train de tomber le combo de Hone. Attention, Faker qui se fait ramener dans la fontaine. Non, c'est un petit peu raté par le Alistar. Mais le Nexus est en train de se faire exploser. 2-0. Explose 2-0 pour les T1. 2-0. Les Bilibili qui tombent. T1 qui prend sa revanche sur le fameux best of 5 du MSI, et T1 est en quart de finale, mesdames et messieurs. Surtout T1 est de retour, un visage totalement différent des premiers BO1 qu'ils ont disputé dans cette compétition. Et en plus de ça, Treton qui n'en peut plus. Très très belle performance. Très beau last pick Tam Kench. Et T1 qui remet un peu la Corée dans la course par rapport à la LPL aussi au passage. Ah, bizarre. 2-0 pour T1. Très dur de se concentrer quand Treton est en train de nous prendre en photo. Se reconvertir en carrière d'Instagrammeur. Ouais. Et Goumaïus, le BO de la botlane T1. Bah... Le BO de la botlane T1. Et Faker, un petit pouce, mon gote, un petit pouce. Faker qui s'est fait battre, mais très sincèrement, l'exécution de Vaisindra sur le niveau 3. Attends, mais Honor, mais qu'est-ce qu'il a envoyé sur les Bilibili? C'était peut-être le flag? Peut-être une pincée de sel? Peut-être. Mon gote, un pouce? Il y a déjà eu un pouce. Ah, je l'ai pas vu. Ah non, je l'ai pas vu. Il y a eu un pouce. Bon, ça va. Non, c'est convaincant, à tous les postes il y a eu du très très bon. Il y a juste eu vraiment des éclats de génie en early game côté BLG. Mais derrière ce fight au dragon, c'était Tam Kench, enfin vraiment Tam Kench dans les fights en early, c'est ridicule. Ouais, mais la coordination là, de T1 était propre. Vraiment, tu as Tam Kench contre Vi Alistar, tu as Dofus, une grande chance de gagner la partie, je pense. Enfin, Tam Kench contre Vi, c'est le plus gros counter, en fait. Ouais, le pic n'existe... Vi n'existe plus contre Tam Kench. Ouais, complètement. Bah écoutez, mesdames et messieurs, on va y débriefer, bien sûr, la rencontre et l'after show commence en compagnie de Karim KT, bien sûr, de Shriek, de Twixou et de Treton, qui est en très grande forme, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même. Twixou, c'est à toi. Merci beaucoup Chipsou, merci beaucoup, quelle merveilleuse journée, une journée exceptionnelle, 2-0 en faveur de T1. Et un très beau 2-0. 2-0 pour T1. 2-0 pour T1. 2-0 les amis, on va revenir bien sûr sur les séries du jour, on va avoir également le tirage dans 10 minutes, à peu près 10 minutes, on aura le tirage pour toutes les équipes qui joueront leur destin. Demain, il y en aura 6 équipes en 2-2. Ça va être une journée absolument fabuleuse. Cette game, messieurs, elle commençait extrême... Oh, il y a Faker, il y a mon goth. Il y a mon goth. Il est sur scène, il est beau, hein, il est vraiment beau. Bref, elle commençait mal. On commence par la draft et après, on parle de la frénésie Bilibili parce qu'il y a eu des solo kills, des ganks à l'appel. Treton, il me semble que cette draft, elle t'a convaincu. Bah ouais, moi je trouve que la... Alors forcément il y a First Pick Zaya, donc ça fait peur à tout le monde quand tu vois un petit peu le tournoi. Mais la réponse Jinx qui arrive très tardivement est quand même très très bonne. On l'avait vu au MSI et on sait que Jinx AFEO sont des bonnes réponses à Zaya. Surtout Jinx parce que t'as le côté outrange en teamfight, tu te fais des gars plus tôt, donc ça c'était géré. Syndra, tu la draft dans Jarvan, donc c'est compliqué. Jax, c'est une réponse Gragas sur le PP, c'est dur. Ouais. Et du coup, en vérité, il n'y a pas beaucoup de bonnes conditions pour BLG, c'est très très dur de s'en sortir en vrai. On est bien d'accord, cette draft, tu nous la mets au chaud parce que il me semble que tu voulais nous en parler sur Telestrator, ouais. Pour que ce soit plus clean. On va te setup ça juste après les replays. Mais d'abord, je laisse la parole bien sûr à notre invité du jour. Karim,
cette game, c'était du poulex. La vaille, quand même, de Shun, elle a été spectaculaire. Et en tant qu'expert jungle, dis-nous tout. Bah, je trouve très bonne only de la part de Shun. Il a bien joué sur sa force et sa Syndra. Je pense que très bonne synchronisation avec la Syndra. Franchement, le fait de jouer PTA aussi, c'était une bonne idée de ce côté. Je sais qu'en LPL, ils aiment beaucoup jouer vaille PTA comparé en Occident où c'est que des conquérants en général. Oui. Ou non, j'ai bien aimé ça. Et bah, overall, ouais, un très bon début de game de la part de Shun. Je pense qu'après, il s'est un peu éteint à cause du Tahm Kench au niveau, à partir du niveau 6 et des phases de regroupement. Mais il a joué sur ce timing en early et très bonne game de sa part. Excellente game. On parle quand même du match-up top, mon cher Shriek. Bean qui prouve encore une fois qu'il est l'exception parmi les Jax. C'est le seul à qui Gragas ne fait pas peur dans ce match-up. Alors, moi je disais en off justement que le match-up est à l'avantage de Gragas, certes, mais pas en very early. Normalement, il faut prendre du temps, il faut avoir deux codex, il faut avoir justement de la CDR pour pouvoir spammer les spells. Donc, t'as un timing pour Bean pour ne pas trop tomber derrière. Pas un timing pour prendre deux solo kills massifs qui n'ont servi finalement à rien. C'est vrai, malheureusement, il est parti sur une strat Hullbreaker, mais forcément, la game s'accélère trop, il est obligé de groupe. Et son Hullbreaker perd beaucoup en value. Mais tu nous parlais, Karim, de l'impact de ce Tahm Kench. Ça a été la clé, selon toi, sur l'équilibre de la draft T1? Bah, je pense, dans les phases de regroupement, oui, ça a été la clé. Mais je pense que là où Bilibili Gaming a un peu in sa game, c'est vers la 18e minute où Jax doit TP au top et il ne se passe rien. Je pense que c'était le moment où Jax était vraiment fort. Il aurait pu abuse et continuer à taper des T2 et peut-être mettre plus de pression en side. Et je pense que le fait d'avoir Overgroup, ça a rendu aussi le Tahm Kench bien plus fort. Overgroup. Overgroup, je pense que c'est vraiment le terme clé. Hein. Le truc, c'est que c'est dur aussi de passer en side sur Gragas, quoi. C'est là où. Avant l'Hullbreaker. Bah ouais, même avec l'Hullbreaker, il dépêche quand même relativement bien. Après, tu peux aller jouer tes escarmouches. Peut-être qu'aller chercher une Organa en side qui est un petit peu perdue. Des petits catchs un petit peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que dès qu'il y a le TK et dès qu'ils sont regroupés, surtout que Faker, après un bon build, je pense, le fait d'être parti crown, fait que du coup, il est pas sensible à l'engage. Et donc, on peut défendre juste Goumaï aussi du côté du Tahm Kench si on le veut. Moi, je suis totalement d'accord avec ça sur ce point de draft. Mais ce qui me surprend, c'est que T1, ils avaient toutes les loose conditions. C'est-à-dire qu'ils sont derrière au gold avec une composition qui a peu de dégâts overall. Parce que Jinx, Orianna, ça scale très bien. Mais tu peux pas gagner un teamfight à 15 minutes de jeu. Ils avaient 5 à gold de retard. Ils ont gagné les teamfights avec une composition qui n'aurait, à mon avis, pas dû les gagner aussi tôt. Et ça, c'est un exploit. Mon cher Tréton, je t'invite à aller te placer pour que tu nous parles de cette draft hein, qui a été, selon toi, assez game breaker. Alors, il y a certains éléments, bien sûr, qui vont être importants. Je t'invite à appuyer sur le petit draw, hein, bien sûr, pour ne pas faire le misplay de la dernière fois où tu as chargé une scène et où ça a été catastrophique. Tréton, mon cher Tréton, parle-nous de cette phase de draft de T1 contre Bilibili, Game 2. Bien, écoute, mon cher Twix, déjà, moi, je pense qu'il y a un trade qui est important. Je sais que la Xayah est un pick qui est très, très fort actuellement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que d'avoir Orianna en red side, j'avais déjà dit, je trouve que c'est pas mal. Et en vérité, tu as déjà un trade qui est relativement fine, surtout que tu rajoutes Jarvan, qui est forcément un bon pick dans Xayah. Tu te retrouves avec une première rotation qui est tout à fait correcte du côté de T1. Et derrière, tu es un petit peu obligé de pick Syndra. Il n'y a pas beaucoup de picks qui résistent à une Orianna. Du coup, tu as Syndra et t'as Xayah qui vont jouer contre un Jarvan. Donc en vérité, t'es pas hyper bien. Par contre, t'as le Jax de Bean. Ce qui ça est big et ce qui est une véritable win condition. Je pense que t'as envie d'avoir toujours le Jax de Bean dans ton équipe. Après, la réponse, elle est très très bonne. Hein. Une réponse Gragas du côté de Zeus. Sur le papier, il doit jamais se faire solo kill. Il doit être fine dans son match-up. Et surtout, il doit empêcher totalement le speed push de Jax pendant toute la partie qui n'est pas censé être une win condition. Ou du moins, avant un Hullbreaker, on rend beaucoup d'items, avant énormément de temps. Et derrière, intelligemment, ce que je trouve très très bien de la part de T1, c'est ce pick de Jinx. Qui était une réponse du MSI contre les Xayah, on s'en souvient, et Jinx contre Xayah, c'est vraiment des super interactions, que ce soit en teamfight ou en phase de lane par rapport au push, t'as vraiment beaucoup d'avantages, et le plus game-breaker, c'est la fin de la draft, où du côté de BLG, on va partir sur Alistar et sur Vi, pour commit sur un petit peu du monofocus, pour commit sur le fait d'aller attraper la Orianna, d'aller attraper la Jinx, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mobilité, en plus t'as le follow-up d'une Syndra pour venir tuer, t'as vraiment un combo qui est très très fort, le problème c'est que juste Tahm Kench, littéralement Tahm Kench tout seul, counter ses trois champions. Et le champion est exceptionnel. Tahm Kench contre Alistar en phase de lane, tu vas normalement l'emporter. Contre Vi et Syndra, c'est super dur de jouer. Tu te retrouves avec une composition T1 qui a deux menaces vraiment majeures avec Jinx et Orianna, qui n'a pas vraiment de faiblesse en side parce qu'il y a le Gragas, qui ont du peeling de fou. Je pense qu'en termes de win condition, en termes de draft, elle est même remportée par T1. Et pourtant, c'est une draft contre Xayah. Et je pense que c'est l'une des meilleures drafts contre Xayah que j'ai vu parce qu'il n'y a personne qui va vraiment commit sur elle. Il n'y a que le Jarvan. Et le Jarvan peut, avec des stopwatch et timing intéressant avec un Tahm Kench derrière lui, réussir à temporiser. Mais une Xayah pour tabasser Tahm Kench, pour tabasser Gragas avec deux carrés en face qu'il outrange, honnêtement, la game de Elk, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas facile, sachant que son mid-jungle a vraiment un combo de champion qui, juste parce qu'il y a Tahm Kench, va avoir une game très, très difficile. En plus des itemisations de T1 qui ont été très, très bonnes et tout, ils ont vraiment très bien joué. Mais je pense qu'en termes de draft, T1 a été super malin et c'est l'une des premières drafts red side
qui personnellement, contre Xayah, me convainc véritablement. Donc respect à T1 pour ça. Respect à T1, merci beaucoup Tréton. Bien sûr, il y avait forcément quelques autres détails à mettre en avant. Les bans, hein, tout particulièrement. Il n'y a pas eu de Rumble parce qu'il était retiré. Il n'y a pas eu de Azir parce qu'il a été retiré. Enfin, on a pris beaucoup de précautions. Et c'est le ban de Blitzcrank n'a-t-il pas donné quand même, voilà, mis la puce à l'oreille des Bilibili? Parce qu'un ban de Blitzcrank, Karim, ça sort pas nulle part. Blitzcrank, ça counter pas 36 champions. C'est là où je voulais en venir. Je comprends pas trop les bans de Kaisa. Parle bien dans ton micro, mon frère. Je comprends pas trop les bans de Kaisa. C'est un perso qui est probablement faible, un peu dans Xayah, notamment en phase de lane. On a vu que des personnes arrivent à très bien s'en sortir dans Kaisa avec Xayah. Du coup, ouais, je pense qu'ils auraient pu ban Tahm Kench, sachant que game d'avant, T1 avait joué Tahm Kench. Je pense qu'avec un peu de réflexion, peut-être un petit effort, tu penses qu'ils auraient pu s'en sortir sur Surtout le ban Kaitlyn, tu sens qu'il va venir un truc où ils vont se faire outrange potentiellement. Donc le ban Kaitlyn est vraiment très bien. Et c'est vrai que le ban Kaisa, il pourrait être remis en question côté BLG. Parce qu'après, le truc, c'est que si tu ban Jinx ou Aphelios, de toute façon, t'en tapes un des deux. Donc c'est vrai que le ban Blitz fait que ban Tahm Kench était peut-être naturel. Et peut-être que Tahm Kench va prendre une priorité maintenant dans les drafts. Avec Senna en plus de ça, qui est évidemment en embuscade. On notera quand même que deux fois d'affilée, T1 draft sa botlane en deuxième rotation. Je pense que je vais nous laisser un petit peu sur... Enfin non, on peut en discuter un petit peu, le tirage est en train de se setup derrière nous, vous êtes en train de le voir. Oh, le tirage de fou. Mais les botlanes draftées en seconde phase, est-ce qu'on a un plot twist qui se met en place, mon cher Tréton? Bah, on a enfin un counterpick support en fait. Un vrai counterpick support qui counter quasiment toute la composition. Il y a eu très très peu de counter support parce que souvent on rushait sur du Alistar en red side, oui, avec Alistar Kaisa, et je pense que c'était pas forcément la bonne solution. Et maintenant que t'as Tahm Kench, qui peut être un counter, t'as Renata potentiellement, mais qui est très souvent ban. En fait, si on a des counters spécifiques en support, je pense qu'on a des last picks qui vont être intéressants, et je pense qu'il y a encore d'autres champions à aller chercher. Mais il n'y a que le rôle de support qui, selon moi, a un counter pick vraiment insane en fin de draft. Modulo, la civière qui était cool de NRG. C'est vrai. Il y avait même des barres d'angle un petit peu à travers la journée. Et par rapport à la draft, je sais pas si j'ai un point vite fait, mais je crois vas-y. Je veux juste savoir par rapport à Syndra, Orianna, mais j'ai l'impression que toujours les Syndra dans Orianna ne gagnent pas. C'est Jarvan pour moi le point le plus important. On n'a pas parlé du tout de Jarvan, mais pour moi Jarvan est ultra important dans toutes les drafts. Et c'est ce qui fait la différence pour les picks AD Carry et les picks support. C'est vrai, on l'a vu assez nettement, mesdames et messieurs. Vous le voyez, le tirage va avoir lieu. On va réagir avec vous et on va débriefer, bien sûr, juste après. En fonction des affiches qui seront tirées au sort, toutes les équipes qui seront draftées sont en 2-2. En 2-2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on gagne le BO et on se qualifie, soit on le perd et on rentre à la maison. C'est un BO3 où c'est la place au championnat du monde qui se joue. Les enjeux vont être exceptionnels. C'est demain matin. Et quand je dis matin, je pèse mes mots. C'est 5h du mat, 4h45 pour le pré-show. Voici les 6 équipes qui joueront leur destin demain sur notre antenne. S'il y a... J'ai deux Weibo. En fait, il peut y avoir... LPL, il peut y avoir Weibo, Billy, Katie, Damwon et Fnatic, G2, qui serait le pire tirage de l'histoire. On a une équipe en quart. Non, hein, je pense que c'est le meilleur tirage. Après, c'est marrant, mais c'est vraiment, en vrai de vrai, c'est le pire tirage. S'il y a ça, c'est FF. Je sais pas, un G2 au moins pourra sortir. C'est vrai. G2 a un petit avantage au passage, c'est que c'est le seul seed 1 qui reste, du coup ils auront le choix du side. C'est le micro avantage contre n'importe qui. J'ai pas l'impression que ça leur réussit, le choix du side. Oui, bon, c'est le problème est plus profond que le choix du side pour G2. Et voici Thanos, mesdames et messieurs, le destructeur de monde, le destructeur d'espoir. Mais il nous a mis des tirages quand même plutôt pas mal. L'Occident est en quart et c'est un peu grâce à lui. Le tirage 2 contre NRG, ça nous a pas du tout favorisé au niveau de l'Europe. On a tous cru que c'était le tirage full time, mais il va tirer Weibo, on est voilà quoi. Alors. Allez, première équipe. Je dirais que c'est peut-être Katie qui a évité. Katie qui est log. C'est vraiment le pire pour G2. Ah, je pense que c'est Katie. Hein. Ok, Damwon. Des plus, on les a battus une fois. Non. Ah, techniquement, G2 a battu tout le monde. Ouais, mais. Enfin, sauf Katie. Est-ce que t'as envie de les voir jouer contre Damwon? Et BLG aussi, hein. Katie BLG font peur. Hein. Le problème c'est que G2, on peut plus les mettre favoris dans aucune circonstance. Allez, l'adversaire. Là c'est BLG, on est content. L'adversaire de D+ qui a, mesdames et messieurs, qui tombe. C'est BLG. C'est KT et Noyance. C'est KT, tu as dit. Oh, Corée. Katie Rollster, Corée. Ça va être Corée Chine, Europe. C'est ce qui va se passer. En fait, c'est pire pour nous si c'est pas Europe, parce qu'on a deux équipes, on se fait massacrer si c'est Europe. Oui, hein, c'est fin de world. C'est fin de world. Et si on a Europe contre. Bah, je veux pas être négatif, mais si c'est Europe contre Chine, on est fini. Après, j'ai deux contre Weibo, c'est pas. Bah, et en vrai, Europe, ça se lève pas demain. Hein. Ils se sont fait double temps. Europe. Ça, c'est quoi la meilleure équipe chinoise qu'on pourrait avoir?
Weibo. Tu veux éviter BLG sur le papier. Là c'est le pire. Le BLG c'est le pire pour G2. Le mieux c'est vraiment Fnatic. Et je pense que c'est mort de rire. C'est le même tirage EU. Attention G2. G2. Pas BLG. Fnatic. G2 contre. Billy Billy Gaming. Bah les gars, ne vous levez pas à 8h parce que ça sera déjà fini pour l'Europe. Une affiche vraiment difficile. Après, avec deux équipes qui se sont fait dérouiller aujourd'hui. Et du coup, forcément, Fnatic Weibo. D'une part énergie. Après, une victoire G2, ça donnerait de l'espoir, quoi. Mais... En vrai, il y a un positif, c'est qu'on peut avoir deux équipes en quart. C'est très dur. La Fnatic. Vous êtes dans quel camp, là? Je comprends pas. On a plus de chances de voir le body painting que ça, que une équipe en quart. Voilà, je dis. Oh, le Katie Damwon, il est pas mal aussi, quand même. Katie Damwon, Billy Billy G2 et Fnatic Weibo. Franchement, on peut en discuter, mais c'est probablement les affiches les plus équilibrées qu'on puisse avoir. G2 Billy Billy, il y a une grande question quand même, je pense. G2 Billy Billy, c'est le plus équilibré et le plus hype. Bah non, peut-être le premier est super intéressant, mais. Ah, je sais pas, frère. Mais les trois sont bien. Est-ce que c'est de l'ordre des matchs? Alors, non. Ce n'est pas l'ordre des matchs. L'ordre des matchs, on l'aura peut-être d'ici à la fin de cet after show. On ne vous garantit pas, mais normalement, ce sera le cas. On ne le garantit pas à 100% non plus. Est-ce qu'il y a autre chose et tout? Faker qui vient, fait une roulade, un salto, non? C'est là, on est en mode, ouais, il y a une chance, on a deux équipes en quart, mais franchement, la réalité, c'est si on en a une, on est trop heureux, quoi. Oui. C'est un miracle, on aura battu et éjecté une équipe de Chine. Ce serait déjà incroyable. Deux équipes de Chine. Deux équipes de Chine. On peut booter deux équipes chinoises. On est confiant pour Fnatic? J'ai des doutes, hein. Fnatic. Ouais, je suis confiant pour rien du tout, honnêtement, côté Fnatic et G2. Prendre un pari, Karim, peut-être, peut-être un petit pari, Triton. Tu veux peut-être sauver ta mise, un petit double up. C'est quoi le double up? Je sais pas, trop, c'est trop. Moi, si vous voulez. Si t'as l'occasion de faire un double up, c'est maintenant. Moi, je suis chaud pour un kit ou double, j'ai deux équipes à BLG. Et c'est quoi le double? Okay. Quoi, je sais pas c'est quoi le double, mais je suis chaud pour un kit ou double. Je sais pas c'est quoi le double, mais je suis chaud pour un kit ou double. On y réfléchit, on fait mûrir ça pendant l'after show. Si G2 l'emporte contre Billy Billy Gaming, tu es éventuellement immunisé au body painting, mais... Mais sinon, le double, c'est vous qui décidez, je m'en fous. Bah, pas les cheveux, juste pas les cheveux. Pas genre chauve ou quoi, comment c'est pas ça. Pas mal le truc, pas je te dis. Je ne pas trop les cheveux ici, Shriek, un mot. Je l'ai fait. Ça m'est très bien que sur ce débat, je sois immunisé. J'avoue que toi, tu peux pas. Après, la bobard. Mais vous voulez pas. C'est pas suffisant. Kit ou double, c'est pas suffisant. Je suis désolé. Il peut pas partir avec juste une petite barbe en plus. Bon, écoute, on y réfléchit. Pour l'instant, rien n'est validé, Triton. Pour l'instant, tu es toujours en body painting avec Romain au prochain événement. Moi, je suis confiant sur G2. Cosplay, café, chouchou. Je suis désolé. C'est bien. J'ai envie de dire, avant qu'on discute de nos matchs, le temps est de ton côté. Tu auras beaucoup de temps pour essayer de rattraper Romain sur la route du swag. Oui, bah oui. Je pense que vraiment rattraper Romain qui fait ça depuis 8 ans, moi, je pense que je vais avoir le même corps dans 2 mois. Ouais. C'est pas... Non, 2 mois plus. Oui, non, en vrai, dans 6 mois. Dans 6 mois. Un peu de tryhard. Tu vois, tu tryhardes autant que t'as tryhard la Corée, je pense que tu le fais. Hein. Mais c'est pas la même motivation, mon bro. Okay, il y a pas de DLP à la salle, c'est fini. Un petit cosplay bar de plus 25. En vrai, si faire un exo me donne DLP, je suis chaud. Il veut DLP à la salle, genre il termine un exo, il voit level up, il est trop... Ah ouais, moi il me faut ça, les gars. C'est vrai dans ma vie. De fou. La malhonnêteté. Alors, mesdames et messieurs, donc on va réagir aux différentes affiches, on va passer des clips, etc. On va échanger vraiment sur tous les enjeux des matchs qui nous attendront demain. Juste synchronise, oui voilà, on commence par ce match-là, on est d'accord dans l'ordre, très bien. Eh bien on va commencer par le versus Corée du Sud contre Corée du Sud. Les amis, dans l'ordre où ils ont été tirés au sort, D plus K contre Katie Rolster. Alors, c'est un rematch si je ne m'abuse. Il y a eu BO1 remporté par Katie Rolster dans une game qui avait été, je m'en souviens maintenant, extrêmement lente du côté de D plus K qui avait opté pour une stratégie long range à base de Ziggs qui n'avait pas été couronnée de succès étant donné que voilà, les Katie Rolster avaient trouvé les angles d'engage. Alors D plus K contre Katie Rolster, quand bien même il y a 1-0, peut-on réellement dire, pour commencer la discussion, que D plus K a le même niveau, la même compréhension de la méta de ce championnat du monde qu'auparavant, qu'au début de la compétition? Parce que d'après les interviews, Canyon s'est notamment pas mal exprimé là-dessus. Leur compréhension a évolué. Bon, je pense que des plus, on ne peut pas encore les comparer à Katie, mais je les vois, à Derrick, mais je les vois bien comme étant une équipe qui scale super bien dans la compétition. Et j'ai aussi envie de parler du fait que
KT, eux, ont toujours été les chokers. Bah, tu me demanderas à Noah, mais c'est chokers de fou furieux. Ah, il n'est pas là, Noah, genre. Dans les BO3, les BO5, il n'y a pas eu de BO3, je crois, en Corée, mais c'est les chokers de fou. Et quand ils ont la pression, ils jouent beaucoup plus mal. Et pour moi, c'est un avantage pour D+ là-dessus. Si on raisonne, pour argumenter sur ce que tu viens de dire, si on raisonne en BO3, les BO3 dans le Summer Split, ils les ont tous gagnés sauf un. C'est pas... C'est des... Tous. Après, et quand je dis tous, c'est tous. KT a été quand même une très très bonne équipe contre LNG. Ils ont été compétitifs. Ils ont eu le parcours. Je pense qu'ils ont objectivement le parcours le plus difficile de presque tous ces Worlds. De loin, ouais. Ils se tapent. Bah, je sais même pas s'ils ont tapé beaucoup d'équipes occidentales. Je pense qu'ils ont tapé quasiment que des équipes asiatiques. Ça fait deux fois qu'ils tapent Damwon. Là où Damwon, on les a quand même quittés sur Loose contre G2 et Loose contre KT. D'ailleurs, ils battent BDS et GAM. Ils les battent. Facile. J'ai envie de dire, avec tout le respect, encore heureux. Maintenant, en fait, le truc, c'est que Damwon, on n'a pas d'infos. Il était contre un Keti qui sort d'un BO contre LNG qui était compétitif. Donc Keti, pour moi, gros favori. Quoi. Après, je préfère Damwon et je pense que Damwon va gagner. Oui, hein, je pense que Keti, grand favori. Et bah ouais, il n'y a rien à ajouter. Ça dépendra de la façon dont... Et Deft. Ok, mais Deft, ça ne va pas lui arriver deux ans d'affilée. C'est bon, lâche le steak. Genre, frérot, c'est bon, t'as gagné une fois les Worlds, t'as fait la remontada du steak. Non, mais pour vous, c'est 70-30, genre 80-20, carrément. 80-20, je pense. Hein. Mais vous êtes 80-20. Des fous furieux. Hein. 80-20, il abuse. Vous êtes des fous furieux. Non, mais je pense que 70-30, c'est... Bah bon, regarde les Worlds des deux équipes. C'est... Après, le petit avantage pour Damwon, c'est que je pense que la méta est un peu en train de shift. On voit des trucs nouveaux, genre Senna, Tam Kench, qu'il va falloir potentiellement travailler très rapidement. Et ça peut perturber un peu, mais sur le papier, KT a bien qu'il y a un léger avantage pour KT, mais je vois pas un 70-30, tu vois. Pour moi, ça sera jamais un 2-0 déjà. KT, oui, ok, dans le Summer, les Spring Split, ils ont gagné tellement de BO3, World. Mais c'est pas les mêmes BO3. Mais les World prends la place de Noah ici en défendant KT Rollster, m'en demandez pas trop non plus. Ok, mais les World aussi, au final, KT, comme l'a dit Tréton, meilleur parcours. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Enfin, c'est moi, ils jouent juste mieux. Positif, hein. Genre Damwon, ils ont gagné contre GAM. On aime bien GAM, tu vois. Ils ont gagné contre BDS et on aime beaucoup BDS. Ils sont très sympas. Oui, on aime aussi beaucoup BDS. Mais en plus, tu vois, je trouve que BDS était dans sa peut-être pire forme, même contre Damwon. Adam faisait pas des très bonnes games, alors qu'on sait très bien que c'est un élément clé. Il est vraiment fort quand il est. Tu veux parler de la botlane ? Et la botlane. Tu veux parler d'Adekari ? Non, j'ai pas de 3 kills. Je vais pas me faire trop d'ennemis aujourd'hui. Adam, t'inquiète, t'as fait des bonnes games au début. Mais du coup, oui, pour moi, genre, même Damwon bat des équipes qui étaient pas en forme non plus. Non, mais le parcours Damwon n'est pas rassurant. Maintenant, ils ont repris un peu de confiance. Si Killin joue bien, quand tu vois les pseudos, Damwon peut cliquer d'un coup et peut battre Katie sur un BO3. Tout est possible de toute façon. Et je pense que Damwon peut passer. Maintenant, ce serait faux d'arriver dans ce BO en étant en mode Damwon est favori ou est proche du 50-50, tu vois, de mon point de vue. Maintenant, il suffit d'une bonne draft, un canyon qui joue Lee Sin, tac-tac, Katie qui choke et ça passe. Et Noah a un sum colossal et ce serait un scénario rêvé en vrai. Est-ce qu'on aurait pu avoir un pire tirage pour Katie Rollster? Bah, BLG, je pense, c'est pire quand même. Mais c'est pire. Je pense que c'est le deuxième. Je pense qu'on peut argumenter, mais BLG sont plus forts. Oui. Bilibili, c'est la meilleure équipe de toutes celles qui sont affichées derrière nous. Pour moi, c'est Katie. Je pense que ça se joue, c'est even à peu près. Ah ouais, et vu que Bilibili vient de se faire rétamer par T1, je mettrai Katie. Je pense que Katie. Parce que Katie contre LNG a fait 2-1, et je pense que je mettais plus de street cred à LNG dans le tournoi que T1. Après, bon, c'est des comparaisons foireuses tout le temps. Après, j'ai l'impression que T1, ok, ils ont peut-être gagné, mais. Il y a eu beaucoup de la draft qui a été permissive pour eux. Genre, ils ont, draft est fort, je suis d'accord. Ils ont beaucoup aidé sur les drafts. Et là, ils ont genre, des trucs qui ont été leaks, des nouveaux trucs qui ont été leaks à peu près sur les drafts. Je pense que ça dépendra beaucoup de comment les gens vont s'adapter à ce qui est sorti aujourd'hui, je pense. Hein. C'est vrai. Je pense qu'il y a quand même le côté, genre la première game, c'était un truc qui était basé sur Nida, ça n'a pas fonctionné, ok. Et la deuxième, c'était une meilleure idée de draft. Si on parle de purement de niveau de jeu, certes, il y a eu beaucoup d'avantages T1, il faut le dire. Mais tu vois, je pense pas que c'était honteux ce qu'ils ont sorti aujourd'hui, tu vois, face à T1. Non, je suis d'accord, mais Katie avait des bonnes drafts contre LNG et on montre un niveau de jeu de fou. Tu vois, qui va être important. Ouais, mais de toute façon, pour BLG, pour le BO d'après pour moi. Pour BLG G2, est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter? Parce que c'est les deux équipes qui, de mon point de vue, se sont fait un peu outlé en draft. Katie, D+K, Karim, ton take, toujours sur Katie. Katie, 2-0, je pense. Hein. On voit beaucoup de BO one-sided hein, en ce moment. Genre, les games sont plutôt one-sided. Hein. Du coup, ouais, moi, 2-0, Katie. Mais qui c'est qui a le side? C'est Katie. C'est Katie, normalement, qui a le side, ouais. En tant que seed supérieur par rapport à D+K. Katie, on rappelle Katie qui est seed numéro 3 de la Corée du Sud et D+K qui est seed numéro 4. Oui. Petit prono, Shrek? Ouais, je mettrais quand même 2-1 pour D+. Je pense qu'il scale.
2-1 D+, mais le scaling. Argumentaire, c'est quand même à l'instinct, tu vois. C'est plus, je pense qu'ils vont avoir un meilleur read de la méta et tout ça, mais c'est... Ils ont été convaincants face au Vietnam. Il c'est tout le read de la méta qui m'intéresse. C'est quand demain, on va voir ce qui va être pick et ce qui va être draft. Bah, sans argumentaire, 2-0 Damwon, j'emmerde moi. Mais c'est quoi ton problème, le mec qui fait un... Bah, je suis totalement pour Damwon. Il fait un pavé à la zérotique pour dire que Katie est devant et un 2-0 pour Damwon. J'ai une nouvelle strat, j'ai compris. Après, la dernière fois que t'as parié 2-0 pour une équipe, c'est mal passé, quoi. Enfin, mais, ouais, t'as fini dans un bail chelou, quoi. Mais ce coup-ci, j'ai argumenté pour l'autre équipe. Du coup, effectivement, ça va, tu vois. Okay, contre toute raison, Damwon. Et toi, mon cher Tux? Écoute, par solidarité avec mon cher Noah, car on a toujours un plan où on se retrouve plus tard dans la compétition. Non, pour le coup, moi, j'avoue que... mon cœur penche plutôt vers D+. Et la raison? D+. Ma raison, c'est mon cœur. Ok, ouais, c'est bon, ça, c'est... Ouais. Voilà, disquette. C'est une folie, ce qu'il va te dire. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il est chaud. D+, K, moi, j'aime beaucoup, les joueurs sont très charismatiques. Mais je pense, objectivement, que c'est un match qui peut être, qui va être extrêmement, extrêmement serré. Peut-être qu'on aura des games one-sided, je ne sais pas trop. Mais on aura un match disputé. C'est quand même une dernière chance pour les deux équipes. Et je pense qu'ils vont vraiment considérer l'enjeu de la rencontre. Ce sera un BO3. On aimerait quand même que ce soit un BO5. Tiens, en vrai, les 2-2 petit BO5. Off-topic, oui. Les 2-2 en BO5, on serait plutôt. Est-ce que j'allais demander si c'était, bah, pourquoi ce n'était pas des BO5 d'ailleurs demain, hein. C'est ouais. Plus intéressant, je pense. Après, d'un autre côté, c'est un peu injuste du coup qu'eux aient le droit de jouer leur qualif en BO5 et pas les autres, tu vois. Et du coup, tout le monde devrait être en BO5. Si tout le monde est en BO5, on n'en finit plus. Tu perds tout, quoi. Au bout d'un moment, si tu fais 0-1, 0-2, déjà que t'as un BO3, t'es content. Tu vois, il y en a des équipes qui font que des BO1 dans les groupes et qui sont en 0-2. Ces équipes-là doivent s'en vouloir de ne pas avoir gagné plus tôt, en fait. Oui. Bah oui, bah c'est le système, hein. C'est pour ça. Pour Riot, l'année prochaine, BO5. BO5 et les Worlds sur 2 mois. Et... Non, sinon, ça nous va, hein. En 4 rounds, tu vois. Genre, il faut 4 victoires et 4 défaites. Et là, je pense déjà, première piste d'amélioration, on en rediscutera peut-être quand on aura fait tous les matchs, mais ne pas pouvoir rejouer les mêmes adversaires, ça peut être un bon début, parce qu'on voit un petit peu les limites de ce truc-là. Katie Rolster, D+, K, on referme la parenthèse, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, on ne sait pas trop comment ça va se gérer. On a un plan, bien sûr, on va essayer de le respecter tant bien que mal. On passe maintenant aux vaincus du jour, les Bilibili, qui vont donc affronter le site numéro 1 de l'Europe. Et pour commencer, justement, mon cher Tréton, on avait isolé dans ce BO T1 Bilibili, étant donné qu'on parle des Bilibili, c'est l'occasion parfaite, ce fameux niveau 1. Et on peut également déborder sur les ambitions de la draft Bilibili qui sont arrivées dans la série du jour, en tout cas en première partie, avec un plan de jeu risqué, mais un plan de jeu déjà établi. Et les choses se sont pas passées comme prévu, mais la partie aurait pu être bien différente si cette fameuse invade niveau 1 s'était déroulée autrement. On revient dessus. Bah, je t'avoue que, mon cher Twix, même en termes de plan de jeu, je suis assez surpris de voir des BLG invade le bot side, parce que quand tu regardes la draft, on va le faire de manière assez succincte, mais la draft, c'est assez simple. Tu vois quand même la paire de champions qui est Renekton et Nidalee. T'as quand même envie de permettre de jouer sur le top side, donc déjà je me pose un peu la question, pourquoi invade le bot side en tout début de partie, surtout que tu invades contre cette paire de champions là qui est crack broken au niveau 1. Senna, Tahm-Kench, c'est très très fort, beaucoup d'utilité, beaucoup de dégâts, énormément de tankiness, c'est juste ridicule. Et du coup invade sur ce bot side, même s'il y a en effet Jarvan contre Nidalee, je comprends ce qui motive. T'as envie que la Nidalee passe devant le Jarvan, t'as envie de créer une game chaotique dans la jungle, t'as envie de faire en sorte que la Nidalee snowball un maximum. Mais la vérité, c'est que ta botlane n'est pas aussi forte avec Kai'Sa RL que Tahm-Kench et Senna. Et du coup, l'invade, en soi, T1 ne s'y attend pas. Et ils ont raison de ne pas s'y attendre parce qu'ils se pensent, je pense, plus fort en 3v3. Ils voient l'invade qui arrive. On a un Hon qui directement essaie de go in. Le truc, c'est que du côté de Honor, on arrive à sortir, on n'est pas dans le combo de la RL. Et à partir du moment où on a réussi à temporiser, bah c'est simple. C'est simple pour les T1 qui vont jouer de la range de Goumaï aussi maintenant. Personne ne peut vraiment le reach. Il peut mettre ses dégâts tranquillement. On ne s'occupe pas du red buff, on s'occupe plus du fight qu'autre chose. On voit qu'un Hon va essayer d'aller chercher Honor. Il veut essayer de zoner un maximum le smite. Il a tout à fait raison de le faire. C'est red buff MVP, regardez comme il tabasse. Et le red buff tabasse. Goumaï aussi fait un énorme taf. Et là, il y a le flash in, le fameux, sur Honor. Mais il n'y a pas le follow-up. Il n'y a pas les dégâts possibles. Avec le heal en plus, on se retourne. Et au final, c'est même Shun qui est forcé de flash out. Pendant ce temps-là, on peut noter que sur la mid lane, il n'y a pas encore de décalage des deux mid laners qui se neutralisent plus ou moins. Donc on reste en 3 contre 3. On a un Shun qui va rester intelligent, qui va rester du côté du red side. Honor qui trouve un flash out. Flash in de Elk, mais pas la range. Et regardez, Elk qui se fait toujours slow en permanence. Hein. Il y a un Tahm-Kench qui est en train de le lécher en perma. Il y a Gomayusi qui lui met 2 attaques Q-spell. Et le premier à bouger du coup, et ben en l'occurrence, c'est Faker qui est déjà là et qui du coup va pouvoir pile son jungler, va arriver juste avant la Organa. Et donc on est vraiment vraiment dans le mal dans cette situation du côté de BLG et on va perdre beaucoup, même si heureusement Shun récupère le red buff. La vérité, c'est que ça reste très très mauvais avec un Kirea qui, on le voit, en niveau 1,
bah, son champion, il est crackbroken parce qu'il est contre un niveau 2 quand même de Nidalee. Il peut le flash in, il peut faire ce play, il peut aller chercher un kill. Et c'est juste Tahm Kench. Et Tahm Kench n'a pas été respecté, Senna non plus. Et en termes de plan de jeu BLG, de venir sur le bot side alors que tu as rené ton Nidalee qui doit punir Gnar, franchement, je suis très étonné. Bon, la suite du play, c'est On qui prend tarif, qui ne meurt pas. Mais du coup, tu as une botlane qui est directement en jeu pour BLG. Et le niveau, en fait, a tellement handicapé la game que cette partie-là était à partir de là. Pas free win party one parce qu'ils ont bien snowball, mais presque. Presque free win. En tout cas, un énorme avantage. Et je rebondis sur ce que Karim avait pu nous dire au débrief de la game 1. Oui, rassure-toi, mon cher Tréton, t'inquiète pas. Tu nous avais dit qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait plus de un joueur côté Bilibili sur ce Red Buff et que Honor aurait, ça n'a pas été confirmé, mais c'est la théorie, Honor aurait vraiment réclamé, ou en tout cas, ET1 aurait réclamé un starter avec un leash pour ce starter, pour ce début de clear. Est-ce qu'on pouvait vraiment imaginer, enfin, est-ce que ce plan d'invade Red Buff niveau 1 était la chose à faire de ton point de vue de jungler? Bah, moi, comme j'ai dit avant, je pense que c'est faisable, l'invade. Après, ça dépend vraiment de plusieurs conditions. Mais je pense que le plus simple, ça aurait été Nidda qui start bot side. Elle peut réclamer un leash à Kai'Sa. De toute façon, la lane au bot, elle est un peu over due par le match-up. Du coup, elle peut réclamer un leash pour avoir vraiment un clear plus rapide. Après, t'es level 3, tu peux invade le Jarvan. Jarvan ne peut rien faire. T'as la prio top généralement parce que Gnar en level 1, 2, c'est vraiment pas fort. Tu peux gank top, tu peux demander à ton Renekton même de trade agressif parce que tu peux look pour un dive. Non, je pense que pour moi, le plan de jeu, c'était vraiment classique. Hein. Tu prends ton level 3 et à partir de là, tu vas buller le Jarvan parce que ton match-up en isolé est juste meilleur. Puis tu joues du côté du Renekton parce que Renekton Nidalee, comme tu l'as dit. Oui. Donc je me dis qu'ils ont juste voulu invade et isoler le Jarvan dans son topside et ensuite la bouler avec la priorité top lane. Mais le truc, c'est que ça marche pas parce qu'il y a Senna Tahm Kench. Je pense que dans un autre monde où c'est une autre botlane, ils peuvent faire cette invade. Ils prennent pas tous les camps, mais ils prennent juste le red buff, forcent le Jarvan vers le topside. Ensuite, tu peux plus jouer le topside pour la Jarvan. Bah, l'invade classique, ça aurait été tu prends le red buff, tu prends les Vrace, tu passes par la midwave pour prendre la prio toi-même. Et après, le Jarvan, il se retrouve avec juste son topside. Mais moi, encore une fois, c'est juste, je pense, surpris par Senna Tahm Kench. Je pense, tu vois, c'est le genre de combo que t'as pas l'habitude. Tu vois, genre, une fois tous les un an ou deux ans, parce que c'est méta ou c'est un certain counter, et t'oublies ce que ça fait le combo un peu. Mais tu ferais ça, toi? Genre, si t'avais pu invade bot, ouais, je pense que oui. Hein. Red Raptor, ça va dans le top side. Ou à moins que tu peux aussi jouer sur ça, ta botlane peut chercher à jouer vraiment aggro, genre un flash in de rail level 1 ou des trucs comme ça. Ça peut regarder pour un dive level 3, parce que sous tour, si jamais les summoners sont trade, tu peux dive banal avec Rel, Kai'Sa, Nidalee. Tu préfères, à mon avis, jouer top. Oui, après, ça reste plus simple de jouer top side sur les coups. Alors, c'était justement une des grandes interrogations. Pourquoi ne pas avoir joué sur le top side? Est-ce qu'on s'est fourvoyé côté Bilibili? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a loupé, justement? Est-ce qu'il y a des mauvaises décisions? Tout simplement, c'est la théorie, parce que ces Bilibili, ils ont moins d'une journée pour arranger, fixer les choses et arriver on point face à G2. Je pense qu'il n'y a pas plus loin que... Ok, niveau 1, c'est un Tahm Kench, on a sous-estimé. Et du coup, ça a foutu la merde dans la game. Parce qu'après, le fait qu'il puisse pas être top lane et que le Gnar puisse être isolé en 1v1 et qu'en plus, il se fait un boulot de fou dans cette partie, à partir de là, la game, elle est plus jouable. T'as ta botlane qui peut pas jouer, ton top qui peut pas jouer. C'est juste qu'ils se sont trompés sur l'invade et à partir de là, la game est très dure. Et en plus, T1 s'en est vraiment bien servi. Parce que c'est pas non plus normal que Zeus ait solo kill top. Hein. On est bien d'accord. Il y a eu d'autres événements. D'ailleurs, mon cher Bichente, est-ce qu'on est capable de dérouler un petit peu plus de cette game 1 Non, moi, je pensais plutôt rester sur Bilibili et revoir quelques images de leur série, si c'est possible, hein, bien entendu. Mais voilà, on va se remettre un petit peu tout ça en tête parce que, évidemment, on a stacké des replays aujourd'hui. Ils ne sont pas extrêmement nombreux. Mais j'aimerais bien, avant qu'on aborde le côté G2, qu'on continue sur Bilibili parce qu'on a des images fraîches. Là, on reste sur la game 1 avec cette invade hein, qu'on va pouvoir observer à nouveau à vitesse réelle avec la finition. Il n'y a aucun spell. Le W de Hun qui touche pas, c'est terrible. En fait, le fait qu'il le mette un peu dans le mur. Parce que ça, peut-être, ça change aussi. En fait, si le W de Rel force un flash, c'est pas mal en vrai. Moi, je pense vraiment qu'on revient sur tout ce qu'on a dit. C'est à résumer, c'est Karim a raison. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait de la contestation. Il pensait qu'il allait y avoir que Jarvan tout seul. Le plan de jeu, comme disait Twix, pour moi, c'était totalement joué top, mais juste avec un early invade bot side into. On isole, on prend tout ce qui est en top lane et c'est fini pour le Gnar. Mais qu'on s'attendait juste pas à ce qu'il y ait 3 personnes dans le bot side et on s'attendait encore moins à perdre le 3v3. Même si quand on en reparle, c'est plutôt évident que tu ne pouvais pas gagner. Ouais. De toute façon, Senna a l'air de prendre une grosse place. Tahm Kench aussi. Hein, je pense vraiment qu'il voulait jouer top. Hein. Pour moi, c'était pas. Ah non, mais de toute façon, si tu piques Nidalee, que t'as Renekton, que t'es contre un Gnar, j'ai envie de dire que ton plan de jeu, c'est pas de jouer top. Il y a quelque part un problème. Et après, le snowball T1, c'est ça qu'il veut dire, c'est que T1 a très très bien snowball. Ils ont joué de manière coordonnée. Là, on a vu un Faker qui a des fois été un peu isolé durant ces worlds ou des sidelines qui ont été un petit peu en difficulté. Pour le coup, Gouma aussi carry Zeus. Alors Zeus, bon, dans la game 2, il s'est fait un petit peu bouger.
mais quand même il fait globalement une très bonne game. Le Jarvan de Honor a été vraiment bon, et il y a peut-être une discussion aussi à avoir sur le pilier de Jarvan qui est peut-être broken. Je sais pas ce que tu en penses, Karim. Bah, je pense que ça facilite beaucoup les drafts, Jarvan. Overall, si tu es un champion que tu peux first pick dans la jungle, ATM en first pick, il y a quoi en jungle? Il y a Maokai, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et avoir un autre jungle que tu peux first pick, ça permet vraiment bah, du coup, de pouvoir répondre. Poppy first pick, non, je pense je pas. Que... 19 ban Poppy dans la méta des Worlds, je me dis qu'elle doit. Ah, mais c'est en réponse, mon pote Shrek. Ouais, j'imagine. Je pense qu'en first pick, non. Et du coup, oui, je pense que ça permet de pouvoir plus tard ne pas lock Orianna et d'avoir une réponse d'Orianna, d'avoir une réponse d'Anxaya. Jarvan, ouais, je pense que ça ouvre beaucoup de choses. Hein. Et là, on a la game 2, hein, bien sûr, avec un bien meilleur starter pour les Billy Billy. Ça a fait des kills, des solo kills, des bons ganks à gauche, à droite. Là, c'est le deuxième kill hein, sur Faker, alors que Shun avait fait une superbe trajectoire dans le pit du Herald pour dodge la ward. Et ensuite, setup un très très bon kill. Et toujours, eh bien, Bean qui a la maîtrise du match-up, en théorie, le plus difficile. Pour Jax, même si aujourd'hui avec Rumble, je pense que ça se discute, très honnêtement. Rumble a l'air d'être encore un niveau au-dessus. Mais Bean a les clés, il comprend parfaitement ce match-up, même si Zeus, pour le coup, a lâché un misplay. Je pense que son coup de bidon sur la Counter-Strike qui ouvre le First Blood, il était quelque part un peu criminel. En fait, non, parce que j'en parlais avec Tréton sur le moment quand Bean appuie sur son E là, sur sa Counter-Strike. Zeus s'attend à ce que Bean va flash in pour auto-attaque W et le tuer. D'accord. Et juste Bean, il était encore plus malin, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai pas flash. Ah, il a tempo et tout. Oui, il a juste tempo. Genre, c'est pour ça qu'il a mis la pression avec le E. Il a voulu voir ce que Zeus allait faire. Si Zeus ne E pas, bah, il flash in auto-attaque reset et Zeus meurt sous la tour. Et mind game quoi. Ouais, il a juste mind game. Franchement, il a juste outplay. Je l'avais même pas entrevu comme ça. Merci pour la précision. C'est vrai que le létal, en tout cas, est disponible. Hein. Le niveau 6 de Jax, il est vraiment différent du Jax qu'on a connu auparavant. Et pour arriver maintenant au G2 BLG, bah, G2, faut absolument ban Jax, je pense, à quasiment toutes les games. Surtout quand tu vois ce qui s'est passé dans Renekton Jax pour Bibi. Mais moi, je pense que ce Jax, à moins qu'on ait le counterpick Garen, qui est quand même la recette homemade hein, pour le coup de BDS. Oh, tu rigoles. Qui pourrait non pop honnêtement bon, plus tard dans le tournoi. Mais je pense que quand tu t'appelles Billy Billy, Jax, dépendamment de la première phase de ban, franchement, c'est limite un pic d'ouverture. Quoi. Enfin, c'est... Moi, je suis le blind. Non t'as been top 7, t'es contre Broken Blade. Tu clear Rumble. Ouais. Et tu peux open Jax. D'accord, ça open. Si Joigny dans la jungle en plus. Imo, il y a mieux. S'il n'y a pas mieux, tu prends direct. Mais pour moi, il y a Jarvan Rumble qui est. Oméga crack broken. Je pense que vraiment on German est. Rumble, ouais, je me pose la question si on n'est pas là sur un moment où il va y avoir peut-être un shift de la méta en plein milieu des Worlds en mode on comprend que Xayah c'est peut-être pas si invincible que ça et on peut avoir des Senna, on peut avoir des Jarvan Rumble, des Jarvan rien, des trucs comme ça qui commencent à un peu déranger ce genre de composition comme l'a fait T1 aujourd'hui, tu vois. Alors je pense pas que Xayah va être hors de la méta mais plus en mode on a des réponses. Après il y a un moment aussi. Dernier mot, Tréton, vas-y, après on va écouter Faker. Il y a aussi un moment où sur la. Bah, on écoute Faker directement. Non, vas-y, fini. Bah, juste par rapport on à la méta, pour moi le gros changement de la méta aussi c'est qu'on peut se diriger vers des Jinx, vers un truc comme ça qui counter un peu Xayah. Et l'autre changement c'est que tout le monde est en train d'oublier Kalista et que les gens bannent Renata à la place. Mais il y a un monde où Kalista revient en force et pour le coup dans le BLG G2. Je pense qu'il faut garder les bans Kalista et peut-être même les bans Draven sur Hans. Et ça, faudra faire attention. T'es d'accord, un petit shift méta, c'est possible. Ouais, non, mais de toute façon, tout est en train de. Mais en fait, la méta est équilibrée. On est sur des worlds équilibrés, donc tout le monde va trouver des counters. Ça dépend des focus ban. Si Caitlyn est open, on aura de la Caitlyn. Si Kalista est open, on aura de la Kalista. Mais toutes les équipes ne jouent pas tout. Et ça va être un défaut de certaines teams. Absolument. Et en parlant d'une équipe qui, a priori, joue tout, eh bien, on va écouter, mesdames et messieurs, la chèvre, le GOAT en personne qui réagit à sa victoire face au Billy Billy Gaming, la revanche de Faker qu'on écoute tout de suite. And we're back here in the interview area after T1 wins here and qualifies for quarterfinals. And of course, I'm with the GOAT Faker for this interview. Thank you so much for joining me. Congrats on making it to quarterfinals. It feels like it was your best games and best series, best performance since the beginning of Swiss stage. What did you guys think you improved upon the most? 그래도 저희가 좀 이제 초반에 불리하더라도 계속해서 뒤집는 능력이 오늘 나왔던 것 같고 그런 모습 덕분에 이긴 것 같습니다. Oh, I think we managed to make a comeback even though falling a bit short early on. So I think because of that, we were able to win today. Yeah, obviously. Any specifics that you think you guys improved upon when it comes to the team play, the performance to get ready for this match today? 일단 저희가 지난 매치에서 조금 이제 의사소통이 잘 안 되는 부분이 있었기 때문에 그런 부분들을 최대한 개선하려고 했었고 그리고 이제 메타 분석적인 부분에서 열심히 했습니다. In the previous match, I think our communication was not on point, so we wanted to make sure that we are on the same page today, and also we wanted to also work on our meta read. I just got the information that DK
is going to play against KT in an elimination game. Who do you think is going to take this one? 모르겠습니다. He doesn't know. No doesn't idea. Know. All right, Omar. We'll talk about this later. Focusing a bit more on the game you just had, you and Yagao has had faced countless times at international events. What is special about playing an opponent that knows you so well, but you know so well as well? 이제 뭐 매번 이제 만날 때마다 항상 같은 상대이더라도 좀 다른 스타일을 가지고 있는 경우도 있기 때문에 뭐 크게 의식하고 있진 않습니다. 새로운 선수를 만나게 때처럼 하고 있습니다. Well, I mean, yeah, it can be the same opponent, but, you know, we all come with different play style every new year. So I'm always keeping the mindset that I am playing against a new player every time. Worlds may feel a bit special for you this year, Faker. This is your first time playing Worlds in Korea. You made it to quarterfinals. What is your resolution for the next stage? 네, 한국에서 월드 진행하는 만큼 이번에 꼭 우승하고 싶다는 마음을 가지고 있고 그동안 이제 할 수 있는 최선을 다하는 게 저의 각오입니다. Because this is Worlds hosted in Korea, I really wish I can win the title. And also my mindset, it's all about, you know, doing my best all the time. Focus on the prize, as always. There's a last thing that I want to ask you, kind of a side topic here, but I know that prior to the tournament, Caps gave you a cactus because you like taking care of plants. Did you find a name for this cactus? 네, 제가 항상 또 선인장 선물을 많이 받았었는데 이번에도 해주셔서 정말 감사하다고 생각하고 있고요. 이름은 이제 잘 안 죽 선쟁이 잘 안 죽거든요. 그래서 언클러블 디몬 캐릭터스로 하겠습니다. 네. So I actually have received a lot of cactus gifts because, you know, I don't know, people give me a lot of cactus as a gift, and because cactus they tend to not die well, so I named them unkillable demon cactus. That's very based. Thank you so much, 감사합니다, and good luck on the rest of the tournament, Jisun. Thank you so much thank as you. Always. And Shocks, back to you. Unkillable Demon Cactus, mesdames et messieurs, quel bonheur, quel bonheur. Notre GOAT est miséricordieux, il est incroyable. Et son humour, surtout, son humour. Non, mais genre, moi, ce qui me fume le plus, c'est Laure qui dit Back to Shocks, et genre, t'as ça en 4K HD. C'est ça qui me termine le plus dans l'interview. Bah, Shocks s'est embelli. Hein. Ouais, moi, je sais pas si c'est sympa de dire ça, mais Faker, sinon, qui disait, bon, bah, forcément, très content d'être en quart de finale, il est là pour gagner, il faut le tryhard. Et il a pas voulu, moi, je suis déçu, parce que c'était pendant le tirage, l'interview de Laure, du coup, et il a pas voulu dire son pronostic sur Katy DK. Il a préféré rester très coréen dans les réponses, très chill. Bah, c'est ça, on veut jamais véritablement pronostiquer contre une équipe coréenne. Ça fait partie des traditions, presque quasiment, j'ai envie de dire. Et la Chine fait la même chose, hein, au passage. On est hyper, hyper corpo. Bon, il ne dit pas grand-chose, évidemment, dans son interview. Juste qu'il est content et que surtout, ces Worlds sont particulièrement importants. Ils sont en Corée du Sud. Premier championnat du monde en Corée du Sud auquel Faker a l'occasion de participer. Et donc, du coup, il parle de titre. Alors, ce titre, on en reparlera plus tard, puisque T1, ce n'est pas le sujet, mais très rapidement, aujourd'hui, ils ont été impressionnants. On referme la parenthèse T1. Comment traite-t-on ? Bah, c'est... En plus, du coup, je suis obligé de complimenter. Bah, très, très bonne draft. Très bonne compréhension de la méta, notamment la Senna qui est sortie, etc. Très malin. Jinx et Tahm Kench, très malin. Gragas contre Jax, moi j'ai bien aimé même s'il a merdé, et juste T1 a été au niveau de T1 sur les dernières compétitions internationales pour la première fois dans celle-ci, et ce qui fait que ça fait peur forcément, parce que dans les dernières compétitions internationales c'est souvent des BO5 qui perdent à la cinquième game ou c'est des finales, etc. Donc T1 est fort. Shriek, Faker et T1 du coup n'ont jamais fait moins que demi-finale. C'est rassurant parce que là, bah, déjà, ils sont qualifiés pour les quarts. Mais surtout, moi, ce qu'a pas dit Tréton, c'est qu'ils sont excellents en teamfight. La preuve étant qu'ils ont gagné un teamfight où ils étaient totalement derrière avec une composition. Vas-y. Mais leur draft est vraiment. Regarde-le quand très tu fort. Dis ça. Non, mais Karim me rejoindra. Leur draft est vraiment très fort pour oui, en vrai, ils ont des drafts assez simples. Mais on était à 15 minutes de jeu. Et on n'oublie pas, Faker n'a pas fait votre staff 3ème. Évidemment qu'il gagne à partir de maintenant. Les mathématiques l'ont dit. Faker ne fait pas votre staff 3ème. Je l'ai. Il va gagner. Et la couronne était très smart. Non, mais oui. Très bon build de la part de Faker. Je pense que quelqu'un lui a donné des tips. Pour le coup, très bon build. Donc, T1 très fort. T1 très, très fort. Tu veux réagir aussi, Karim, puisque j'ai demandé à Shriek et à Tréton. Bah, pour forcément. Moi, T1, on voit qu'ils scalent dans la compétition. Ils, ont, ils travaillent très bien parce qu'en vrai, par rapport au début de la compétition, de très bonnes drafts, très bon plan de jeu. Ouais. Je pense que c'est l'une des équipes qui a le mieux scale dans la compétition. Ouais, coaching staff aussi. Mais est-ce que, en fait, sans flame, mais est-ce que les équipes LCK sont pas en train de turbo scale et les équipes LPL
un peu moins. Comme dans tous les Worlds, tu veux dire ? Bah non, parce que d'habitude, même dès le départ, c'est... Et l'Europe, traitons le départ. Après, on est bah, un peu dans l'abus, parce que JDG, on n'a pas eu le temps de les voir scale, quoi. Ouais, non, mais JDG, LNG, c'est passé trop vite. C'est vrai. Du coup, moi, je pense que... En vrai, tu vois, juste... Tu vois, par rapport au début des Worlds, je voyais BLG battre T1, tu vois. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai foutu de la merde. Ils ont bien scale. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où les NA sont pas mieux au World que les EU, quoi ? Alors, justement, on referme la parenthèse T1, juste, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que les T1 ont triomphé des Bilibili sur un score de 2-0 pour T1. Combien, Noah ? 2-0 pour T1. J'ai pas entendu. 2-0 pour T1. Encore une fois ? 2-0 pour T1. Une petite dernière ? 2-0 pour T1. Merci beaucoup, mon cher Noah, qui, de la maison, bien sûr, a toujours une participation exceptionnelle à ce bureau d'analyse. On referme T1 parce que c'est pas vraiment le sujet, ils sont qualifiés. On passe à autre chose. On passe à autre chose de moins festif, tout naturellement. Tréton, tu vas encore une fois eh bien nous arroser de ta connaissance, puisque tu vas nous parler de G2. G2 contre NRG, c'était le premier BO3 que nous avons eu aujourd'hui. Si vous venez de vous connecter, eh bien, je vous spoil directement le résultat, si ce n'est pas encore déjà fait. NRG a tout simplement pulvérisé les G2 eSports et les NRG. L'Amérique du Nord est en quart de finale du championnat du monde. Et donc, on a décidé, Tréton a décidé de revenir notamment sur une draft qui, selon lui, a été particulièrement avantageuse pour l'Amérique du Nord. Tréton, c'est à toi. Ouais, avantageuse et aussi particulièrement de beaucoup de points d'interrogation du côté de G2, parce que NRG, dès les bans, sont quand même forcés, parce qu'il y a Hans en face avec ses G2 de ban Draven, Kalista et Tristana. C'est quand même énormément de ban à dessert. Tristana, évidemment, c'est un flex pick, mais quand même, c'est des bans qui ne sont pas forcément habituels en blue side. Et je trouve que côté G2, en termes d'adaptation, j'aurais préféré qu'on laisse open ces deux champions, honnêtement, et que juste on trade plus un OP, potentiellement Jarvan par exemple, juste qu'on trade sur la première rotation, mais ça limite, c'est un petit peu du détail. C'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que G2 est parti sur Kai'Sa Rell extrêmement tôt. On sait que Kai'Sa, c'est pas forcément le meilleur pick de Hans, c'est pas forcément un pick dans lequel il va avoir le plus d'avantages, alors qu'en face, les premières rotations sont ultra solides. Hein. Nico, Cassante, Vaille, on est vraiment au top de la méta, ces trois champions qui sont extrêmement bons et qui d'ailleurs, peut-être que Temkench contre Vaille et tout, dès qu'il y a Vaille, ça pourrait être pick, mais ça, ce sera pour plus tard. Et en plus, je te retrouve avec une Syndra du côté de Caps qui n'est pas facile à jouer, qui a une réponse correcte à Nico, qui peut un petit peu se battre dans le push, mais qui a beaucoup, beaucoup de mal contre Vaille plus Nico. Je pense que le combo embête le champion. Et moi, le gros problème que j'ai dans cette draft côté G2, c'est déjà que NRG fait une dernière rotation qui est exceptionnelle. Senna, Temkench dans cette game. Temkench a trop de value. Temkench contre Syndra, c'est trop fort. Temkench contre des champions comme Jax, etc., ça peut temporiser très bien. Mais surtout, Senna, Temkench, ça hard win une lane contre Kai'Sa. Je pense qu'on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, qu'on peut le dire maintenant, de par la range, de par l'utilitaire, de par le fait que Kai'Sa n'a jamais de timing où elle peut vraiment all-in. Donc ça les a mis en difficulté. Et le plus gros problème de G2, c'est ce pic de Belvet. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas. Je vois pas forcément l'angle. Pour moi, le seul angle de G2 avec ce pick Belvet, c'est ok, on va l'arracher tellement fort en jungle, on va aller invade Vaille en permanence, on va l'empêcher de jouer un petit peu à la Heliolia contre Sheo, mais c'est en vérité super dur à faire. Et j'aurais préféré un Bard. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire dans la draft de G2. Je pense que s'ils mettent Bard et Rell en jungle, c'est exceptionnel, ils ont gagné la game. Ça, c'était pour mon point personnel, mais juste à G2 qui arrive avec une préparation, peut-être un peu de disrespect via ce pick Belvet qui n'était pas incroyable, et NRG qui sont arrivés avec une prépa claire, nette, précise, des bans Olaf, Viego qui sont bien target, et ils ont détruit G2, et ça me fait très très mal de dire ça. Voilà. Et quand bien même, merci beaucoup Tréton, quand bien même nous aurions eu un gap, une différence, en tout cas une draft plus efficace du côté de l'Amérique du Nord, il n'en reste pas moins que la partie ne se joue pas exclusivement à la draft, il y a aussi beaucoup, une grande composante d'exécution. Et l'exécution n'a pas non plus été du côté des Européens. C'est rien de le dire. On va pouvoir vous dérouler quelques images de cette série entre G2 et NRG, en commençant bien sûr par cette Game 1. Donc la pression dont tu parlais, et surtout eh bien, le plan de jeu Belvet Invade qui ne fonctionne pas. Alors, encore une fois, ça tombe extrêmement bien que tu sois avec nous aujourd'hui, mon cher Karim Katé, parce que la jungle a été prise pour cible. Oui, mais moi, je pense que dans le jeu, aujourd'hui, c'est très dur de buller un jungle et que ce soit vraiment efficace. Il y a tellement moyen de contrer ça. Et là, notamment, en plus, ils ont des bons champions pour contrer ça en early, en vrai. Ils ont une bonne draft énergie pour contrer ça. Du coup, à partir du moment où ils loupent l'invade au niveau des golems, je crois, du côté des Ike, oui. Au final, t'es plus si devant que ça dans la jungle. Et tu te retrouves avec un bot losing matchup parce que t'avais beaucoup été aidé par ta botlane, etc. Et ouais, au final, ce qui se passe, c'est que t'as pas abusé de ton counter matchup, ta botlane s'est fait counter matchup, ta botlane prend 5 plates à 0 dans le matchup.
Non, moi je pense que counter jungle, c'est plus ce qui existe. Maintenant, enfin, on peut se permettre de faire speak Jarvan. À quoi ça sert de counter jungle, tu vois? On est bien d'accord, tu marques un bon point. D'ailleurs, pour ajouter à ça, est-ce qu'on n'a pas quand même la même situation que dans T1 Bilibili? C'est-à-dire Senatam Kench botside et l'équipe contre Senatam Kench qui joue un all-in invade jungle, que ce soit Nida ou que ce soit Belvette. Et par rapport à ça, je voulais dire peut-être que NRG sur les deux derniers jours ou derniers jours a scrim T1 parce que c'est les deux à avoir sorti Tam Kench et il y a un monde où l'info s'est donnée entre deux. Hein. Possible, hein, franchement, envisageable. Moi, j'ai envie d'ouvrir un débat parallèle qui est un peu lié à ça. C'est Kai'Sa, Syndra, c'est big flop pendant les Worlds. Hein. Les deux picks, c'est défaite sur défaite sur défaite avec on a la game 2 là basé sur ça. Je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, les stats parlent d'elles-mêmes. La game 2 ici qui était nettement différente. Et pour vous, c'est pas un draft. Deux compositions effectivement extrêmement orientées scaling, mais une priorité au Drake qui a vraiment profité au NRG et également une exec en teamfight. Enfin, je veux dire, Palafox, il nous a fait un petit cosplay BDD qui était assez convaincant. Mais, hein. Dessus, oui. Mais ce qui fait franchement peur dans le BOJ2, c'est qu'ils ont perdu leur couille, ce qui leur arrive pas souvent. Mais franchement, draft comme ça, c'est pas G2, quoi. Genre, tu vois, je trouve que par rapport, on se retrouve sur le même draft qu'ils avaient contre Gen.G au final. Bah ouais, dans le concept un peu. Ouais, draft teamfight, scaling et tout. Le truc, c'est que ça a tellement. Ça, c'est juste du front to back. Pour moi, c'est un peu ce genre de draft. Que pas seulement c'était pas G2, c'est un peu ce genre de draft en mode ok, les gars, on a merdé la première game, on est meilleur qu'eux. Du coup, on va juste jouer scaling tranquille, on va jouer teamfight et on va gagner, tu vois. Et cette philosophie-là, de mon point de vue, marche relativement rarement et elle marche encore moins quand G2, le plus gros atout qu'ils ont quand ils ont réussi des worlds ou même quand ils ont été bons à certains timings, c'est sa part de surprise en draft, sa part de botlane très agressive. Peut-être qu'ils peuvent pas jouer Senna eux, mais pourquoi il n'y a pas de la Nila par exemple? Peut-être d'autres trucs qui changent un petit peu la donne. Tu peux changer la donne aussi de top lane sur Broken Blade, qu'il avait fait au MSI, il avait pick des champions vraiment très particuliers. Et du coup, c'est juste une draft qui, de mon point de vue, ne ressemble pas à H2, ressemble vraiment juste à on est meilleur, on va gagner parce qu'on scale, et c'est de la merde. Et NRG, eux, ont joué crânement leur chance, ont bien joué teamfight, ont fait étonnamment de très bonnes performances, notamment contre Axe et Ignar qui ont été super bons. C'est bien vrai. Ils ont été meilleurs en teamfight. Le jungle sup, jungle mid également, dont tu parlais beaucoup tout à l'heure, mon cher Karim. Et Xayah dans Jarvan Rumble, après, game hard mode. Hein. Pour venir par rapport au fight. Enfin, je pense qu'ils ont été meilleurs, mais ils avaient juste des fights plus simples à jouer. G2, ils ne contestaient pas les positions, etc. Ils laissaient vraiment beaucoup trop de liberté à NRG. Je trouve que NRG avait des setups de fight beaucoup trop faciles comparé à d'habitude. Genre. Encore une fois, tu parlais de la facilité des drafts T1. Est-ce qu'on peut reprendre le... Ils sont contents, hein, et à juste titre. Est-ce qu'on peut reprendre le même raisonnement, finalement, pour NRG, ben, des drafts assez faciles à... Game 1, oui, G2 avait une draft facile, game 2 aussi. Et ouais, ils n'ont pas réussi à exécuter. Je pense que la différence se fait dans le decision making. Et NRG, vraiment, ils sont mieux joués, hein. Aucun doute. Mais dès qu'ils prennent un move, il n'y a aucun doute. Regardez-moi ce biceps. Qui veut trash talk Dokla maintenant? Non, mais il nous a pissé dessus. Toi? C'est vrai que Dokla, il est terrifiant. Broken Blade fait 1m10. T'es gratuit comme ça. Désolé, Broken Blade, t'inquiète. J'avoue que le bras de Dokla, c'est la cuisse de Bibi un petit peu, et Tréton. Du coup, tu parlais mal de Dokla ce matin, non? Ouais, il est pas très fort, je m'en tiens. Il y a Marex aussi qui parlait mal. Il va faire quart de World. Bonne chance à lui pour l'écart. Mais après, il a mieux joué. Enfin, il nous en stompe, c'est ce que je dis. Il est coaché par Soraz et tout. Hein. Après, peut-être qu'on a tous dormi sur NRG, en fait, c'est les GOAT, ou peut-être juste que G2 a full sous-performe et a été gaze. Et je pense qu'on aura la réponse très vite en quart de finale quand NRG va se faire exterminer. Alors, tu double up là? Bah oui. Donc là, tu double up. Bah oui. J'aime bien la fin de ta phrase et tout. Il sème le doute. Donc quoi, ils vont se faire exterminer. Va falloir trouver des trucs à punir Tréton si ça passe pas. Hein. Après, ça se trouve, c'est l'équipe surprise. Et là, ils vont au final. My point. Et si NRG était le DRX de 2023? NRG contre le... Est-ce que c'est si surréaliste que ça? Oui. En fait, le problème, c'est que là, on n'a rien vu. Mais quand il va devoir affronter la Akali de Scout ou Akali de Chovy ou comme ça, le frérot Palafox, on t'aime bien. Mais ses retours, c'est billets d'avion, quoi. C'est pas la Nico qui va survivre, quoi. Et je pense que la botlane, FBI notamment... C'est un gros dé hein, sur sa note. Mais ils ont mieux joué. Genre, les 5 joueurs de NRG aujourd'hui ont été meilleurs que G2. Il n'y a aucun doute. Ils ont été bien meilleurs. Du coup, tu pars du principe que c'est G2 qui counter-perf plutôt que NRG qui surperf. Mais c'est évident que c'est G2 qui sous-perf. Et après, les 5 joueurs de NRG sont vraiment nuls.
Genre, c'est maintenant, ils sont puants, quoi, non, pour lui. Par rapport au niveau Asiatic Worlds, oui. Ouais, par rapport à un niveau relatif. Non, mais Dose, c'est possible. Tout le monde est fort à League of Legends. Et, je suis désolé, j'insiste un peu, mais qu'est-ce qu'il y a à redire? Dokla n'est pas mort du BO. Ils ont plus le verre, il a 28 de KDA. Il a, oui, du lane, oui, oui, contre Broken Blade. Il a du lane avec Yike dans la jungle. Après, t'es dans l'abus parce que son opening sur Rumble. Désolé, mais Tux, tu fais mieux, quoi. On te met dans la game, ça se passe mieux, quoi. Il est vrai que personnellement, j'aurais choisi un start au E, mais bon. Même les joueurs eux-mêmes vont dire qu'ils sont surpris de leur perf. Je pense qu'on peut doser. J'ai écouté les interviews en avance, tout ce que je sais qu'ils disent ça. Bah écoute, on va confirmer ça, parce que mesdames et messieurs, on a la réaction d'Ignar. Ignar, bien sûr, un joueur emblématique de Corée du Sud, de l'Europe tout particulièrement, et tout récemment, eh bien, d'Amérique du Nord, et qui vient tout simplement de passer en quart de finale du championnat du monde. On écoute sa réaction après sa victoire face au G2. Et de retour dans la zone d'interview avec Ignar, qui, on le rappelle, plus tôt dans la journée, a battu G2 eSport avec NRG. Thank you so much for joining me. Congrats on taking down G2. How do you reflect on what happened today? What happened today? To be honest, I thought I'm gonna lose today, but somehow we just stomped them. So yeah, feels good. How would you rate what happened? Do you think it's your team overperforming, G2 underperforming, or something in the middle? I mean, obviously, our team is usually bad in scrims, so I don't have that much confidence, but I a little bit forget about we are better on stage, and then it happens again, so... Yeah. You've been playing for a while, Ignar, and as you said, usually the performance you have in scrims doesn't reflect what you guys do on stage. Usually teams play more scared on stage. How do you explain that it's the opposite for you guys and that you actually keep on showing up? We're actually completely opposite. Like on stage, you're more aggressive and then more going crazy, but also more like consistent. So I can't explain, but this is not many teams that I experience like this. But like scrims are so much more than stage games. Like, yeah. So it feels a little bit bad during the scrim, but obviously winning stage is everything. I think it's interesting because when you look at the year as a whole for NRG, of course, there was the rebrand. You guys won Summer Split. You made it to Worlds. Keep on upsetting team and surprising everyone. You came here as the underdog. I don't think you're the underdog anymore. Would you agree? I don't agree. I think we are still underdog. Like as I see how we play scrims, yeah. I feel like we are not consistent, so... I mean, also I like underdog too, so I just want to keep underdog. Yeah. All right, keeping on the humble side, maybe it's going to help you perform. You used to be in EU once, and you used to play with Hansama. How good does it feel to defeat him today? I mean, I'm not happy because I beat Hans. Mm-hmm. Like, I'm happy because we beat G2. All right. Because we are first seed against EU first seed. So, like, I really love EU because I played long time, and then I got, like, many, like, legacy. But yeah. Like for the NA fans, because we are first seed, so like I don't know, it was really happy that for NA fans, yeah. It was an amazing performance, honestly. Nothing to take away from this, but making it to quarterfinals after beating the first seed of Europe, most of people call this history, and I think it makes sense. What is going to be your main focus coming into quarterfinals on yourself and NRG? For myself, quarterfinal, like I think. My goal is I just want to play decent / good as myself, and then as a team, I want to show even we lose, I want to show good game, not getting stomped. So we will try our best. An amazing victory for the West and for the LCS, of course. Ignar, thank you so much for the interview. Thank you. Best of luck in quarterfinals. Thank you. Et à vous, messieurs. Merci beaucoup, Bubu. Merci beaucoup à Ignar. Super anglais, hyper clean. Et tu avais raison, Tréton. Il s'attendait à sous-performer, mais pas parce qu'il se considère moins bon, parce qu'il considère qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance, étant donné qu'ils sont puants en match d'entraînement. C'est ça qu'il dit. Il dit on est puants en match d'entraînement, mais systématiquement, dès qu'on arrive on stage, on est des dieux absolus. C'est exactement ce qui leur est arrivé, finalement, dans leur superbe run dans les playoffs d'Amérique du Nord. Écoute. Ils sont arrivés avec une odeur et finalement, ils ont transformé ça en coupe, en trophée. Bah, G2 en plus qui, eux, apparemment étaient bons en scrim. Tu vois, il y a un peu eu un contraste et de ce qu'on voit. J'ai vu aussi une interview de Dokla qui disait qu'ils n'ont pas pris une game à G2 en scrim. Qui disait que G2 était dans un mauvais jour et dans un bon jour. On a dû couper, malheureusement. Qu'ils ont été un petit peu lucky.
Donc, l'espoir de Ignar, c'est pas de gagner le quart, c'est de jouer décemment et de pas se faire stomp. Enfin, excusez-moi, mais vous voyez quand même que l'équipe, elle est arrivée. Sa première phrase, c'est « je pensais qu'on allait perdre ». Si ça, ça veut pas dire que c'est G2 qui a sous-perf. Oh, mais peut-être qu'il y a une magie, tu vois, dès qu'ils arrivent on stage. Non, après, celui qui a surpris, par contre, c'est Contrax, c'était légendaire. Et moi, je pense que c'était vraiment grâce à ça qu'ils ont mieux perdu l'énergie. Hein. Je pense qu'ils sont arrivés dans la game, ils se sont dit, de toute façon, on va perdre. Ils se sont dit, on va perdre, autant jouer, tu vois. Mais ça se voyait qu'ils avaient aucun doute dans leur move. T'sais. Ils voient un mec, ils le flash in, ils se prennent pas la tête. G2, peut-être, c'est plus de. Moi, je pense que la pression était plus en faveur de G2. Et ça, c'est sûr. Ça s'est ressenti. Hein. Energy, ils ont joué. Enfin. Dans tous les moves, tu vois, il n'y avait aucun doute. C'était que des. Tu la connais bien, cette position, toi, justement, parce que. Oh. T'insinues quoi, là quand même. Non, mon gars. J'insinue que bien souvent, en fait, tu es l'exterminateur de séries de victoires. C'est vraiment quelque chose qui est propre aux équipes auxquelles tu as participé. En gros, c'est jamais toi qui gagne, c'est les autres qui gagnent. Non, et toi, du coup, dès qu'il y a une équipe t'as fait play-in et t'as couru sous une T3. Est-ce que tu as déjà fait une finale de l'FL? J'étais deuxième de l'FL. Bah, moi aussi, bah, voilà. C'est équivalent. J'ai fait 3-0. La même LFL ou pas? Moi, c'était 2020, moi. Et toi, c'était quel élément s'il te plaît, il y avait AAA et. C'était toi en plus. Le top 7, c'était mon top, il s'appelait Frédéric et mon mythe s'appelait Cédric. Frérot, je jouais. C'était leur pseudo. Je jouais avec Karim. Je jouais la finale contre Comp, Irrit et compagnie. Ça va? Bah, moi, c'était contre Smiley, Toukouille. Bon, vas-y, c'était ok, je te donne. Ils font ça, là. Bon, vas-y, par contre, on a. Oui, ok. Mais bon, mais donc, du coup, la situation d'Underdog, cette position, donc, affronter une équipe qui est vue ultra gagnante et l'upset, ça fait partie de tes spécialités. En vrai, bah, c'est plus confortable. Quand t'as la pression de gagner, tu te mets vraiment une pression plus grande. Déjà, quand tu fais un mauvais move dans la game, tu sais, t'es là, tu fais ta game, il se passe un mauvais move. Déjà, tu sens sur le vocal, il y a une petite tension. C'est les gens, ils sont en mode « it's ok, it's fine ». Tu sais très bien que c'est un peu un « it's fine », c'est pas normal ce qui arrive. Et du coup, ça peut vite snowball sur le mental des joueurs. En mode, il y a eu un move qui a pas eu, qui était pas bon, et tu perds vite confiance en ce qui se passe, tu vois. Du coup, non, vraiment, être underdog, c'est la meilleure position. Hein. De toute façon, en vrai, en général, ceux qui gagnent les Worlds, à part dans les grandes heures de T1, tu vois, Tamoine et tout, c'est pas. Mais regarde FPX quand ils gagnent les Worlds, ils étaient pas mis favoris dès le début. C'est vrai. Regarde Derrick quand ils gagnent les Worlds. Les derniers favoris qui ont gagné, c'est Tamoine il y a 3 ans. Ouais, mais overall, sur les 5 dernières années, je pense que c'est pas les favoris qui gagnent. Hein. EDG, ça se discute hein, quand même. Bah, EDG, c'était quand même. Tamoine était quand même plus. Oui, hein, Tamoine était favori aussi. Tamoine, hein. EDG, c'était la finale qu'on entrevoyait. C'était pas des underdogs. Parce que le point, c'est quand même que c'était des deuxièmes favoris et troisièmes favoris. Oui, oui, voilà. C'était pas d'underdogs. On parle d'une équipe qui dit oh, je suis heureux d'avoir pas me faire exterminer en game. Genre, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Non, après, oui, mais eux, ils poussent le fait d'être underdogs à l'abus quand même. Ils sont même pas au courant qu'ils sont genre Ignar va être content parce qu'il va réussir à faire un flash combo sur Nautilus. Enfin, s'il te plaît, le combo, enfin, soit un peu plus d'envie dans tes games, tu vois. D'ambition, quoi. Ouais, genre, ouais, tu peux être underdog, mais pas comme ça, tu vois. C'est vrai, on a l'impression qu'ils se mettent un petit peu trop bas alors qu'ils ont très bien joué aujourd'hui. Bon, bien joué. On parle beaucoup d'NRG, c'est pas véritablement le sujet. Hein. Félicitations encore une fois à l'équipe. Tu vois, ce qui est bien nord-américaine, c'est qu'on peut tous se mettre d'accord. Tu vois, il peut y avoir débat. Mais on peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'est Shriek le pire. Ah, ça, je suis. Et ça, là, on se rejoint. Débat. Là, on se rejoint. On se rejoint. Là, Shriek, au fait, c'est pas la LFL, mais j'ai gagné à Div 2. Donc, au moins, j'ai gagné un truc dans ma carrière, tu vois. Donc, vous moi, j'ai gagné après. Mais... Ah, bah ouais, donc toi, t'as gagné quoi? C'est vrai. Je suis Chelcoré. Il a même pas gagné les chômages contre l'Espagne. Et t'es classé quoi, mon pote Shriek actuellement? C'est vrai que Shriek, tu fais caca avec Nafiri en master, s'il te plaît. Tu fais 8 heures de caca avec Nafiri en master toute la journée, tous les jours. Et j'ai gagné un open tour qui avait le niveau de ta Div 2. Alors non. Et boum. Il y avait Adam Nucléaire dans ma Div 2. Bah, il y avait Caliste. Mathias et compagnie. Il y avait que Caliste. Qui Mathias, c'est qui? Qui autour de ce plateau a déjà perdu un match officiel contre Carnage? Non, mais ça, c'est. Lève la main. Non, mais c'est Shriek la plus grande faute. Lève la main. Après, c'est vrai qu'on pourrait se retourner à ma gauche. Oui. Je suis champion d'Europe. Le Rumble non, avec moi, toi. Du coup, ouais, non, mais ça, c'est frauduleux. J'ai été Gotes. Beau palmarès, Twix. Hein. C'est vrai que champion d'Europe. Donc là, contre Twix, il gagne. J'ai dit qu'il faisait un meilleur opening de lane. C'est vrai, et c'est déjà pas mal. Et mon Rumble prend une petite sauce en ce moment. Robalas a chanté mes louanges et tout. C'est ça, vrai. Ça met plutôt pas mal. Mais messieurs, juste pour conclure, et on va passer au Fnatic Weibo juste derrière. On a beaucoup parlé de G2. Est-ce qu'on est inquiet pour G2? Ils n'ont même pas une journée pour redresser la barre. Ils affrontent Bilibili Gaming demain. Comment vous sentez la chose arriver? Qui veut open avec le pronostic, s'il vous plaît? Moi, je pense 2-0, encore une fois, pour Bili over G2.
Et G2, le seul moyen que G2 gagne le BO, c'est demain une tentative de draft un peu spéciale, genre un truc qu'ils n'ont pas joué, vraiment un truc différent de ce qu'ils ont sorti là pour essayer de débloquer la situation. La situation ne va pas se débloquer en, du jour au lendemain en faisant rien, tu vois. Il va falloir essayer un truc et je pense que bah, c'est une draft, un pick, quelque chose de différent. Shrek. G2. Pourquoi tu rigoles ? J'étais bloqué sur ce qu'il a dit avant, mais. Bah, ce qu'il dit, c'est très inspiré. Ah, ils sont au pied du mur, honnêtement, ils ont. C'est do or die. Pour moi, c'est pas facile de les juger parce qu'on ne les a pas vus aujourd'hui. C'était pas G2, comme a dit Tréton. Pour moi, d'accord. C'était pas la bonne draft. Tout dépendra du rythme de la méta, encore une fois. C'est trois BO qui vont avoir lieu. C'est par rapport. Pourquoi t'es mort de rire aussi maintenant c'est... Parce qu'à 75%, le chat considère que tu es le pire des trois, visiblement. Mais le chat, de toute façon, c'est que des frauduleux. Ils sont encore là, on sait même pas pourquoi. Et encore, je trouve que 75%, c'était gentil. Ouais, allez vers 85. Comment ils formulaient la question? Parce que si c'est genre qui a la plus grande carrière, ok, moi j'ai vu en Div 2, ok, mais j'ai. Mais il y a tout. Sur tous les trucs de joueurs, frérot, il y a rien. Apparemment, il y avait tout, on me dit. Il n'y a rien. Tu gagnes sur quoi? Hein? Tu gagnes sur quoi, du coup? Bah, là, j'ai gagné un truc, tu vois. Il a gagné un truc, t'as rien gagné. C'est... Bah, si, effectivement, j'ai gagné des Open Tours et tout. Ah, mais c'est Open Tours, c'est. Bah, je suis champion d'Europe avec lui. Hein. Et j'ai gagné. Ouais, mais on en regarde Triton, il a pleuré sur scène. Est-ce que t'as pleuré sur scène, toi? Quel chien, lui. Bref, ton pronostic, on veut ton pronostic. Ouais, mais pour moi, ça va être un 2-1, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est impossible à prévoir. Pour moi, ça va être 3 games, ça va être le Blue Side va gagner des games. 3 games, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, ça va être 3 games. Et Blue. Il va y avoir un blue qui va gagner logiquement, il va y avoir 3 games et ça va se dépendre du rythme de la méta, de comment tu draftes et surtout, comme il a dit Tréton, on va voir de la belle vête mais bien draft, tu vois. Non, on veut pas l'avoir. Hein. En fait, je pense qu'on veut plus l'avoir. On veut plus te voir en compète. Parce que ça a marché. Non, mais méchant, ça, okay, ça, c'est méchant, pour plus tard ça. Mais ça a marché pour Elioia et vraiment dans Chéo et ça a marché parce qu'il y a eu un peu d'abus des deux côtés. Mais je pense que c'est... ça marche en Europe parce qu'en Europe, on fait un peu les clowns en LEC. Mais ça ne marchera pas à plus haut niveau. Arrêtez avec cette belle vête. Acceptez de jouer Jarvan, Lee Sin, Rell. Jouez des picks. Enfin, soyez normaux un peu, tu vois. Soyez normaux. Le League of Legends de qualité mondiale, oui, on est là-dedans. Pourquoi ne pas copier des trucs qui fonctionnent? Pourquoi vouloir être absolument différent? Demain, je veux Jarvan dans la jungle. C'est pas aussi fort que les mecs... Petit Sylas au mid, mais ils peuvent c'est tenir. C'est pas plus fort en Europe. Hein. Bah, c'est Cap, pas en Europe, justement. Mais ils jouent comme en LPL. Bah, on parle de Cap, ça. Prends le passeport, t'es là-bas et c'est tout. Prends le passeport, Tréton, il ne reste plus que toi, même si Shriek bon, a un peu dodge la question. Mais... Je veux plus prono sur G2. Tu veux plus? Je veux plus. D'accord. Donc tu abandonnes ton. Ah, le double down. Ah, si, 2-0 G2, c'est bon. C'est quoi, vous décidez. Mais... On décidera. Mais qui tout double, G2, il faut bien se servir. En gros, pour moi, la série se joue sur est-ce que BLG ban ou non Kalista Draven tout le temps? Ouais. Si non, et que Hans peut le pick, il faut absolument qu'il y ait Qu'est-ce qu'il y a les deux là? Trop con. Et si c'est le cas, faut que G2 se serve en draft du fait qu'il y a tout le temps Kalista et Draven de ban, et faut du coup qu'ils jouent autour de ça, ce qui est pour moi pas assez fait pour le moment. Mesdames et messieurs, avant qu'on passe au Fnatic contre Weibo pour conclure un petit peu notre apéritif prévisionnel des matchs de demain, on vous invite sur le chat à suggérer peut-être une idée de double gage pour Tréton sur le chat. Voilà. Bon courage à la modération. On vous embrasse bien entendu, mais on recherche des idées et peut-être qu'il y en aura quelques-unes qui seront tout à fait exceptionnelles. On vous laisse le choix, mine de rien. C'est aussi votre spectacle. Apparemment, les cheveux sont off-limit. Envoyez des DM Discord. Je pense qu'on peut composer autour de cela. Messieurs, dernier match qui nous attend demain. Après, on ne sait pas si c'est encore dans cet ordre-là. On va vous le confirmer à la fin de cet after show. Fnatic contre Weibo, deux équipes qu'on n'a pas vues opérer aujourd'hui et deux équipes qui sont quasiment tout en bas de leurs ratings régionaux. Bon, quasiment tout en bas. Non, j'abuse pour Fnatic en fait. Je suis un peu con parce qu'ils sont aussi numéro 2. Mais, oui, mais c'est un numéro 2 bizarre un peu. Tu m'ôtes les mots de la bouche, effectivement. Weibo avec un roster terrifiant, c'est certain. Beaucoup de joueurs de qualité, mais malgré tout, dans ce registre-là, la moins bonne des équipes de LPL, on peut toujours dire ça aujourd'hui. La moins bonne des équipes de LPL va nous arracher, quoi. Avoir BLG, en vrai. Peut-être que BLG est secrètement moins fort que Weibo et on ne sait pas. C'est dur à jauger. Entre 3 et 4, ça doit être à peu près even. Ouais. Et du coup, je pense que Fnatic va se faire arracher. Hein. Je vois même pas un monde, il n'y a pas 2-0 pour Weibo. Je ne vois pas. Fnatic n'a rien montré de vraiment convaincant. Bah, il y a des trucs. Arrête de regarder comme si c'était choquant. Ah, attends, mid jungle, ça joue. Mid jungle, Fnatic peut faire. Humanoïde est le meilleur joueur de Fnatic. On doit avoir des images qui se baladent dans les journées d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier. Peut-être qu'on peut se remettre en mémoire. Mais je pense que botlane, champion de pool, un peu. Tu vois, si ça commence à, oui, on passe à sortir des picks, Senna, etc., je pense qu'on peut avoir des difficultés au niveau du bot aussi. C'est Humanoïde le meilleur. Bon, Razor qui est pas mauvais. On va faire ça plus simple. Force, faiblesse, dirons-nous.
dans le versus. On y va poste par poste, si vous le voulez. Oui, on... Ah, top lane, c'est dur. Peut-être duo par duo, c'est comme vous le sentez. C'est vous les experts. Moi, je peux force de Fnatic, ouais. Noix sur les bons champions, mid jungle. Oui. Faiblesse, top lane, potentielle grosse faiblesse contre The Shy. Mais peut-être qu'il fait une dinguerie et qu'il gagne. Mais potentielle grosse faiblesse. Et Trimby, potentielle faiblesse contre Crisp. Oscarini n'a dit. Bon, tu dis ça juste parce qu'il a trash talk ton bard. Non, parce qu'il a. Bah non, après, en plus, il l'a fait. On s'aime beaucoup avec Trimby. Donc oui, non, mais bien sûr, c'était pour la blague. Mais je pense qu'il a pas bien joué le BO dernier. Et je pense que Crisp est très fort. Donc. Il est champion du monde 2019. Ouais, support est top, j'ai peur. Par contre, le reste, si Noix les bons champions, ça joue. Ça joue, encore une fois, ça dépend. Hein. Humanoïde, Razor, surtout Humanoïde, faut des bons jours. Hein. Arrête, non, alors là, je peux pas laisser passer ça. Bah, Humanoïde, comment ça, c'est littéralement une définition du joueur. Ok, mais dans les Worlds actuellement, c'est pas des bons jours, c'est des bonnes périodes. Pour les Worlds actuellement, Humanoïde, ça clique, tu vois. Moi, ça fait quoi? Il a pas joué aujourd'hui, ça se trouve, il va se lever demain matin. Peut-être t'as raison un peu. Monde demain matin, il se lève, il est pas bien. En fait, par rapport à ce qu'il a fourni en LEC, j'ai été beaucoup surpris positivement de ce qu'il a trouvé dans les premières games. Après, bon, ça a commencé. Il joue bien. Humanoïde joue bien. Oui, ok. Et Shao est pas non plus ultra impressionnant. C'est vrai que Shao, la dernière fois qu'on a vu Shao, il s'est fait bien fait gap par Niski quand même. Hein. C'est vrai, 9-0. Performance pixel de la part de Niski, du coup. Mais game gagné quand même par Shao. Oui, mais bon, après, de Rock Lee sur l'absurde Niski, quand même. Ça, c'est une autre discussion. mais c'est vrai que Weibo était attaquable par Maldians. Weibo a été attaquable par Maldians. Donc Fnatic, qui sort d'un BO convaincant contre C9. Bon, convaincant, c'est pas non plus. J'abuse. Un BO correct contre C9. Peut-être qu'ils peuvent acheter 2-3 faiblesses dans Weibo. Convaincant, il y a un, il y a davantage final dans la troisième game. Convaincant. Ouais, non, mais tu m'as compris, tu vois. Genre, au moins, après, Noix Humanoïde, je l'ai trouvé très fort. Draft sympa du côté de Fnatic, en tout cas, de ce qu'on peut voir, c'est que le Meta Raid était déjà bon à l'époque. Hein. Jarvan, t'as gagné la game. En plus, c'était hier, genre. Bah, à l'époque. Bah, Xayah, Jarvan, c'était avant-hier. Ça va vite dans les Worlds, là, les méta, elles changent vite. Hein. Tous les jours, même quasiment, il y a des nouveaux picks qui sortent. Je suis d'accord. Jarvan Rumble, c'est broken et il faut jouer. Et si c'est pas Jarvan Rumble, c'est Jarvan Oriana, et tu mets Jarvan dans toutes les drafts, t'es content, tu gagnes forcément la draft. Ok, bon. Reprenons ça maintenant d'un côté un peu plus objectif. On a parlé des qualités Fnatic. Maintenant, expliquez-moi, répondez simplement à cette question. Pourquoi Weibo, selon vous, pulvérise Fnatic? Pourquoi? Teamfight. T'as vu contre C9? La seule raison pour laquelle Fnatic a gagné Teamfight, et je suis très objectif, c'est parce que C9 a run down dans les Teamfights. Même la troisième game, on a vu un clip à l'instant où tu vois les gens courir dans l'ulti d'Aphelios sur une réengage de Rell. Je suis désolé, la game était pour C9 s'il n'y avait pas eu ce run down. Et c'était des teamfights en boucle perdue. D'accord. Hein. Crash d'effet ou pas? Phase de regroupement, toujours. Hein. Les équipes asiatiques, phase de regroupement, toujours meilleure. Même s'ils ont un peu de gold de retard par rapport aux phases de lane, etc. Toujours phase de regroupement, on est derrière. Et Fnatic, c'est pas l'équipe où tu te dis, waouh, c'est des teamfights god, tu vois. Non, c'est vrai que c'est pas. C'est vraiment le teamfight. Je pense que le teamfight Weibo est très difficilement passable. Pour Fnatic. Mais les teamfights, on peut peut-être les contourner. Avec quoi, le split? Surtout le Karadine sur The Shy? On a vu un Gnar jouer à Breaker aujourd'hui, il a pas tapé une tourelle en salle. Enfin, non, c'est pas le Gnar, c'était le Jax. Jax, ouais. Il a joué Breaker, il a pas tapé une tourelle en salle pendant 20 minutes. Allez, oui, hein. Teamfight de Weibo. Dans le League of Legends moderne, il y a très peu de splits. Hein. C'est forcé sur du 4-1, il n'y a jamais de plus que du 4-1. Mm. Et c'est beaucoup de phases de regroupement. Hein. Piqueur de rappel hein, sur les teamfights de Weibo contre Mad Lions. Le Aatrox de Shai était incroyable, il bait tout le monde tout le temps. Tout le monde. Et là, c'est pareil, hein, c'est Mad qui overkill sur un tank qui a Gordrinker. La game, si les golds sont even, t'as 3 dragons à 1, t'as Niski qui est en 9-0 sur ce fight. Alors peut-être qu'il était déjà mort une fois, je crois. Oui, il s'était fait catch au top. Mais bon. Quand tu regardes l'écart au gold, alors qu'il est censé avoir 9-0 sur Niski, 3 Drake et tout, tu te dis comment on en arrive là, tu vois. Après, d'un autre côté, tu vois que sur un teamfight qui joue un peu mieux Mad Lions, ça passe, tu vois. Est-ce que Fnatic n'est pas un peu meilleur que Mad Lions? J'ai envie de dire oui. Oui, mais le truc, c'est que. Est-ce que Humanoïde va finir. Genre, ils ont perdu une game où leur midlaner était en 9-0 contre un mec quand même. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que, est-ce que Humanoïde va reach le stade d'être en 9-0? Mais ok, mais est-ce que les mecs autour d'Humanoïde vont autant run down? Ah, là, on rentre dans les faits. Est-ce que Trimmy va faire une Illisang, etc., tu vois? Peut-être. On n'est pas à l'abri. Oui, on n'est pas à l'abri, mais. On dit une Illisang. Ou une fen. C'est la définition de ce que donnait sur Humanoïde. C'est le mec qui a eu un jour sur deux run down. Quoi. Ça après, parce que Sven, il y sent Gamekick. C'est deux jours sur deux, là. Ouais, j'ai l'impression que c'était pas fou. Qui était le meilleur support entre C9 et Fnatic dans la série?
Trimby ou Sven. On a été dur avec parce qu'il y a une école qui défend beaucoup Sven. Mais Sven, c'est pas lui. Hein. Mais je pense qu'on a été dur avec Sven pour le dernier game et tout ça. Mais je pense qu'il a fait un. Après, dernier game, il nous a fait des dingueries. Je parle pas forcément du flank, mais plus parce qu'il nous offre deux Drake et un Ash. Il se fait catch souvent, mais il y se fait catch beaucoup. Mais après, c'est Alistar. Quoi, mais donc. Sven a fait un bon truc, c'est des roam top. Mais vraiment, dans la prise de vision, dans les teamfights et tout, s'il joue bien, je pense. Après, Trimby a pas fait un bon BO, mais je pense qu'il était quand même meilleur que Sven. Okay. Moi je pense que c'était juste un haters. Depuis qu'il est revenu de Corée, il est insupportable. Targamas n'est pas d'accord avec toi. Tu le sais. Moi je pense que Sven a été ok dans ses games. Hein. Et je pense que t'es juste c'est un haters. C'est le deuxième pro player qui est pas d'accord avec toi. Pff, pas grave. Après là je dis pas qu'il était bon. Je dis qu'il était ok et qu'il a pas genre. C'est pas lui qui a coûté les games dans la défaite, tu vois. Et il y a un joueur qui est pas d'accord avec genre, un retraité nul. Il faudrait tout regarder bien, mais c'est clair que de toute façon le niveau support de Trimby Sven dans les games. Ah, pour le coup, Targamas serait meilleur que les deux. Mais la question, c'est lequel était le moins pire pour le coup. Ah, moi, j'aurais tendance à quand même dire que Trimby était le moins pire. Mais. En fait. Mais bon. Encore une fois, c'est. En fait, la c'est... game la plus importante, Sven l'a littéralement run down. Donc, forcément, tu redonnes la game 3. Déjà, c'est grave, tu vois. Oui, ok, peut-être on peut t'accorder ce point. Et ton avis sur flank? Le flank, en vrai, la position, elle était pas. Ah ouais, c'est créatif. Hein. Elle était pas si. Il y avait un monde où ça passait. C'est pas le flank le problème. C'est comme l'a dit Twix, il y a un moment, il se fait catch de ouais, manière c'est... random et il donne la game, en fait. Il prend le. Donc, tu donnes la game 3. Trimby il a pas donné la game 3. C'est vrai quoi. Que c'est un peu ça game breaker ça pour le coup. Argument. Mais les deux étaient pas insane. Et Sven a mieux roam top. Bon messieurs, j'ai l'impression que vous serez pas timide pour vous mouiller sur cette affiche. Et encore un 2-0 de mon c'est côté. 2-0. Hein. De côté pour Webo. 2-0 pour Webo. Moi je pense 2-1. 2-1 parce qu'il y a un blue side synthetic et tout qui peut passer, tu vois. D'accord. 2-1. En tout cas, victoire Weibo partout de votre côté. Vous voyez pas une victoire. En fait, le truc, c'est que là, on enchaîne quand même beaucoup de BO en 2-0. Hein. C'est Fnatic qui choisit le side au passage. Le copium, on peut le mettre, mais non, mais moi, je vois même pas une équipe. Je veux pas de copium. Là nos chers spectateurs, nos chères spectatrices veulent un point de vue objectif. Vous avez été pro Bilibili contre G2 hein, de manière assez nette, je pense que c'était pas vraiment discutable. Oui, non, 2-0 G2. Oui, non, mais toi, c'est. Non, mais vraiment, moi, je pense que G2 peut pas te bilibili. Ah, pardon, je pensais que c'était contextuel vis-à-vis de ton pari. Bah, il y a un peu de ça aussi, mais je pense Karim n'a pas l'air convaincu par. G2 peut pas te bilibili, juste là aujourd'hui, c'était horrible. Oui, d'accord, Tréton. Oui. D'accord, donc il y a Tréton qui y croit, mais. T'inquiète, globalement. On va sortir du master aussi, on y croit. Du coup, ton problème, toi. Tu sais où elle est ta bouffe, elle est dehors dans la rue d'ailleurs. C'est à peu près pareil, tu vois. Globalement, Tréton, tu es le seul à pas être. Ah, moi, je dirais 2-1 pour Webo, parce que je pense que Fnatic peut arnaquer une game, mais c'est vrai que je ne le vois pas gagner. Il n'y a qu'une seule équipe qui a pris des games à des équipes asiatiques qui est occidentale pour le moment, c'est G2. Donc, ouais, non, je ne vois pas Fnatic passer Webo. Non. C'est 2-0 Webo. 2-0 ou 2-1. Ouais. Parce que les teamfights, ils ne font juste pas les gagner, en fait. Et toi, Twix? Moi, je. Bah, écoute, depuis le début de ce championnat du monde, je suis pro-Europe. Je resterai pro-Europe, même si mon. Pourcentage de bons pronostics descend au-dessus de 50%. Mais sortie du pro-Europe, du coup, comme la même question. Sortie du pro-Europe, honnêtement. Vous me demandez d'enlever mon masque, là. Honnêtement. Objectivement. Vous me demandez d'enlever mon masque de broadcaster européen. Oui, allez, enlève, c'est bon. On se fait exterminer. On se fait exterminer. J'ai plus d'espoir pour G2 que j'en ai pour Fnatic. Je suis d'accord. Malgré tout, je pense qu'on part sur un pourcentage inférieur à 50 dans les deux cas, c'est certain. Oui, bah, tu m'aurais dit 80-20, je t'aurais dit oui. J'irais peut-être pas jusque là. Je suis prêt à dire. T'es pas très fort en maths, hein. 80-20, c'est beaucoup. Hein. Je suis prêt à dire 60-40, 70-30 en faveur de Bilibili, tu vois. Je suis prêt à aller jusqu'à 60-40. Après, j'avoue que 80-20 pour Fnatic Webo, c'est pour moi 80 pour Fnatic Webo, 70-30 pour Webo. J'irais plus 60-40. Après, j'ai l'impression que G2, c'est voilà. On veut leur donner. Parce qu'on a espoir, mais c'est pas genre. On est vraiment pas objectif pour le coup. Parce que si on regarde vraiment les Worlds, admettons, c'est pas G2, c'est genre des games de la part d'une autre équipe et c'est pas le tag G2. Je pense qu'on leur donne pas autant de Après, il y a aussi le truc où tous les joueurs des Worlds et tous les joueurs asiatiques et même les joueurs américains disent tous que G2 est fort, tu vois. Oui, mais Ignar, il a dit, il se faisait éclater en scrim, il vient de gagner 2-0. Oui, mais il l'a dit quand même, tu vois. Mais genre, c'est ça qui est bizarre aussi. Messieurs, pulvérisé par Doc, là. On termine là-dessus. Alors, on avait éventuellement un débat sur Senatam Kench, mais je pense qu'on a suffisamment alimenté le sujet durant cet after-show. On n'a pas forcément besoin d'y revenir. Juste, je conclurai sur une dernière question que je vais vous poser. Une question lourde de sens. Hein. Attention, c'est voilà, je dis ça avec la mort dans l'âme. Est-ce la fin des Worlds de l'Europe?
Ah, je pensais que c'était LCS ou... Ah oui, moi j'avais dit LCS et Super. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout, parce que ça, ça a déjà été validé aujourd'hui, en fait. Donc, bah my bad, pas de sujet, pas de débat. Ça a, ça a été validé aujourd'hui, hein. L'Amérique du Nord est supérieur... Enfin, le site numéro 1 d'Amérique du Nord a été supérieur au site numéro 1 de l'Europe, c'est un fait, c'est arrivé. On va se faire flame pendant bien longtemps. Notre numéro 4 les a bien flammés. Je vais pas dire le contraire, mais... Il est en quart. Mais entre-temps, NRG, on attend encore qu'une équipe européenne les fume. Bah, c'est la fin de l'Europe. Mais est-ce la fin imminente de l'Europe au championnat du monde 2023. Je sais pas. En fait, c'est dur à dire, mais il y a peut-être un oui. Enfin, le truc, c'est que G2 a essayé de le faire parce qu'ils ont essayé de renouveler, prendre des nouveaux joueurs, etc. Mais je pense que c'est plus en général un problème sur la LEC. Non, tu dois parler de ton body painting. Tu vises pour qui? C'est la fin de l'Europe ou pas? Oui, c'est la fin de l'Europe. Là. mais là, force à toi. Là, c'est retour, billet d'avion. Demain, enfin, la semaine prochaine, limite, tu peux faire une bouffée avec Onsama. Limite. C'est vrai qu'on pourrait avoir Onsama sur le plateau. ça c'est un bien pour un mal. Je sais pas s'il rentre, on va peut-être aller le rejoindre quand il va profiter de... Oui, c'est vrai. Puis bon, c'est une resta là-bas au passage. C'est vrai, ça. C'est peut-être ça le problème, trop de paparazzi. L'Europe est finito, oui, et G2 était l'espoir, et aujourd'hui c'était terrible. Donc, C'est pas fini. Alors, moi je pense, que c'est pas... je pense honnêtement que c'est pas fini, mais je suis délu moi, donc... C'est pas fini. Je vais pas prendre mon avis à moi. Shriek. Moi je suis trop copium, je suis trop en train de me dire il y a deux options pour qu'on ait à des quarts, je suis trop en même de... ouais, on va avoir deux équipes en quart alors que je pense qu'on va se faire ça fait 10 minutes, ce mec est débile, ça fait 10 minutes qu'il est en train d'expliquer par A plus B que l'Europe ne va pas passer en quart et qu'ils vont perdre. C'est pour ça que je pose la question après, tu vois. Et juste après il est là en mode vous ne puissiez pas backdash, le seul qui backdash pas pour l'instant c'est Karim, il est honnête avec lui-même. Karim il est simplet. C'est pas question que tu simplet, c'est que j'ai réfléchi et j'ai posé des arguments, enfin quand j'ai posé mes arguments j'ai réfléchi, tu vois. Non, mais je suis d'accord, l'Europe va se faire exterminer, il faut penser à l'année prochaine. Et tu as tout mon respect, vraiment, jusqu'à présent, tu nous fais un After Wars pixel perfect. Toi, Tréton, t'es juste omnubilé par le fait de pas te retrouver en slip avec Romain Bijard. Non, je suis omnubilé par. J'ai deux, je suis d'accord, je suis peut-être délu. Après, commencer en slip. Moi, je pense, t'arrives en T-Max sur en T-Max body painting, c'est hyper dingue. Hein. Voilà, je te le dis. Hein. Avec le drapeau des RNG, enfin bref, tout. Tu veux, c'est ça, on rajoute un T-Max. Non, non, mais on a des gages qui sont peut-être T-Max. En train d'être stockés, hein, les amis. Drapeau américain, logo des RNG. Oh, bon, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Donc, vous l'avez compris, les affiches de demain. On va avoir l'ordre, on va vous le donner dans quelques instants. D'abord, on fait les pronos du jour et tout naturellement, c'est un massacre. FF. C'est un massacre. Oh, traitons aujourd'hui, tu... Pas l'enchaînement. Ouais. Avec Chipso, on reste vraiment tranquille sur le 50%. Alors, quand même, parce qu'on parle beaucoup de chips, noix, de moi-même, hein, pour le coup, parce que voilà, on vote Europe, on prend cher au niveau des pronostics, mais il faut parler des personnes qui sont en train de smurfer et qui jouent ce jeu des pronostics sérieusement, et notamment Fingin, hein, qui, quand même, se targue d'un très généreux 74% de bons pronostics dans ce championnat du monde. C'est assez exceptionnel. Pour le coup, aujourd'hui, il a pris cher parce qu'il me semble qu'hier, il était pas loin ou à 80% de bons pronos. Donc, quand même, ça force le respect. T'aurais vu quoi, toi, Karim? Ah, quoi? J'ai le seum, moi, c'est tout. Oui, t'as le seum. Moi, double lose et tout en projet. Bon, après, Chips, Noir et moi-même, j'avoue qu'on a give up, hein, à partir du moment où on met Mad gagnant et tout. Enfin, genre. Ouais, tu pouvais comeback. Mais, on se fait arracher, quoi. Demain, on a les horaires ou pas? Alors, on va les avoir, on va les donner dans quelques instants. On arrive au bout, mesdames et messieurs, de ce Swiss Stage. Et le programme, eh bien, il n'est pas vraiment dans l'ordre, mais quasiment, on inverse juste le Fnatic Weibo. Donc, match d'introduction. Alors, je précise, c'est pas une erreur. C'est bel et bien 5h du matin. Ce n'est pas une erreur. Le Corée contre Corée démarre à 5h du matin. BO3 qualificatif ou éliminatoire pour les Worlds. Katie Rollstar contre D+KIA. À 8h, si jamais ça va en 3 games, ça peut être à 7h du matin. Attention, Fnatic contre Weibo. Et ensuite, G2 contre Bilibili, prévu à 11h. Mais par savant calcul mathématique, ça peut commencer à 9h. Donc à 11h, on a fini la journée et on s'est fait exterminer. On gagne 1h cette nuit au passage. Ah ouais ? Oh, c'est on cool. Dort 1h, c'est vrai ? Vous allez pouvoir dormir 3h au lieu de 4. Non, 3h. Ouais, mais pour le coup, non mais no joke, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à 3h, il sera 4h. 3h. Ah, en 2h. Ah, abruti ! Non, on gagne 1h, mais 2h du coup. Il va juste, tu vas revenir sur la même heure. Tu vas faire 3h59, 3h. Ouais. Donc à 3h, il est 2h. Mais enfin, c'est. Bah, tu vas comme ça. Karim, à 3h, il est 2h. Ça dépend comment tu le vois. Tu es le seul détenteur d'un cerveau fonctionnel. Non, mais non, à 3h, il est 3h. À 3h, il est 2h. Ouais, à 3h, il est 2h. Ouais, mais il a dit 3h, 2h. Ou à 3h59, il est 3h. C'est ça, oui. C'est ça ma logique.
Belle logique. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là, hein ? Ah non, je m'y attendais vraiment pas. Ah, pour le coup, il t'a mis très très bien. C'est pas ma journée, c'est pas ma journée. C'est pas notre journée en tant que fan européen. C'est la preuve, quoi, que les supports, c'est un peu des budget junglers, quoi. C'est les mecs qui se baladent, pas de cerveau, ça se bave dessus, ça lance des sorts. En fait, support, c'est le jungler sans clavier. Sven, exactement. Guignard, sans cerveau. En vrai, les mecs qui hintent le plus les games au World, la TM, c'est qui ? Bah c'est les mecs qui doivent frontline. C'est des supports. Qui doivent tout le temps frontline. Non, regarde Honor avec son Jarvan, très belle frontline, très belle engage. Je peux montrer des Jarvan qui font des trucs de fou aussi. Je te montre d'Alistar qui font des trucs de fou, moi. Ils ont plus de level, ils ont plus de stuff. Les supports, ils jouent comme ça. Folie, frère. S'il te plaît, tu te souviens quand il a fait X-Flash dans le bush et il y sangle là ? C'est pas un support qui avait loupé son combo flashé. Alors que ça arrive, ça. Ah, ça arrive. Ah, oui. C'est Galen qui a fait ça. Ah, ça arrive. Bah, ça arrive. Bah, littéralement, ça arrive. Ça arrive au world, game ultra importante, engage ultra importante à 35 minutes. Ça devrait être la description du Twitter de. Tu es en train de me dire, il y a des junglers qui ne ratent rien. Absolument. Rien du tout. Foutez de ma gueule. Frère, t'imagines que le support. Donc Shio, quand il a contesté les golems contre Illuya. C'était bataille d'ego. Ah, il a pas dit. Lui, c'est pas le cerveau, lui, c'est de l'ego. Mais là, c'est. Ah, c'est de l'ego du coup. Bah oui, c'est la testostérone. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ce dont on manque au poste de support, c'est ça que tu impliques ? Non, sinon on va rentrer dans des débats. On va rentrer dans les débats un peu. Voilà, on va s'arrêter là. Malgré tout, messieurs, c'était un véritable plaisir de tenter de survivre dans cet After Wars avec vous. En tout cas, on a eu beaucoup de LP, beaucoup de level et trois postes différents. Vous devriez faire une équipe ensemble, vous vous entendriez super bien, je pense. Hein. Peut-être un Miracle Run européen, ce serait fabuleux. C'est pas avec toi. On a perdu en quart avec toi, mais Et c'est pas ma faute. T'as une vilaine Elise là. C'est quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, vas-y, on va régler nos comptes après. J'ai vu cette game, t'as run down mentalement. Ah, merci, Shrek. Je m'en souviens. Merci. Mais je te rappelle que le jour même, il y a un drama sur quelqu'un qui a explosé dans mon. C'était après. Bah, c'était le jour même. Non, c'était après, 100%. Moi, je te le dis. Il y avait quelqu'un dans l'équipe qui avait peur de jouer parce qu'il y avait des problèmes plus importants que taper des gens. Mais non, c'était après. Non. Non, on a raison, mais laisse tomber. Apparemment, on a raison. Il y a des débats sous-jacents. On va régler ça off live, chers amis. Karim, malgré tout, un immense plaisir de te recevoir sur le plateau. Encore une fois, cette fraîcheur que tu apportes sur les analyses nous ravit. Comment ça va de ton côté au niveau des actus ? Il y a des choses mercato, particulières mon qui gars, se passent. Mercato, qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous tout. Mercato, je suis dans ces leaks là ? Je suis woulou ? Non, fais ce que tu veux. Leak rien, juste parle de toi. Bah moi, je sais pas, peut-être on verra Burger King, McDonald's, la classique. Mais en vrai, je sais pas, je parle avec des équipes, des projets qui m'intéressent, on verra... Peut-être, vas-y, reconversion, je sais pas, peut-être... Un peu de streaming, peut-être, entre-temps, sur la fin de l'année ? Là, ça fait 8 jours, tu dis ça, ça fait 8 jours que j'ai pas stream, je me fais insulter déjà. D'accord, bah reprends peut-être, peut-être demain, après-demain, un truc comme ça. À quelle heure ? Dans la nuit. Dans la nuit, voilà. Stream nocturne avec Karim KT sur Twitch, mesdames et messieurs. Masterclass de jungling agressif. Bien entendu, je fais une bonne publicité. Shrik, merci à toi d'avoir participé à cette After Worlds, d'avoir survécu. T'as eu des bonnes games aujourd'hui, t'as pris du plaisir ? J'ai pris énormément de plaisir, bon il était là, mais à part ça c'était cool. Par contre, l'engrenage des deux là, ça m'a un peu pété les couilles. Ouais, c'est sûr, Tréton, bah je te laisse quasiment le mot de la fin. J'ai cast qu'une game, c'était la game 2 NRGG2. Merci pour ton sacrifice pour la deuxième game. FF. Mais en tout cas, une merveilleuse journée pour nous, mesdames et messieurs. Il ne reste plus qu'à vous quitter. On vous remercie d'avoir suivi cette journée de compétition avec nous. On vous rappelle le programme de demain, 4h45. Je vais bien, 4h45 du matin. Pré-show, 5h du matin, Katie Roster contre D+K et ensuite ça s'enchaîne. Un immense dimanche de League of Legends vous attend sur OTP. Les Worlds 2023 continuent avec des matchs qui vont être palpitants. On vous souhaite un très très bon après-midi et on vous dit à demain matin avant le lever du soleil pour plus de compétitions. Prenez soin de vous, à demain, salut.